partout, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Hey. Les gars, c'est la cérémonie. T'as entendu ou pas ce que je te dis? Non, tu m'as dit quoi? Et puis voilà, tous en bagnole. Vas-y. Et puis on va commencer à partir tranquillement. Hein. D'accord? Oui, mon capitaine! 10-4! J'ai pas tenu, les gars. Ah, menstruation égale les règles, mesure. Mais non, mais. Okay. Oui, il me semblait que ça finissait par Sion. Mélangez-vous, c'est pas un dispatch. Et attends, 13-13-0-1. Ouais. Tiens, je te dis un truc urgent. Quoi? Attends, viens. Oui, toi. La Buffalo qui est là-bas, avec qui Vigit l'a mis dans ton inventaire? Ah ouais. Oh, bien vu. Personne n'a les clés, c'est parce qu'on a oublié de mettre les clés. Oh, bien vu. Parce qu'il faut mettre les clés. Mais non, mais pourquoi je crache? C'est pas possible. Ça me refait comme la dernière fois. Bah ouais. Il y a des petits lags. Attends. Oh, j'espère que ça va pas me refaire comme la dernière fois, c'est sûr. Voilà. Allez, on y va à l'état-major ou merde là? Les quoi? L'état-major. J'ai pas la glaide. Ouais, bah la glaide, il va falloir qu'il bouge son cul, hein. Il s'est endormi encore. Non, faut qu'il aille se faire enculer. Non. Oui, bah faites en sorte de le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, mon capitaine? C'est le récap de l'année, il est pas là. Qui n'est pas là? Ah, Glenn. Pourquoi il est où? Ah, il dort. Eh ben, on va le réveiller. On va où? Bah, la mairie. Alsen Bombarde va mettre des bancs vite fait là. On s'en fout de la supérette, Sache que d'homme. De quoi, je te dis que j'ai toujours pas allé à la mairie sans GPS. C'est le seul endroit où je sais pas aller. Bêtise. Ah ouais? Le SASP. Ah, mais il neige! C'est la cérémonie. Oui, bah il neige depuis 3 semaines. Bah non, hier il neigeait pas, hier soir. Hier ça va être. Ah oui, mais Mais quoi? J'ai fait une annonce, mon capitaine. C'est quoi votre annonce? Merci de ne pas faire de bêtises, le SSP. C'est un cérémonie et en quinquef. Non mais Riz! Oui, mon capitaine, Aucun officier n'est disponible. Ah! Vous êtes cru au quartier Inglewood ou quoi? Oui, bah je sais pas, c'est pas histoire de qu'ils comprennent quoi. Voilà, ça valait moins, moi ça, ça m'incite à du coup à faire des bêtises. Hein. Aucun keuf n'est disponible. Bah, c'est vrai en soi. Oui, mais tu mets aucun officier, prends des formes. Ah oui, mais après moi je suis keuf moi capitaine, je suis pas littéraire. Non, tu es policier. Hein. Tu es officier de police. Oui. Bah, je suis pas littéraire en tout cas, ça c'est sûr ça. Ah bah, oui, on avait remarqué. Ça on avait remarqué hein, c'est moi 42. Tu vois, ça c'est les véhicules qui font ça, j'ai envie de leur tirer. Oui, moi aussi 42, j'ai envie de leur niquer leur merde. C'est quoi, viens descendre s'il te plaît, 42, viens on lui tire dessus. Vas-y. Attends, on va chercher déjà. Vas-y. 42, fais-lui la misère. Choque-le, 42. Non, tu vas tirer avec moi. Vas-y, on tire ensemble. Allez. Je suis outré de ce que je vais voir là. Non, j'ai cru que t'allais tirer, j'ai trop la haine. T'as cru que j'allais faire un meurtre sur un pauvre innocent, 42? 10-22, ouais. Dernier vol. J'ai vraiment cru que t'allais le faire. Et j'ai espéré, au fond de moi, j'ai espéré qu'il sorte avec son arme et qu'on lui tire dessus. Oui, c'est moi, 42. Vous foutez de sa gueule, Riz? Oui, capitaine, oui, mon capitaine. D'accord. Mais comment ça, d'accord, ok? Bah non, mais c'est. Enfin, non, c'est pas bien, Riz. Tu sais quoi, Riz, tu es rétrogradé maintenant. Quoi? Félicitations, SM Riz. Vous pouvez pas me rétrograder parce que je me moque de vous, 42. Bah si. Maintenant 42, je vais. Dire quelque chose. Qui va dire quoi? Mais je vais aller au prud'homme, je vais. Pas au prud'homme. Bah je vais y aller. Bah super. Non mais arrêtez de dire des trucs comme ça pour rien parce que quand ça va être vrai, vous connaissez l'histoire de Pierre et Loulou 42? Oui, mais. Non mais y'a pas de question de Pierre et Loulou. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pierre? Est-ce que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pierre et Loulou? Oui. Capitaine, vous la connaissez? Pas du tout. Bien, en gros, Pierre, c'était un petit enfant qui vivait seul avec sa mère, d'accord? Et elle élevait toute seule et tout. Et en fait, Pierre, il avait souvent des tâches à faire à la maison. Par exemple. Un jour, il devait faire ses devoirs. Et il vivait dans une forêt, Pierre. Genre, ils avaient une petite cabane dans une forêt, d'accord? C'est important pour la suite. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, Pierre, il devait faire ses devoirs. Il voulait pas. Il a dit à sa mère, Maman, il y a un loup, Sa mère, elle a eu peur. Et elle, du coup, elle a dit, bon, laisse tomber tes devoirs et fuis avec moi, tu vois.
Du coup, une deuxième fois, sa mère, elle l'appelle, elle lui dit: Pierre, allez, viens, il faut que t'ailles prendre un bain. Attends, capitaine, t'es au téléphone, là? Oui. Capitaine, tu m'écoutes, hein? Oui, oui, Alsen, ça marche. Continuez. Du coup, deuxième fois, Pierre, il doit prendre un bain. Elle lui dit, Pierre, il voulait pas. Il disait: non, maman, je veux pas aller prendre mon bain, je veux pas aller prendre mon bain. Elle lui dit: si, Pierre, il faut que tu prennes ton bain, il faut que tu te laves. Du coup, Pierre, il dit quoi? Il dit: maman, il y a un loup. Sa mère, elle prend Pierre, elle le sort de son bain. Ils partent en courant. Du coup, Pierre était content d'avoir pris son bain. Une troisième fois, Pierre et sa mère, ils étaient dans la forêt et ils cueillaient des champignons. Vous voyez? Et Pierre, il dit, il était là avec son champignon et qu'est-ce qu'il voit? Un loup. Il dit à sa mère: maman, il y a un loup. Sa mère, elle dit: oui, petit fils de pute, c'est bon, tu me l'as déjà fait deux fois, cette fois, je tomberai pas dans le panneau. Sauf que cette fois-ci, il y avait vraiment un loup. Et le loup, il a tué la mère de Pierre, il l'a mangé et Pierre, il a culpabilisé pendant toute sa vie. Et il a dit: plus jamais. À force de crier au loup, on finit par se perdre par mégarde. C'est ça la morale de l'histoire, mon capitaine. D'accord. Et du coup, tout ça pour revenir à quoi, SLO Riz? Je suis pas SLO, je suis sergent 42. Si, tu es SLO. Oui, et toi t'es KD. Mais tu es SLO officiellement, c'est pas une blague, hein. Non, arrête. Là, la cérémonie, tu vas te mettre avec l'SLO. Arrête, 42, s'il te plaît, 42. Non, c'est pas arrête, tu vas me rabaisser devant tous mes collègues. Pas. Je suis là, je fais la taf de fou. Personne n'est au courant, on va rien dire. Et mais écoute, oui, mais si je suis avec les SLO. Écoute, je t'ai sauvé la mise l'autre jour. Avec le Gouv, tu recommences. Avec le Gouv. J'ai invité les médecins d'ailleurs. Gouv qui voulait te faire tomber. Oui, mais j'ai recommencé à quoi? Du coup, là, écoute, écoute-moi. Il faut que je retire mon gilet. Là, tu es SLO, oui. C'est mieux. Tu es SLO et tu dis rien à personne, juste tu es SLO. Mais ça veut dire que je vais être rangé avec les clowns de SLO. Oui, exactement. Félicitations. Putain, casse les couilles. On met pas un chat avec un chien, on met des chats avec des chats. Je m'y connais. Bah oui, mais je devrais être avec l'état-major, moi. Je devrais. Avec des clowns. C'est avec vous que je devrais être capitaine. Bonsoir. Ah non, moi je suis pas. Bonsoir. Bah ils sont où les collègues? On est les premiers arrivés? Oui, c'est vrai, t'as bien raison. Bonsoir, monsieur les agents. Bonsoir, les médecins. Bonsoir. Meilleur job de la ville, bonsoir. Bonsoir, mais ils sont où les collègues? Ils arrivent. Mais attends, on arrive avant eux? Bah oui, ça va et vous? Mes hommages, mais je suis pas mort encore. La neige, elle est mal placée, c'est ça? Oui, je fais un tas. Alors je récupère la neige. Rassurez-moi, vous êtes pas en train de faire le jardinier, monsieur l'agent? Naé? Si? Ah non, j'ai cru que vous étiez Naé. Ah non, c'est pas moi. Ça va madame, vous allez bien? Très bien, et vous? Vous êtes la collègue de Naé? Bah oui, en quelque sorte. Vous savez qu'on se drague, elle et moi? Ah oui, bah, elle est pas très contente de la dernière fois, hein. Pourquoi? Mais c'est Alvarez! Ah bah, oh, par rapport au... au gag que vous avez arrêté, là. Ah non, c'est pas Alvarez. Quel gag j'ai arrêté? Attends, bah, celui qui vous a frappé, là, que vous avez emmené... Vous vous souvenez pas? Non. Mais on dirait Alvarez. Vous alliez l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Oui. Bah lui. Eh ben quoi? Eh ben elle a pas apprécié. Mais je l'emmerde celle-là, je l'emmerde hein. De quoi? Non, c'est pas Alvarez ça. Putain, on dirait Alvarez, mais c'est pas Alvarez. Arrête de te mêler de tout toi. Oui, arrête de te mêler de tout. Eh, ça fait combien de temps que vous êtes EMS madame? Ça fait 2 semaines. Attends, ça correspond. On l'avait whitelist il y a pas longtemps. Ah ouais. Ça se passe bien? Oui. Bah oui, nickel hein. Bon bah super. Bon ben écoutez, et vous faisiez quoi avant d'être EMS? Bah j'ai toujours été médecin en fait. Ah ouais? Bonsoir. Bah oui bien sûr. Ok. J'ai 6 ans d'études. Ah oui? Je sais pas où il faut qu'on se compte. Moi aussi je sais. Bon ben super madame. Allez. Au revoir. Bah oui. On dirait Alvarez mais on dirait pas Alvarez. Mais non mais je crois qu'Alvarez... Non je vous spoil pas, attends. Mais non Alvarez je crois. Non là-bas au fond je pense. Non c'est pas Alvarez. Après, je pense pas qu'ils sont autant que ça. Hein. Je pense qu'en fait, t'es en train de dire que t'es une moule, madame la mère? Monsieur l'agent, monsieur les agents. Oui, bien sûr. Vous êtes en train de dire que vous êtes un crustacé? Nous, les EMS, on s'installe. Moule, on se met où en fait? C'est un crustacé. Essayez vous partir là quelque part, hein. Je sais pas, de toute façon, votre travail il sert à rien. Sans vous servez à rien pour être tout à fait honnête, donc bon. Mais ça fait plaisir. Dis donc. Ah ouais, les médecins, mettez-vous juste ici. Ouais. Restez debout, ouais. C'est qui la directrice? On sait faire le ticket, vous en faites pas. C'est qui la plus gradée là entre vous? C'est moi. C'est quoi ton meilleur jour de la semaine pour toi? Pour? Bah, c'est quoi le jour que tu préfères dans la semaine? Merci, c'est partout. Ok, vendredi prochain, t'es chez les médecins toute la soirée.
Yes. Let's go. Oui. Yes. Je suis heureux. Merci. Allez hop. Ah mais c'est tout bien, en plus je suis pas là vendredi prochain. Je pourrais être chez les médecins, mais ça n'empêche pas que vous servez à rien, que votre travail c'est de la merde. Moi je vous le dis. Pardon, est-ce que tu penses que tu sers à quelque chose toi? Et nous on est des vrais agents de terrain, nous on est là, on arrête les criminels nous. Bah nous aussi. Mais nous on vous sauve. Mais si nous on était malins, on sauve le cul nous. Oui oui c'est ça. Vous seriez mort. Oui je pourrais. C'est vrai. Je pourrais le faire tout seul, je me fais un bandage et c'est bon hein. Oui bien sûr. Oui bien sûr. Oui j'arrive, 42 j'arrive. Allez au revoir. Quoi? Tu veux continuer que je te descende ou je t'annonce devant tout le monde que tu descends officiellement SLO? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Hé, respecte les médecins là, tu te prends qui? Mais je respecte les médecins, je leur ai pas manqué de respect si. J'aurais pu mettre un bandage tout seul. Bah oui, c'est vrai, je peux me faire un bandage tout seul. Tu veux que je te tire une balle dans le ventre et qu'on voit si tu vas réussir à te soigner tout seul? Non, je veux pas. Respecte s'il te plaît. Ah oui, mais bon, écoute, mais c'est vrai que nous par rapport à eux, on fait un travail de fou quoi. Non, 42. De quoi? Genre, mais nous on fait un travail de fou par rapport à eux, ils servent à rien quoi. Entre toi et moi, 42. Non, mais heureusement que les EMS sont là, les EMS font un meilleur travail que nous, sache-le. Oui, hein. Oui. Ah oui, il faut mettre. J'ai compris, 42, faut faire semblant. Ok, bon, je vais leur dire. D'ailleurs, tu t'excuses. Mais messieurs, dames, les EMS! Je suis désolé pour mes propos, oui. Faites un bien meilleur travail que nous. Non, c'est pas ce qu'on demande, hein. On demande juste de la reconnaissance. Tu vois, je te l'ai dit, ils font un travail de merde par rapport à nous, 42. Tu vois, même ils le disent. Ah oui, vous êtes bêtes, hein, vraiment. Hein. Non, mais c'est vrai, 42, ils ont même pas d'armes. Bah et alors, c'est normal. Comment ils font pour tuer les criminels, 42? Comment? Bah, d'accord, ok, bon. Bah ouais, comment ils font? Bah ils peuvent pas, voilà. En fait, si vous voulez, grâce à nous, vous avez des criminels qui sont encore en vie pour pouvoir les interroger. Oui, et puis ça, grâce à nous, vos policiers, quand ils vont en fusillade, ils se font pas tuer. Exactement. Voilà. On a rien à foutre, on a des gilets pare-balles. On s'en fout, hein. Mais des fois, mais vous êtes pas immortels, hein. Pare-balles sur la tête. Des gilets, hein. Les gilets, ça vous sert, oui, mais ça vous sauvera pas la vie, hein. Et ils sont dégoûtés parce qu'ils servent à rien. Oui, viens-y. Oui, j'arrive. Ah bah, vous savez quoi, on va faire grève, voilà. Bah oui, on va faire grève. Hein. Comment ça, grève? Calmez-vous les stagiaires, là. Écoute, tu vas aller voir, tu vas t'excuser, tu vas leur dire qu'ils font un super travail. Oui. Si tu fais pas ça, sérieusement, et peu importe ce qu'ils te répondent, même s'ils disent non, on fait de la merde ou autre, peu importe, tu dis non, d'accord, tu fais... Oui. Même si tu le penses pas, je m'en fous. Sinon, je te promets, hein, et c'est pas une blague, tu repasses officiellement. Ok, mais 42. Je te promets que je vais annoncer 42. Devant tout le monde. 42, mais écoute-moi, écoute-moi. Ouais. Tu vois, quand. En fait, quand je suis un CELO, je suis un peu un golemon. Alors que t'as vu, quand j'étais sergent, t'as vu comment j'étais sérieux? Il faut que tu me remettes sergent pour que je fasse des plates excuses. Mais surtout te faire descendre. Non, mais regarde, tu me remets sergent, moi je fais des plates excuses, et tu vas voir, je vais redevenir sérieux en fait. Quand je suis sergent, je suis trop sérieux en fait. Tu vas voir, regarde. Je te promets, et ça marchera pas avec moi ça. C'est où tu vas redescendre officier 3 si tu t'excuses pas, ou tu vas redescendre. Ok, c'est bon. Super. Messieurs, dames, les EMS, je tiens à vous présenter des excuses, votre travail ne sert pas à rien. Merci. De rien. Allez, viens, Riz. Oui, je viens. Mais est-ce que c'est des sincères? C'est ça la question. Ouais, je suis pas sûr. Pensez vous je dois vraiment leur répondre là ou pas? Non, vraiment pas? Ok. Tu l'as dit, c'est le principal. Qu'est-ce qu'ils font, les collègues? Ce que j'ai entendu avec 07, c'est que un peu le bazar, du coup, là, il est en train de gérer. Non, ils vont me remettre sergent, enfin je crois, j'espère, je pense. Non, je pense qu'ils vont me remettre sergent. Ibo TBH. J'espère. Et du coup, vous savez ce que c'est la capitale de la Suisse? Parce que bon, là, j'ai vu ça a prouvé un. Si on a déjà gagné un jeton, on peut regagner un autre? Je crois que oui. Et t'aurais une chatte de fou, hein. Alsen, Riz et vas-y, place les gens quand ils arrivent, s'il te plaît, Riz. Ouais, ok.
Non, c'est bon, Riz va s'en occuper. Ok, écoutez-moi. Du coup, ça va, 42 les cadets, à votre droite, les officiers, un peu plus à votre droite. Ensuite, SLO sergent. Non, attendez, non, les deux bandes du milieu, du coup, à ma droite et à ma gauche. Mais respect. Tout ça, c'est les officiers. Tout à votre droite, c'est les cadets. Tout à votre gauche, c'est au-dessus respect, de. Capitaine. C'est SLO et sergent, tout ça, là, droite, d'accord. C'est les cadets. C'est les cadets là-bas. Cadets, tout à votre droite. Les cadets. Okay. Cadets, à votre droite, officiers. À droite et à gauche, au milieu. Et au-dessus de SLO, SLO et au-dessus, tout à votre gauche. Allez, on y va. Les rookies, c'est où? Tout à votre droite, les rookies. Les rookies, tout à droite, officiers, au milieu, à droite et à gauche, et SLO, tout à gauche. Allez, on y va. Personne sur le banc, j'ai pas dit sur le banc. Sur les bancs là. Au fond. C'est officier au milieu, à droite. Bah, officier, les deux bancs du milieu là. Ah si, oui, vas-y, viens sur les bancs, oui, il y a des bancs, ouais, j'avais pas vu. Ouais, vas-y. Ok, voilà, super, super, c'est très bien. C'est très bien, les collègues, allez, on remplit là. Allez, cadets, on avance. Avancez là, allez, on avance le plus possible. Ici, j'en veux deux ici et deux là. T'es un peu devant moi. Deux par deux sur les bancs, deux par deux sur les bancs. Oh, deux par deux sur les bancs là, on se dépêche. C'est bien, les officiers, c'est très bien. Allez, mets-toi en rang, toi, mets-toi en rang. Avance. Pardon, messieurs. Regarde, regarde cette colonne comme elle est bien, regarde cette colonne comme elle est bien. Regardez comme elle est bien cette colonne. Merci, ça fait plaisir. Comment ça derrière? Alignez-vous, bordel, aligne-toi. Elle est ma place. Pour une main, j'étais déjà là, par contre, pas derrière. Mais on fait pas partie de SSP, y'a pas besoin. Alors vraiment, t'es devant, Riz, j'étais devant. T'étais devant, oui, mais bon, là, j'en veux deux. Non, mais. Ouais, deux, ouais. Y'a pas de banc là, reculez tous les deux là aussi, là, reculez. Il y a un banc là derrière. Mais non, mais il est derrière, il est pas devant. Allez, allez, on va derrière. Ah, on est devant. Oh, ça avait pas de sens, on était derrière. Ok. Non, je regardais voir si. Donc, je connais vu que je suis loin. Je me sers de mon téléphone. Bon, vas-y, c'est bon. Ok, super, super. C'est bon, mon capitaine, c'est bon. Bah oui, je pourrais, mais on va pas passer. Ils sont trop beaux. Riz, viens voir. Oh, arrive. Oui. Là, je te parle doucement. Est-ce que tu peux me montrer devant tout le monde que tu peux mettre une pression à quelqu'un sérieusement? Oui, je peux. Ok, mets une pression à Bijou. Il a fait quoi, Bijou? Bah, regarde-le, tu verras. Ah, le casque? Oui. Tu veux que je le fasse moi? Oui. Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon, je vais le faire. Prends pas leur chapeau. Ouais, mais filles, en fait, je vais le faire, mais après, oui, j'ai oui, peur. Il y a un homme qui a pas de chapeau. Ils vont dire oui, Riz, il nous gronde, il se prend pour qui et tout. Non, vous croyez. Il y en a un, c'est un chapeau, c'est même pas un chapeau. Vas-y, je le fais, c'est bon. Oh, les cadets là. Oui, capitaine. Oui. Là, y a pas un problème là quand vous voyez vos officiers? Chapeau. Le chapeau. Le oui. Chapeau, les collègues. Le ouais, chapeau. Le chapeau. Le chapeau, oui. Moi, c'est zéro. Et moi aussi, j'ai pas mon chapeau. N'importe quoi. Oh, chapeau. La poucave. Si. Là, je suis Sogmar. Ah ouais. Allez. Les deux devant, là, le chapeau. Bijou. C'est un chapeau de cérémonie, ça? Pas de chapeau. Pardon pour les femmes. C'est un chapeau de cérémonie, ça? Mais on n'a pas eu de chapeau. Voilà, tu mets ton chapeau. Ça, c'est quoi ce chapeau, là? Tu crois on est où, là? T'es dans l'armée de l'air, toi? Ça te fait rire? Non, vraiment. C'est quoi ton matricule? 103. Capitaine, 103 lui, hein. Mets ton chapeau, mets ton vrai chapeau. Oui. Allez, on se dépêche. C'est mon frère, c'est Jessy. Dépêche-toi. Allez. Et bon. Il est où ton chapeau? Je l'ai oublié. C'est bien mon chapeau. J'ai pas d'excuses. Bien, merci. Merci. Y'a personne qui a un chapeau qui traîne là. C'est bon, c'est pas grave, je ferai sans chapeau, je me sacrifie pour mes collègues. Non, j'en ai un. T'en as un? Vas-y, je veux bien. C'est pas moi qui t'ai dit ça, Riz. Merci, collègue. Pas de problème.
ça dommage. Alors là, je. Ce patin. Là, je vais parler. Non, mais je vais l'enculer. Ensuite, je trouve ça dommage. Le dernier chapeau là. Que quand on vous demande d'être sérieux, vous arrivez quand même à vouloir faire les guignols. C'est pareil pour le nord, hein, c'est pareil. Donc pour le sud ce soir, bon, j'avais chapeau. Prévu quelques petites montées. Je l'ai pas. Et bah ça vous passe sous le nez. Finir 2023 avec votre grade actuel. Non. Je comptais pas vous monter, bijou, fermez là. Donc maintenant, moi, je te coupe. Est-ce que quelqu'un d'autre a un chapeau, s'il vous plaît? Il y a un sergent qui a pas de chapeau, visiblement. Bijou, tu reviens. Négatif. Moi j'en ai un pour vous, si vous voulez, 42. Parfait, donne à 80. À 80, tu vas le chercher, s'il te plaît. T'es où, 50? Là, je suis là au milieu. Je passe par là. Ok. Bien, messieurs, dames, merci à tous et à toutes d'être venus. Merci, bien évidemment, aux médecins. Au SAMD, ils nous protègent. C'est eux qui nous soignent. Ils sauvent des vies chaque jour. Et pour okay. ça, on se doit de les remercier. Donc, merci à vous d'être présents. Merci à vous. Je vous applaudis. Merci beaucoup. Félicitations. Donc on peut les remercier également. Bravo. Oh mon Dieu. C'est grand chef. C'est quoi O7? Merde, c'est quoi O7? O7. Ah ok, c'est Yibo des mecs au salut. D'accord. Oh. Ça, c'est que mon avis, hein. Mais n'en déplaise aux bandeurs de Kerry, ça la Marseillaise atomise l'hymne américain. Voilà, je le dis. Que Kerry se trouve dans le spectacle. Can you see? Eh, ouais, ça y est, frère. Frère. Aux armes, cousin. T'as pas pris de risque, non, mais c'est frère. C'est bon, en plus, c'est Mariah Carey qui chante l'hymne américain et tout, cousin. Tu vois? J'aime trop faire des crossovers là. Oui, merci. Alors, bien évidemment, messieurs, dames, cérémonie de fin d'année, cérémonie commune. Je suis fier d'être encore présent parmi vous. Ah, mais tu sais, à chaque fois dans les events, ils ramènent des rappeurs ou des chanteuses et il faut chanter l'hymne américain en gros. Ça, je dis ça. On vous félicite pour cette année 2023. On a eu des bons comme des mauvais moments. Bien évidemment, on ne va pas retenir les mauvais moments. Je pense que j'ai fait que des bons moments. Se concentrer sur les bons. Et cela, ça commence par exemple pour les divisions. Je prends l'exemple de la Highway Patrol. Approchez, Patrice. Ska. Et celui du Nord, c'est qui gère le Nord? Kyle. Kyle, venez. Ouais. Venez devant. Comment c'est ton bras? Kyle, Patrice, vous êtes les deux personnes, vous êtes les maîtres de la route. Grâce à vous, beaucoup de poursuites ont été stoppées grâce à vous. Je ne vous mens pas, je pense personnellement
que vous... alors je ne sais, vous connaissez pas Kyle, mais je vous mets dans le même sac, d'accord? Je pense que vous, Patrice, vous êtes le meilleur pilote que Los Santos a jamais connu. Et je pèse mes mots, sachez-le. Oh! Merci, capitaine! Kyle également, je vous fais également confiance. Zamar, c'est pas moi, c'est le mec d'élu. Donc continuez sur, ce, sur cette base-là. Et ensemble, on ira loin. Merci beaucoup, capitaine. Et pour ton honneur. Bravo, 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 bravo. Ouais, ouais. Bravo, Jésus. Oh putain, la hype. Bah tu passes sergent, Patrice. Oh ouais, 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 ouais. Félicitations. Félicitations, Patrice. Félicitations. Félicitations. Patrice, félicitations, bravo, bravo. Bravo, mon champion. J'ai plus la concurrence à la ça route. Mérité. C'est pour vous, capitaine. Merci beaucoup. Allez. Oh là là, putain, mais ça, ça me fait plaisir. On a tous ça. Ah, super, tout ça. Merci beaucoup. On fait ça encore une fois et tu finis liberté toute ta vie, je le dis. Oh. Ouf. Bien. Prochaine division à remercier. J'appelle les leads MCD, s'il vous plaît. Donc, enquête et DOA. Les deux. Il n'y en a pas. Il est pas là, Max. Eh, vous êtes trop des gros jaloux, ça. C'est, là, Max. C'est pas grave s'il est au-dessus de moi, frère. Je pense pas qu'il est au-dessus, et on sera égaux, je pense qu'il sera en dessous, frère. C'est qui? Ah, t'es chéri, hein, les jaloux, là, oh, les gros jaloux. Très bien. Moi, je suis sergent, mais là 40 ans, il m'a mis SLO, là. Mais j'espère qu'il va me repasser. Ou ce qui a pu se passer avec le gouvernement dans le passé, ou même, en termes de drogue, les démantèlements de réseaux, les laboratoires démantelés, et j'en passe, je pense que la DOA ainsi que la... En vrai, j'avais trop le bon timing pour manger, j'ai fait le con, là, j'ai loupé un truc là. Ou même la police scientifique que j'oublie bien évidemment, je pense à vous fort. Je pense que vous faites du très bon travail et on vous doit de vous remercier encore une fois pour le travail effectué cette année. Continuez comme ça et je pense que beaucoup de bandits seront derrière les barreaux demain. Non, jamais, je suis sergent CF1. Je pense pas. Merci bravo. Ça serait une surprise de baiser, mais je pense pas, frère. Je suis passé sergent il y a une semaine. Et bravo. Messieurs, dames, n'oubliez pas que la complicité nord et sud en termes d'enquête ou même de DOA, elle doit avoir lieu. Donc continue sur cette lancée. Comme par exemple ce soir. Non, vous y attendez pas. Il me semble qu'il y a un démantèlement de réseau qui va avoir lieu. Oui. Je suis passé sergent il y a une semaine, les frères. Merci. Merci à vous. Non mais c'était parfait là. Repos d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y en a encore. Ça fait 59. André, je pense que. Oh. Ah. Ok, super. Très bien, merci André. Je pense pareil. Ok. Ah. Excusez-moi. Bah oui. Merci André, donc vous êtes le lead. Marie, ok. Ok. Et vous le resterez, bien évidemment, parce que vous faites du très bon travail. Et les courses-poursuites que nous trouvons à moto tous les jours ou les patrouilles à Marie, c'est grâce à vous. Donc félicitations à vous. Merci pour le travail merci. Accompli. Continuez comme ça. Merci André. Bravo, non, je merci. Si je le revois, non, je le revois pas. Félicitations. Non, je vois pas. Bravo André. Félicitations. Congrats, congrats. Je vais appeler les leads Police Academy. Donc côté sud, c'est 88. Côté nord, il me semble que c'est Stud. Ouais, tonton, ouais, vas-y, tonton. Messieurs, mes respects. Repos. Respect. Je pense que devant nous, et je pense que 42 peut l'attester également, je pense que nous avons le très très bon lead de la Police Academy. Vous formez les rookies, et vous les formerez dans le futur. C'est vrai, même la paire, en vrai, ils font un taf de fou. Hein. Vous l'a indiqué avec 42, à notre manière de fonctionner. Et je pense que dans le futur. Et le dernier risque capitaine, imaginez juste. Ouais, bah imagine bien. Au gradé. Pour vous aussi, 88 puisque vous êtes déjà stud. Imagine bien, mon gars. Tous les rookies qui ont été formés en 2023, je pense que là, si je calcule bien, bon nombre, quand ils sont partis, quand ils ont pris leur retraite, étaient heureux d'avoir séjourné chez nous. Donc merci à vous, vraiment. Sans vous, on n'a pas de police. Merci, les gars. Merci les collègues. On se rapproche clairement de ce qu'on attendait de la PA quand on l'a mise en place. Exactement. C'est quasiment parfait.
C'est jamais parfait, toujours des choses à améliorer, mais vraiment c'est incroyable le travail que vous faites tous. On va continuer, shérif. Capitaine. On pouvait l'appeler shérif, il aime bien. Hein. Ouais. Ouais. Je suis habitué, pardon. Ah oui. T'as de monter à faire ou pas toi? Non, je crois qu'on... Ah, la MRD. Oui, Media Relation Division, venez ici. Ah oui, et la SD aussi, putain. Et la SD également. ASD, on en a plus dans le... Voilà, Noé, c'est de la merde, putain. Et la canaille après, bien évidemment. Ah oui, putain, mais il y a tellement de divisions. On n'a pas fini. D'accord. Il y a qui dans le nord qui gère la MRD? C'est... comment elle s'appelle? Lila. Elle est pas là? Pourquoi t'es pas venue, ma petite? Parce que comme c'était pas encore officiel... Ah si, c'est officiel. D'ailleurs, je pense que les journalistes peuvent l'attester, mais la relation entre le SASP en globalité et les journalistes, donc les journaux dans Los Santos, les supportent très bien, et ce grâce à vous, parce que vous savez parler aux journalistes, vous savez parler aux gens, donc continuez ainsi, et au moins il n'y aura jamais de discrimination. Oh, il n'y aura jamais speed dating. De mots qui seront déplacés, car vous êtes les bonnes personnes que nous avons choisies. Donc continuez ainsi. Merci. Merci, bravo, merci. Bravo, bravo. Félicitations. Bravo les collègues. Ouais. Félicitations. La canine, s'il vous plaît. Allez, retourne-y, ça compte. Mais tu fais partie de la canine aussi? Bah, je suis le lead canine. Bah, bien joué, tu portes ton honneur. Hein. Je comprends pas. Ok, super. Moi, oh merci mon gars, c'est dégâté. À 50, du coup, je m'affilerai du coup d'abord. Qui gère la canine nord, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Vous ouais, faites du main de maître, vous ouais. savez quand il faut bien le faire et vous savez quand il faut pas le faire non plus. Il y a toujours un entre deux et vous l'avez très bien choisi. Ah ouais. Continuez ainsi. Ok. Vas-y. Vas-y, merci mon frère. Attendez, je vous montre l'assiette. Il y avait quelques petites montées quand même, bien évidemment. Non, c'est riz, curry, crevette, je crois. Ah oui, ASD. Je crois que c'est du curry, attendez, laissez-moi goûter. 7-7. Je crois que c'est du curry, c'est bien. Il y a ASD. Et dans le nord, c'est qui? C'est moi. Non, c'est pas du curry. Non, c'est pas du curry. Je vais essayer 42 de parler. Pas, c'est quoi? Super. L'ASD, parfait aussi. Vous avez fait des petites erreurs, on a réussi à vous remettre bien en place. Franchement, vous faites un travail incroyable. Un peu comme la canine, vous le sortez quand il faut. Et vous les faites rentrer quand il faut aussi. C'est vraiment parfait. Continuez ce que vous faites. Et merci encore pour tout. Merci, Captain. Kurkuma? Bravo, du Kurkuma. Félicitations. Chacun va vous dire que j'ai commencé comme ça, la SASP. Merci à vous. Ah, mais c'est bon en tout cas. Et on se revoit dans les airs, bien évidemment. Ouais, je sais pas si c'est au courant. J'avais une ou deux petites montées, bien évidemment. Ah non, c'est pas une touffe là. Je vais commencer par. Comment il s'appelle? Ah oui, pardon. Mathieu, venez ici, Mathieu. Il m'appelle pas Mathieu. Bien évidemment, 10 Esteban. Ah putain, c'est Davis. Mes respects, mon petit Mathieu. Je vous appelle Mathieu, mais en réalité, vous appelez Esteban et je me dois de m'excuser, d'accord? C'est j'ai l'habitude maintenant. Safran. Très bien. Aïe, persil, curry. Mon petit 10. Miel, huile d'olive, gingembre. Vous êtes actuellement au grade de sergent et... Safran, aïe, persil, curry, thaï, miel, huile d'olive, gingembre. Que vous savez faire la différence. Vous savez parler aux gens. Vous savez aussi les engueuler quand il le faut. Faites du très bon boulot. Et bien évidemment, je vais pas faire trop de suspense, vous passez bien évidemment sergent chef ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de soucis. Continuez ainsi. Merci. C'est un très bon. Et Moura, il joue hein. Vous irez loin, je vous le dis, très loin. Bien. C'est un mec du Nord, je crois. Il dit sergent chef, dit que je ne peux pas avoir 15 millions de sergent chef. On est d'accord. Bien sûr. Venez ici, Alsen. Je crois. Oh mon dieu! Non? Mes respects. Ah, Alsen. Alsen, moi, si je devais donner ma vie à quelqu'un dans l'état-major, je vous donnerais ma vie également. Comme je la donnerais à 22, comme à 42, comme à Stud ou à Glenn. Vous faites du très très bon travail depuis que vous êtes sergent-chef, même depuis que vous êtes au SASP en lui-même. Et je pense que le grade de lieutenant vous ira mieux.
Félicitations à vous, Alcène. Félicitations. Merci à vous, capitaine. Après, les gars, il y a des mecs, on les voit pas. Du commandant staff. Mais frérot, en interne, ils font des procédures de fou, ils font des enquêtes de fou. Oh, il va pleurer, c'est trop mignon. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Alcène. Merci, mon frère. Merci à vous. Phoenix. Trop bon, ça va. Félicitations. Oh, il me restait une petite montée côté sud. C'est bon, c'est mais bon. Je ne sais pas s'il est là. Et bah, je suis là. Il m'a vu. Non, non, non. 17, Shane, vous êtes là? Oui, s'il te plaît. Oui. Venez, mon petit 17. Je connais même pas. Je connais même pas. Mes respects. 17, mes respects. Vous savez à quel point on a discuté tous les deux. Il y a besoin de le cabouche ou pas, s'il vous plaît. Que ce soit dans le passé ou même dans l'avenir du SASP. Et je pense. De très loin, vous ferez l'un des meilleurs états-majors de ce SASP. Wow. Ah, c'est bon. Maintenant, merci ce bien soir, bien. Vous êtes officier 3, et bien évidemment, j'enlève le suspense également. Vous passez SLO, félicitations à vous. Félicitations. Continuez ainsi, je n'ai rien à vous dire de négatif sur vous. Félicitations. Félicitations 17. Maintenant, j'aimerais appeler plusieurs agents. J'aimerais appeler 97, 90, 01, 69 et 99. Venez devant moi. Non, pas toi, bon deck. Pas pour vous, par contre. Non, excusez-moi. Il manque quelqu'un ou pas? Non, c'est bon, tout le monde est là. Qui? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Lequel d'entre vous m'a foutu hier soir, une bagnole dans l'eau, à la fête foraine? C'est moi, capitaine. C'est bien, au moins vous avez avoué vos fautes. Donc Bijou, je peux pas le rétrograder. Mora, Seydou, Patrice et Walter Cliff, Bugsy. Ce soir, vous n'êtes pas dans le SASP Sud. Ce soir, vous n'êtes pas dans le SASP Nord. Park Ranger. Park Ranger. Tu es Park Ranger. Incroyable. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Et t'as plutôt grave, Patrice, je sais pas, Park Ranger, si jamais. Vous serez supervisé là-bas, d'accord? C'est-à-dire que. Et si j'étais belette? On n'y va pas là-bas pour faire les guignols. On y va pour travailler, ok? Si j'ai des mauvais retours sur vous, ça va mal se passer. Je vais te protéger, je vais te montrer Bijou comment on protège les gens des cerfs. On a un lead si jamais, capitaine. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Si ouais, ça se passe bien ce soir, si ça se passe bien ce soir, je récupère ton grade d'officier, d'accord? Oh non! Tout est entre tes mains. Bijou Rookie, pour moi, c'est trop bien. Zionis va bien les encadrer, capitaine. Vous mais capitaine, si vous recevez un appel d'un sanglier ou d'un cerf qui est un peu plus de nous. Vous finirez au burger shot. Allez, retournez dans les rangs. Des courses poursuites avec des biches. Bijou, merci. Putain, pouce d'otage sur Ericsson. Ah oui! Je tenais aussi à désigner, du coup, bien évidemment, Esteban Davis, matricule 10, nouveau lead DOA côté sud. Félicitations. Dans la globalité, messieurs, dames, côté SASP Sud ou SASP Nord, de ma vision à moi, je suis fier de vous et 42 me rejoint. Oh, il a fait un tiramisu spéculoos caramel beurre salé. Envoie ça, mon gars, envoie. Et ça, c'est grâce à vous, messieurs, dames. Continuez ainsi. Merci, capitaine. 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 Mais comme d'habitude, on part de très loin et ça ensemble, comme on l'a toujours fait. C'est tout, du coup, pour les promotions côté sud. Ah. Ok, pour le nord. Takeshi. Les gars, vous avez voulu vous attendre, je vous avais prévenu, hein. Voilà, Takeshi. Bien joué, Kakashi, bien joué. Bravo, bravo. Ça, c'est mon champion, ça. Bonsoir, mon respect. Mes respects, ça va, Takeshi? Comment allez-vous? Ça va. T'as su être patient. T'as su être patient tout ce temps. T'as fait des bêtises, t'as réussi à les rattraper. T'as enfin compris ce qu'on attendait d'un officier. Hein. Merci, mon ref. Du coup, tu passes officiellement ce soir, officier. Hein. Bravo à toi. Bravo, bravo, Takeshi. Bravo, Takeshi. Bravo, Takeshi. Tiramisu. Spéculoos caramel beurre salé. Oui. D'accord. Merci.
Rien. C'est quoi l'erreur? Eh, faut pas remuer les tiramisu. Faut pas que je remue. On est d'accord? Ta baby. Oui. Respect. Depuis que t'es arrivé dans le nord, tu fais un travail formidable. Je pense que tous les gens du nord peuvent l'attester. Peut-être même certains du sud. Je l'atteste également. Tu comprends de plus en plus qu'on attend des hauts gradés à la SASP. Du coup, tu passes officiellement officier 2 ce soir. Félicitations à toi. Bravo! Félicitations, baby! Ouais, baby! Officier 3, félicitations. Officier 3, officier 3, excuse-moi. Oh! Oh, ouais. Oh, merci beaucoup. Quoi? Rise officier 3? Montez, t'es déjà officier 2. Réfléchis. Nice! Bien joué, baby! Je vais appeler Rise Chrono. En 13. Hein? Mais je suis pas du Nord, moi, 42. Non, t'es pas du Nord, mais t'es SLO là, non? Oui, t'es SASP avant tout, que ce soit de nord ou sud, t'es SASP. Eh, c'est bien beau de monter sergent hors cérémonie, mais c'est nul, non? Oui, c'est vrai, capitaine, c'est vrai. Du coup, tu passes officiellement ce soir, sergent. Oh! Bravo! Merci! Et bien évidemment... Ouais, voilà, bravo. S'il vous plaît, capitaine, vous pouvez sanctionner 0-1 là, qui serait les collègues de suceurs, s'il vous plaît, capitaine? Moi, je suis d'accord aussi. Vous avez dit quoi? 01, il a dit suceur parce que mes collègues ils m'ont applaudi. Oh ah ah ah. Je pense que vous avez mérité de le reprendre. Oh Riz, le mais pas aujourd'hui. Non 01, il est où? Non, là, capitaine. Non. Donc ce soir, vous êtes Park Ranger, d'accord? Et ce, jusque 2024, vous serez dans le Nord. Vous serez... Non, écoutez-moi. Vous serez à la merci, ok? Vous serez à l'écoute. Et chaque petite connerie, Stud, le lieutenant du Nord, s'occupera de vous personnellement. J'ai eu... Capitaine, ça peut être mon rookie. Vous finissez 2023 dans le Nord. Avec Stud qui... Capitaine, mon fusil à pompe, capitaine. S'il vous plaît, mon fusil à pompe, capitaine. Retournez dans les rangs, Riz. Capitaine. Je suis heureux et triste. Riz, t'es vraiment qu'un suceur, Riz. T'as la chance, c'est toi, sinon je t'aurais poucave aussi. Désolé. Bart. Putain, il était si proche. Les gars, il était si proche de moi, je le voyais. Je t'avais apporté de doigt. Je t'avais apporté de doigt, frère. Sache que... Ton petit papier de merde. Oui, capitaine. N'était pas officiel. Le gouverneur l'a officialisé. Non, le gouverneur l'a officialisé rien du tout. Il m'a donné un papier en disant. Je peux qu'il le montrer dans le à 07. Oui, tu peux le montrer à 07. Je viens de couper ton capitaine. Refais-le et tu finis rookie toute ta vie. D'accord. Du coup, ton papier n'était pas officiel. Mais. Passe officiellement ce soir, SLO Bart, félicitations à toi. Merci capitaine. En vrai c'est cool, au moins j'ai eu ma petite cérémonie quoi. C'est vrai que t'es passé sergent bah, en off. Mais j'en peux plus, frère. Frère. Je sais pas ce qui se passe. Heureux. Ah mais oui, ça dure une seconde en fait, mais ça coupe. Non, c'est pas le PC, c'est Mako. Je sais pas pourquoi. Félicitations. Okay. Félicitations. Bonsoir, désolé pour le retard. Viens là, viens, viens, il arrive. Ici, viens. Désolé. Ah bah vous la mettez en patron avec 0-1, ça c'est eu. On t'a tenu, on n'a pas t'a tenu. Eh, je suis doucement, oh. Je crois qu'il y a quelqu'un qui devait venir nous parler. Attendez, je vais appeler voir où il est. Oh, ça fait baiser dans le star. Par contre, une blague, les ancêtres, attendez. Ah oui. Ah oui.
Putain, mais Patoche était là dans la voiture. Et lui, il est monté, je comprends pas. C'est un arabe, je rigole. Et bonsoir. Tout le monde au salut, voilà. S'il vous plaît. Enfin, non, du coup, dites mes respects. Très bien, parfait. Repos tout le monde. Je vous continue. Vous aviez une nomination à faire encore, non? Oui. Ouais. Vous connaissez tous Nick Fury et le commandant? Enfin, peut-être pas tous. Non. Vous l'avez peut-être pas tous croisé. Nate Fury, oui, c'est ça. Mais là, tu dis que je suis un ribou, je suis pas un ribou. Depuis qu'on est passé SASP, gros rageux là. Au courant que le chief était malade, il est décédé. Il y aura évidemment une cérémonie pour lui dans les jours qui arrivent. Et du coup, il a fallu qu'on ait un nouveau chief. Et du coup, on a été appelé pour. Attends, c'est Fury ? Pour vous annoncer ce soir qu'aujourd'hui. Monsieur Fury n'est plus le commandant, mais est devenu le chief of the police. Bien joué, Monsieur Fury. Félicitations. C'est pas du tout ça le truc. Ça veut dire qu'il est au-dessus de l'axe. Je vais demander. Oui, et puis quoi encore? À 42 de venir devant. Oh là là, au-dessus de l'axe. Allez, de l'autre côté. Oh non, 42 pour sa retraite. 42 pour sa retraite, les mecs. Commandant 42. Le commandant T. Junior Douglas Johnson, vous êtes arrivé dans mon poste, vous étiez nul, littéralement nul. Je sais pas ce que vous foutiez là. C'est toujours le cas. C'est vrai. Vous étiez littéralement le larbin de votre oncle et de l'autre oncle aussi, ou votre père, je sais même plus. Mon père, oui. Ouais, voilà. Il prend sa retraite. En tout cas, je suis fier de l'évolution que vous avez eue au cours des années et au cours de votre service au sein du poste du Nord. En tant qu'LSPD, et par la suite en tant qu'SASP. Et comme vous l'avez expliqué juste avant, avec la montée en grade qu'il y a eu, le poste de commandant est désormais libre. Et pourquoi ? Félicitations, vous passez au grade de commandant. Ouais. Bravo ! Bravo 42 ! Félicitations. Ok, ça va. Félicitations 42. Merci beaucoup, merci. Très bien. Merci Chief. Et restez là. Après, le jour où je vous ai nommé capitaine, je vous ai expliqué que vous alliez faire la paire avec quelqu'un. Allez, de votre côté. Oh. Capitaine ! Je crois qu'on parle à vous, capitaine. Oh, 07. Capitaine ! Oh, il est sur commandant ! Quoi ? Commandant du Nord, commandant du Sud ? Ouais. Comme je le disais, ça avait été tellement difficile de trouver quelqu'un qui prenne la relève, au final vous l'avez fait. Et avec brio. Je pense que c'est indéniable et indiscutable dans tous les cas. Vous avez tenu à votre manière chacun, votre poste, de la manière dont vous le vouliez. Et au final, par vous faire respecter par l'entièreté des personnes travaillant dans la police, et de manière générale sur Saint-Andreas. Pourquoi, Jason Kiss, vous passez au grade tout autant de commandant. Oh mon dieu ! Bravo capitaine ! Bravo ! Félicitations. Félicitations. C'est entièrement mérité. Mais je vais pas être capitaine, les gars, arrêtez! Mais bon. Arrêtez d'y croire! Vous pouvez revenir. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Arrêtez d'avoir de l'espoir! Je crois que vous avez un autre dernier truc à dire, du coup, 42, non? Du coup, oui, hein. T'es le premier truc. Il prend sa retraite. C'est qui a monté, du coup? Bah, Glenn. Glenn? Bon. Et bah, c'est dommage pour lui. J'ai envie de vous dire qu'il avait qu'à être là, hein. Du coup, vous doutez bien qu'il va me falloir un capitaine pour le Nord. Et du coup, je vous annonce officiellement, Glenn Powell passe ce soir, tout de suite même. Pas mérité. Capitaine du Nord. Ouais, oh ouais, c'est mon frère. Ouais, c'est mon frère. Ouais. Félicitations, Glenn. Rends-nous Calypso. Rends-nous Calypso. Je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. Y'a plus d'autres surprises. Et pour le Sud, un capitaine. Bon. Dis quoi, Bugsy? Un capitaine pour le Sud ou pas? Non, pas encore. Ok, ok. 22 27 Bah oui, hein. Voilà. Bah, moi en vrai. Ouais, sauf c'était un mot avant 22.
Si, si, moi j'avais un mot. Vas-y. Mais non, arrêtez les gars. Oh, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, lieutenant. Je voudrais vous remercier. Bonsoir. Puisque chaque soir, je prends mon service. Et chaque soir, c'est un plaisir grâce à vous. Donc, du fond du cœur, je tenais tous à vous remercier. Je tenais aussi à remercier le capitaine. Capitaine qui est un exemple pour moi et je pense un exemple pour toutes les personnes qu'il côtoie. Et c'est pour ça que Miller venait à côté de moi. Miller aussi tenait à vous remercier. Oui, c'est vrai que Monsieur Hopkins, vous avez un parcours exemplaire en tant que capitaine. Vous avez connu beaucoup d'agents de police. Même 42 était l'un de vos officiers au début de vos fonctions. En tout cas, au nom de tous les citoyens du département de la justice, ainsi que la mairie et le gouvernement, nous aimerions vous offrir une médaille d'honneur pour tous vos effectifs et tout le travail que vous avez pu effectuer, capitaine Hopkins. Félicitations, capitaine. Félicitations, capitaine. Bravo. Félicitations, commandant. Félicitations, capitaine. Commandant, pardon. Commandant. Ouais, commandant, commandant. Commandant. Capitaine dans le cœur. Moi, du coup, j'ai un dernier mot à vous dire à tous. Sachez que ces derniers mois ont été incroyables, formidables, génial avec vous. Il y a eu des prises de tête, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de moments sympas. Si le SASP est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à tout le travail que vous fournissez chaque jour. Oh non. Du coup, je vous remercie et voilà. Hein. Non, je reste là, hein, croyez pas que je parle. Bah, de rien. Pas des adieux. De rien, 42. Avec plaisir. Avec moi, plaisir. Je vais vous dire qu'on sait pas bien, je vous le dis souvent même. Je sais que j'ai plus tendance à vous dire qu'on sait mal que qu'on sait bien. Mais vraiment, vous êtes incroyable. Continuez comme ça, tout le monde. Merci beaucoup, capitaine. Merci, commandant. Merci, commandant. Et bien évidemment, avant de clôturer tout ça, messieurs, dames, l'ensemble de l'état-major, je vous le redis une dernière fois, merci pour votre implication au sein du LSPD BCSO dans le passé. Ou même du SASP à l'heure actuelle. Merci aux médecins, avec qui on fait paire incroyable, et bien évidemment aux DOJ avec qui on travaille tous les jours également. Vous êtes et vous resterez tous unis comme on le souhaite. Vous êtes une famille, vous êtes une équipe. Ne l'oubliez pas, que ce soit nord ou sud. On vous fait confiance. Et montrez-le nous. Et lâchez la caquette de Soulax. Soulax y viendrait. C'est pas nous les stars de la cérémonie aujourd'hui. Une autre fois peut-être. Allez, on va attraper les bandits. Allez, merci à tous pour cette cérémonie. Voilà, nous c'est des écureuils cagoulés. T'as qu'à la ouf. On a des renards avec des Beretta, non? Je sais pas qui c'est. C'est veillé ou quoi? Il veut mourir? Eh, attrapez bien des ragondins. Oui. Oui. Prends la voiture devant. Oui. Oui, j'ai reconnu. Oui, oui, oui. Ça va vite. Parle bien ton sergent, mon chanteur. Merci. J'ai mangé une pizza. Même. Il est où 13? Tiens, un petit bug des visages. Merde. Oh! En un mois, t'es monté deux fois? Bah, faut dire que je suis resté quand même 4 mois, sergent! Oui, oui, oui. Ça va, Raven? Ça va et toi? Ouais, t'aimes bien ma tenue de cérémonie? Ça va, vous êtes tous mignons comme ça, non, ouais. Vos galons et votre pack. Ah ouais? Tu me trouves mignon? Oui. Vous êtes tous mignons, oui. Et tu me trouves plus mignon que les autres ou pareil? Force, Raven, ça, Rize. Bah genre, non mais voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ma tenue, quoi. Bah, t'es bien, t'es pas mal, t'es beau. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Et toi aussi, t'es belle. C'est très gentil, c'est très très gentil. Très gentil. Très gentil, hein. Ouais. Mais toi, t'as pas eu de...
pas monté en grade, toi? Bah, je suis passé de SLO à sergent, mais j'étais déjà sergent. Mais en fait, vu que j'étais sergent hors cérémonie, il m'a refait sergent en cérémonie. Ok, bah écoute, tant mieux. Hein. En ouais. espérant que tu grimpes encore le mois prochain, peut-être. T'as vu le capitaine, on dirait. Ouais. Il veut prendre sa retraite un peu, tu trouves pas? Enfin, le commandant maintenant. C'est... Ah, ça glisse sur le banc! Enfin, peut-être que... Oh mon dieu! C'est un peu le cas, je pense. Bah ouais, le jour où il sera à la retraite, toi, tu vas faire comment, toi? Hein ah, je m'en vais avec lui. Bah non, mais. Oh. Non. Faut pas que tu. Non. Mmh. Non, mais vas-y lui. Quoi, ça y est, quoi, tu veux, oh, encore des embouquins ou là? Oh, je peux. Oh, j'ai le droit de parler un peu ou pas là? Je suis oh. sergent maintenant, ok? Moi aussi, je suis sergent. Et moi, je pense que. Je ressens le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Mais non, arrête, arrête, 9-7, tu le mérites. Tu le mérites, 9-7. 9-7, je mets ma main sur ton épaule là. Ça va, allez, mon champion. Oui. Et regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. J'ai un sergent, moi. Ah oui, t'es un sergent. Mais t'aimes bien. Regarde faire... avec. Non mais regarde avec vrai, la coupe j'ai commencé. Regarde, t'aimes bien. Lui faire là, le pic, il est devenu sergent. Mais... Oh mon dieu. Oui, oui, t'es sergent. T'es, hein. Rookie, hein, t'es sergent, Nofiet. Est... Oh mon dieu. Non, je vous jure, j'ai le syndrome d'imposteur pour de vrai. Ben écoute, ben, va voir le capitaine et dis-lui qu'il te rétrograde. En vrai, je pense qu'il m'a plus pas sergent parce que vu qu'il m'a fait un discours sur ma conduite, parce que je sais où beaucoup de gens. Non, 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 je pense pas. Pour le guad. Non, je pense pas, je pense que tu fais bien ton taf. Eh, ça l'attend de chenoir, tu veux quoi? Tu veux des compliments? Oui, t'es fort, ouais, ouais, voilà. Ouais. Oui, peut-être qu'on peut se voir avant. T'es fort, t'es fort, tu mérites. Que... Arrête, tu fais quoi? Tu fais bibi dessus? Oh bah mon non, dieu. Tu... C'est pas dans le nord, c'est dans non, le non, sud. Non, non, je parle sérieuse. Non, en vrai de vrai. Non, faut pas. Non, c'est mérité, c'est, pas... c'est mérité, mon petit champion. Mais sergent, c'est, ah, c'est les mecs qui donnent des ordres, qui sont sérieux, qui... Moi, je fais un sgeg, moi. Ben, Arrête d'en être un, du coup. Bah ouais. Après, t'es, bon, t'es moins un sgeg qu'avant, donc du coup, peut-être c'est pour ça. Tu veux pas venir avec nous, par contre, Jorce, là? Franchement, franchement, non, merci. Non, régalez-vous. Ah non, non, régalez-vous, moi, je vais aller arrêter des humains. Mais attends, mais sergent, on a. Vous voyez le grand chantier avec la tour? Non, 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 non. On a ça. À partir de lieutenant. Par contre, je tenais à vous dire un truc, 22. Merde, non, on a pas ça. Oui, il m'a dit que même si un jour il passe lieutenant, et t'as major, il voudra pas mettre la tenue noire parce qu'il est raciste. Mais si, justement, je bande pour la tenue noire, moi. Je veux, bah oui, je veux la tenue noire. Et là, j'attends les ordres de ma supérieure, vous voyez. Justement, frère, donnez-moi ma tenue noire. Ah ouais, mais j'ai plus de voiture. Excuse-moi. Ah. J'ai un véhicule. Eh, vous pouvez me déposer au PDP? On peut vous déposer, monsieur. Ouais. Ouais, vous pouvez. Ouais. Super, merci. Ah, vous êtes en mécane? J'ai une voiture autrement aussi. Ah, mais elle a une voiture. Non, je vais avec elle, c'est bon, j'ai avec elle. Allez-y, vous avez raison. Viens avec moi si tu veux. Ah, d'accord, j'arrive. Eh, mettez un truc sur votre tête, une petite seconde là, madame. La petite couronne de fleurs, ça va mieux? Non. Toujours aussi franchement moche. C'est bon. C'est bon. Ah, vous ressemblez à mon ex. Ah, elle s'appelait comment? Nora. Ok. Tu la connais? Oh oui, un petit peu. Ah ouais, vous la connaissez comment? C'est ma sœur jumelle. Ah vraiment? Oui. Ah ouais? Ah mais je me disais bien que tu lui ressemblais. T'as vu? J'ai l'œil, hein. Ouais. Attends, je l'appelle, je vais lui dire que je suis avec sa sœur jumelle. Ah, elle est pas là? Ah, elle doit dormir encore. Ah, ok, comment tu t'appelles? Moi c'est Justine. Justine Jackson? Oui. Eh ben enchanté, moi c'est Riz. Enchanté Riz. Mais... Parce que moi Nora je la trouve belle, tu vois, donc ça veut dire que... Et par conséquence, toi aussi, en vrai. Ah, c'est gentil. T'es amoureuse de quelqu'un, toi? Je me suis dit oui. Ah ouais, c'est qui? C'est une personne. Ah ouais, comment il s'appelle? C'est une personne. Ah mais... Je dis plus trop son nom. Pourquoi? Parce que maintenant c'est du passé et... Ah vous êtes plus ensemble? Voilà. Non. T'es célib là? Ouais.
Ah ouais. Ouais. T'aimes bien être célib. Ah oh, pas trop, il y a pas mal de charros, il y en a qui veulent être mon proxénète, il y en a... Proxénète. Oui, c'est assez sympa, c'est... En tout cas, ravi d'avoir fait ta connaissance, Justine. Bah, ravi aussi, hein. Tu veux qu'on échange... Non, c'est de l'autre côté. Ok. Attends, je te mets le point GPS. Tu veux qu'on échange nos numéros, peut-être? Non, t'inquiète pas, ça va aller. Ah ouais? Ouais. Ah, je... Si j'ai besoin, je demanderai à Nora, au pire. Non, c'est bon, regarde, au pire, prends mon numéro, comme ça, si t'as besoin, c'est bon. Ok. C'est 113. 113 le numéro? Ouais, vas-y, bip moi. Oui, je te ferai tout à l'heure. Non, vas-y, bip. Ah bon? Ah, j'ai plus de batterie, moi. Ah ouais, fais voir. Non, ah merde, j'ai dû trouver le téléphone. Attends, ah, je le ramasse? Non, t'inquiète, je vais le faire, là. Ah. Oh mince, on est arrivé. Oh zut. Attends, mais vas-y, ramasse ton tel et bip moi. Non? Je sais pas où il est tombé là. Attends fais voir. Il doit être par là, là. Ouais. Ah merde, je veux pas. Putain, je sais pas où il est. Tu sais pas. Mince. Ah putain. Ah putain. Cherche bien. Ah, je cherche là, je. Attends, hop là, on va vérifier. Ah ouais, il doit être par là, non? Mais. Ouais. Où est-ce qu'il pourrait être? Attends, fais voir, je regarde tout le siège et tout. Non? Un portière. Mais putain, mais... Oh, shit. Ah, shit. J'ai une idée. Ouais. Bah, donne-moi ton numéro, je te fais sonner. Ah, je connais pas mon numéro. T'as pas ton... Eh, le gars derrière, t'as pas son numéro? Ouais, si, je l'ai, attends. Vas-y, parfait, comme ça, je la fais sonner. Ah, jure, t'as mon numéro. Le 1784. 1784. Tu l'entends? Ah zut, ouais, il est... Ah, je crois qu'il était tombé derrière le fauteuil, là. Attends, je crois que je l'entends. Ouais, attends. Ah, il est là. Ah, ouais, voilà. Bon, bah, super. Oui. Bon, ben, voilà, en tout cas, hein. Content de t'avoir connu, hein. Ouais, bah, contente aussi. Maintenant, j'ai ton numéro, je t'enregistre. Justine. Voilà, t'es enregistré. Attends, tu sais quoi? Attends, bouge pas, je te prends en photo, oui. Comme ça, je mets dans la photo de profil, d'accord? Ah, ouais, ok. Vas-y, regarde-moi. Ouais, je te regarde. Vas-y, impeccable, c'est bon. Ben vas-y, tu sais quoi, je t'enregistre. Ok, pas de soucis, c'est, bon, ben, c'est voilà. Gentil. Bah de rien, bah rentre bien. Ouais, bah toi aussi, du coup, rentre bien au PDP. Hein. Ben vas-y, ben merci. Hein. Ben, au revoir. Pas de soucis, avec plaisir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Wesh, Nora, elle lui a dit quoi sur moi? Nora, elle a dû lui dire des trucs de fou, Zabi. J'aurai plus jamais de meuf. Eh, faut pas que Nora rencontre Freya. Non, parce que j'abuse, moi aussi, je veux faire RP psychopathe. Et après, je vais m'étonner qu'il y a plus de meufs qui veulent de moi en ville. Aïe. Parking. Nora, tu te fais une réputation de balade, je te jure. Après, c'est mérité, hein. Un dispatch? Un dispatch là? Regardez-le lui. Regardez-le. Quoi? Oui, quoi? Bonjour, sergent, c'est ça, hein? C'est oui, ça va. Sergent, hein, respect, ouais. Sergent. Mais respect. Ah oui, au salut. Voilà, mais respect. J'ai pas dit repos. Okay. Vous faites quoi là? Il y a une biche qui a fait un excès de vitesse, on attend. J'ai pas dit repos. On est pas sur vos autres là, monsieur, parce que là on est par contre. Oui, mais alors. Sur l'enquête là, il y a un gang d'ours qui sévit là dans la forêt. On va essayer de voir sur les points d'un peu de weed. Ouais. C'est bien. Vous avez. Ouais. J'espère que vous avez bien remercié 01. C'est grâce quoi, à C'est grâce à lui, hein. C'est grâce à 01, oubliez pas. Hein. Et vous êtes sur quoi, à voir? Bah, si, à voir. Mais y'a rien à voir? Si, parce que t'as. Bijou, il a balancé une voiture dans l'eau. Mais non, rien à voir. Ouais, mais c'est les deux. Bijou, hier, il a balancé une voiture dans l'eau. On s'est envoyé un message avec le capitaine. On a dit, c'est quoi, viens les mettre par Cranger, vu qu'ils font les malins. Mytho. Ah ouais? C'est cool. Je suis un mytho, moi. Tu veux être mis à pied? Mais je suis pas Cranger. Mis à pied, je crois que ça serait. Ils me rendent encore plus service. On va prendre exemple sur vous, sergent. Ouais. D'accord.
Qu'est-ce qu'il racisme, devenu raciste, un prince sergent. Bonne surveillance hein, sur l'enquête là que t'as avec Nora. Là. Ouais, c'est Nora. Bah ouais, je vais bien surveiller. Je vais bien surveiller, bien, ouais, je vais bien surveiller. Des méchants, hein. Ah ouais. Un clin d'œil. Hein. Eh, vous faites trop les malins pour des petits officiers de merde, hein. Mais on fait pas les malins. On fait pas les malins, on fait pas les malins. Si, vous faites les malins. Je te dis bonne chance, quoi. On parle comme des trucs, là. Allez, ciao les collègues. Ciao. Ciao les collègues. Ciao les collègues. Il est où votre bureau, capitaine? BLM, les collègues, BLM. Tiens, mon petit gâté. À demain. C'était quel étage déjà le dispatch? Vous en rappelez ou pas? Quatre. Oh putain, vous avez peur de savoir. Non, c'est 3. 3. Ok, ben prenez vos deux rookies, allez-y. Ça, moi, c'est fait. Okay. Moi, c'est des convocations, mais il faut que je réponde et il répond pas. S'il répond tout, pas... tout ce qui est convocation, papier, allez-y. Hein. Comme ça, au moins, c'est... Bah, respect, lieutenant. Mais respect. Respect, lieutenant. Yalo. Vous ça va 42? Oui, ça va. C'est pas mieux de monter comme ça? Si, c'est cool 42, merci. C'est même plus joli qu'en plein milieu de Ah oui, c'est vrai 42, c'est vrai. C'est vrai, mais mon cœur est peiné 42, mon cœur est lourd. Pourquoi ton cœur est lourd? Mon cœur est lourd 42. Il était à quelques centimètres de moi 42, à quelques centimètres. Qui ça? Mon fusil à pompe. Je vais parler de ton fusil à pompe à 07, t'inquiète. S'il vous plaît, touchez-lui un mot 42, je me sens nu là. Attends, je vais lui toucher un mot, mais. Mais quoi? Mais vraiment, ouais. Fais plus jamais des trucs comme ça aux EMS, d'accord? D'accord, mais si je pourrais taquiner un petit peu 42. Je promets que eux, tu vois, ça va juste les rendre tristes, ils vont se dire on se donne tous les soirs pour que des gens nous prennent pour des sous-merdes. Mais c'est pour les taquiner un petit peu 42. Oui mais c'est les gens aiment pas forcément les taquiner. Oui bah j'en ai rien à foutre. Oh, c'est la Corée du Nord ou quoi là? C'est pas ça. 113. Quoi? Tu es sergent, tu représentes le CSP. Ok d'accord capitaine, pardon. Toi, après il y a des grades où on peut te mettre et tu peux te moquer de oui, commandant. Officier 1 ou rookie, on peut te mettre à ces grades là, tu te moques d'eux, y'a pas de soucis. Ça marche, mais je vais me moquer d'eux, ça marche commandant. Officier ou rookie? Comment? Officier ou rookie? Je me moque des officiers des rookies? T'as pas. Écoute-moi, par pitié. Quoi? Je t'ai dit si t'étais officier ou rookie. Ah, ok, je croyais qu'il fallait que je me moque des officiers ou des rookies. Non, j'ai pas dit ça, non. Ok, j'ai capté. Ça marche, commandant. Super, allez. Au revoir. Salut, 113. Parce que je te fous de ma classe, je me suis dit. D'ailleurs, prends. Vous l'avez mis avec qui, 13, les collègues? Mais je l'ai pris mon service. Je l'ai mis avec. Attends, je te dis toi. Avec 27. Ah, putain. Vous pouvez aller en tango si tu veux. Encore heureux qu'on va aller en tango si je veux. De vous avoir dérangé, bye bye, thank you. Viens sur le parking. Ouais, bah viens à la STX, on prend 27, on va en tango. On m'a déjà signé quelqu'un alors. Oui, 27, oui, t'es avec 27. Ouais. Bah tu lui dis, il vient à la STX, on va partir en tango. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Elle dit qu'elle est déjà dans la carte, bonne. Très bon. Ok, tu te vois. Il est où, 27? Je suis là, 27, viens avec nous. Viens avec nous, 27, viens, range le sang. Viens, l'écoute. Est-ce qu'on peut partir en marine du coup avec vous? Allez, go. Ok. Bien sûr, oui. Ça va, 13? Ça va, 27? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va, tranquille, et toi? Ouais, tu voulais me dire quoi, 13? Bah, je te dirai plus tard. Bon, je te le dis, je m'en fous de toute façon. Mets des AirPods, tiens, prends mes AirPods et mets la réduction de bruit. Tiens, Mathilde.
Ah bah, ah, ouais. Jamais de la musique. Vas-y, je lui mets. C'est moi, je mets la musique. Hop, attends, vas-y. Mets-lui de la musique à fond et réduction de bruit. Vas-y, c'est bon. Je mets genre du rock, comme ça, t'entends rien. Vas-y, mets Linkin Park in the end. Vas-y. Non, je mets la musique de Triple H. Time to play the game. Ok, vas-y, c'est bon, parfait. Ok. I am the game. Zeroin, il a fait quoi là? Il a fait quoi? Zeroin, il est en train de penser à tout le monde que t'es un ripou. Que moi, je suis un ripou. Il a balancé ça à qui? Sur le parking, à tout le monde, etc. Arrête. La vie de ma mère, il y a des agents, ils sont partis voir 22, ils sont dans son bureau et tout, j'ai pas les noms. Ils sont partis pour cave tout à l'état-major. Attends, j'appelle le capitaine, bien vu, ça c'est une bonne info ça. Ça c'est très bien ça. T'as vu, il essaie de me faire virer ce bâtard. Toi aussi. Et il a dit qu'il nous menace de, que tu nous menaces de mort aussi. Ok, bien vu. Bonne info ça, c'est très bien. Time to play the game, allez, écoute bien la musique toi. C'est bon, tu peux lui retirer ses AirPods. C'est bon, hop. J'ai retiré. Ça va, 27? Ah putain, j'étais en train de m'ambiancer là, c'était incroyable. Tank au 113, début 10-41, tout secteur 1 et 2. Mets-nous un jour sur le dispositif, s'il te plaît. Ouais, c'est déjà fait. On a un peu les coups de l'histoire. Vous voulez quoi là? Attends, va au poste. Pourquoi il me dit vous voulez quoi? T'as vu là, genre. Je sais pas. Tu veux au poste, pourquoi? Dispatcher qui veut qu'on vienne. Ah là là. Yo! Comment ça, yo? Arrête. Yo de quoi? Arrête, on nous attend. Yo. Yo, comment ça, yo? Yo, vous voulez quoi, les man? Dis bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. Voilà. Oui, 42. T'es avec le capitaine? Le commandant? Oui. Vous êtes ensemble? Oui. Vous êtes où? Cinquième étage. Ok, j'ai besoin de vous voir, commandant. Ah, tu peux monter, on prend après. D'accord, bah j'arrive parce que... Là, j'entends des trucs qui me plaisent pas trop, 42 là. Je vais m'énerver là, 42 là. Je vais. Vas-y, oui, bah, 42 là, je vais. J'arrive. Vas-y. Eh, tu peux témoigner pour moi, 13? Mais. Ah oh, je peux pas faire baiser. Mais non, tu vas te faire baiser par qui? 01, c'est un officier. Ah, rookie. Bah, il est rookie, bah, tu vas te faire baiser par qui? Bah, 42 en plus, il était là quand il y a 16 ans. Bah, oui, bah voilà. C'est bon, personne va te baiser. Il y en a un de vous qui se désigne et part avec la princesse. Bah vas-y, je garde 13 parce que c'est mon rookie. Vas-y, nickel, et bah viens. Ok. Bon, écoutez. Les gars, je crois que le jeton il reste. Hein. Si jamais vous voulez le claquer plus tard, vous pouvez. Hein. Je crois pas qu'il parte. Après, vous me traitez de balance et tout. Et alors, c'est bien. Putain, t'as vu? S'il vous plaît, faut pas qu'il entende ça. Oui, la nature, moi, capitaine, je suis fier d'être passé sergent, oui, mais je rêve là ou c'est comment là? Non, c'est vrai, capitaine, mais vraiment, c'est Dark Ranger, ça fait peur quoi. Entrez, Riz. On voit pas comment on est terrorisé là. Venez à côté de moi, Riz. Riz? Oui, mon capitaine. Comment vous sentez au sein du SASP? Ben, je croyais me sentir bien, mais apparemment, il y a des traîtres parmi nos rangs. Oui, mais expliquez pourquoi. Des personnes dont je ne citerai pas le nom ont peur de vous? On est qui, capitaine? On a pas peur, nous, hein? Bah non, je dis pas vous. Parce que j'avais dit que je ne citerai personne. Non, bah non, c'est pas nous, hein. Bah écoutez, je sais pas, capitaine. Mais si. Monsieur en face de moi, là, est-ce qu'il y a des choses à remonter ou pas sur Riz? Vous pouvez le dire, hein. Non, jamais de la vie, qu'est-ce qu'on va raconter? C'est un sergent exemplaire. S'il n'est pas sergent, c'est qu'il le mérite. Ah bah oui, bien sûr. Il mérite totalement. C'est quoi cette histoire d'harcèlement, Riz, sur la Nora en question? C'est pas nous qui avons parlé de ça. Sur qui? Non, je sais, mais je profite d'en parler. Sur qui? Nora. Nora. Ah, Nora! Bon, je sais pas, non, c'est. Non? Je sais pas. Je sais pas, 22, vous avez des témoignages, on vous écoute du coup? Ouais, j'ai un témoignage de Nora qui va du coup venir ce soir avec le procureur. Oh mon qui Dieu. Dit que du coup vous l'harcelez. Que vous lui avez mis un bracelet pour savoir où elle était. Ah non, pas du tout, je lui ai mis un bracelet parce que. Et apparemment, hier il y a une sombre histoire aussi, il y a eu un coup de feu qui aurait été mis et un coup de taser. Alors le coup de feu, ça. J'ai fait la vérification, il n'y a pas eu. Enfin, il y a eu coup de feu, mais pas sur elle. Mais en tout cas, la balle a bien ricoché sur elle, puisqu'elle était blessée par balle. Capitaine. On a des shots fire à côté de... Ça arrive. Si on enlève pas, pourquoi vous l'avez mis en bracelet? Bah écoutez, bon, en fait c'est une affaire un petit peu privée déjà, premièrement, mais bon, je vais le dire devant les collègues, voilà, je le dis.
Attends, mais en fait, oui, attends, il le roi, mon Dieu, tu m'as appelé en urgence. Si, si, 42. En fait, en fait, cette Nora, elle est en couple avec un homme qui s'appelle Slim. Mais elle pense être en couple avec lui, sauf que lui, il l'a kidnappé, capitaine, d'accord ? Dans le passé, il l'a kidnappé et elle a développé un syndrome de Stockholm. Et donc moi, pour son bien, pour essayer de la sauver, en fait, j'essaie de l'éloigner de Slim, en fait. Vous comprenez, capitaine ? Mmh. En fait, sans cesse, il la kidnappe, il la frappe, il la ramène dans sa voiture de force. Genre vraiment, où sont les preuves matérielles? Où sont les papiers? Non, non. Il y a aucune preuve. Voilà. Donc du coup, moi, j'essaie de l'enlever de son syndrome de Stockholm et je lui ai mis un bracelet pour au cas où, de temps en temps, je la fais biper et au moins je sais si jamais elle est pas kidnappée par Slim, quoi. Mais Riz, ça fonctionne pas comme ça. Normalement, vous enquêtez sur ce Slim justement pour l'inculper. Ah oui, c'est pour ce que je fais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Mais non, vous faites. Il est... Non, mais il est malin, il est malin. Il est très malin, il est très très malin. Tu as vu, tu vois l'image que ça donne derrière ou pas? Ah oui, mais bon. Ça donne l'image d'un harceleur, ok? Je sais que tu ne l'es pas. Les collègues, en règle générale, ils ont peur de toi, Riz. C'est pas normal ça, Riz. Je leur ai jamais fait du mal à mes collègues là. Non, jamais de la vie, bah, mais que non. Jamais, j'ai même pas jamais. Braqué, non, jamais, hein. Je leur ai déjà fait du mal à eux. Messieurs, j'en profite que vous soyez dans le bureau. Est-ce que vous avez des remontées à faire cerise? Il ne fera rien, vous inquiétez pas. Allez-y. Non, bien sûr que non. Moi, quand on patrouille ensemble, on fait du bon boulot, ça nous est déjà arrivé de passer des bons moments. Le but de faire ça, c'est d'apaiser aussi les tensions. Donc s'il y en a, c'est maintenant, on les crève à tout jamais. Aucune tension, hein. Non, moi ça m'est déjà arrivé de patrouiller avec Riz et Bugsy. On s'est retrouvé dans un moment cool, dans du boulot, au bout du ponton. Et puis on parlait de la vie, du beau temps. Au bout du ponton, on s'est jamais retrouvé à se menacer ou à se dire des. On a une glace, on profitait, quoi, c'est tout. Hein. Un bon élément, il est passé à Jean-Paul, moi je pense. Moi je pense qu'ils sont jaloux, capitaine. Moi je pense qu'ils sont jaloux. Riz, sortez deux minutes, s'il vous plaît. Je sors. Sorcier, j'ai pensé la même chose. J'ai pas fini, moi, capitaine, avec Riz. Attends, on finira avec. Non, on prend vrai. Capitaine, je vous jure qu'il harcèle. Il harcèle Noir. On n'en peut plus. Au secours. Capitaine, il harcèle. C'est un fou admirable. Monsieur, il mérite pas. Il est sergent, mais c'est un monstre. C'est bon. Au secours, sergent. Pourquoi vous lui dites pas? Parce qu'il va avoir peur. C'est un harceleur, ça. Non! Mais putain! Re! Oh là là, c'est pas le moment! Bah, j'ai patrouillé une fois avec lui, il m'a cambriolé! Moi, ma maison! Et toi, Bijou, y'a eu quoi, toi, Bijou? 24 pour 50. Mais je leur ai rien fait à eux directement, ce bi! Et t'as tapé? Et puis, il m'a tapé moi après! Et toi, c'est Doudou, toi? Moi, c'est. Non, mais il m'a rien fait pour l'instant. Il m'a forcé à télécharger un code promo. Riz, re-rentré. J'entends pas. Et il prend. Je vais le chercher. Il prend de l'argent sur les gens. Oui, Riz, tu peux rentrer, le capitaine. Oui, j'arrive. Franklin, là. Attention. Mais ouais, vraiment, Riz. Ça fait du coup, Riz, c'est un bon élément. Et tu comprends sa nomination en tant que sergent. Nickel. Et je suis tout fier d'arriver à côté de lui au même mois. Bientôt, sergent. Un jour. Moi, je vais vous dire la vérité, capitaine. Je pense que dans cette pièce. Personne n'est tout blanc et c'est rien à voir avec la couleur de peau. Ça ne changera jamais. Vas-y. Ce que je veux dire, capitaine, c'est que il n'est pas pour l'UNICEF. C'est que capitaine, vous connaissez notre travail. Vous êtes passé par là. Il arrive de temps en temps un policier fasse des erreurs, certes. Mais ce que je veux dire, capitaine, c'est que si jamais moi aussi je me mettais à noter les erreurs de mes collègues et que je venais vous en parler à chaque fois plutôt que de leur en parler à eux directement, eh ben il y aurait des sanctions qui auraient été prises aussi, capitaine, vous comprenez? N'oubliez jamais ça. Bien. Mais si à l'avenir, capitaine, c'est comme ça que ça doit marcher, que voilà, je vous ferai remonter les informations plus rapidement. C'est ce que j'attends, c'est ce que j'attends d'un sergent. Mais parce que moi je les prenais en tête à tête, quoi. Je les prenais en tête à tête, on discutait. Les gronder un petit peu, mais je le ferai. J'ai convocation, on fait ça en bonne et due forme. Ça marche. Eh ben je le ferai. Et vous allez avoir une enquête sur le dos. Et c'est pas de moi, c'est du bureau du procureur. Donc si y a pas c'est avéré, normal. Vous serez licencié, Riz, je vous le dis. C'est pas normal. C'est normal. C'est normal, mais... C'est mon collègue. Hein. Faites peur à quelqu'un, je m'occupe de vous personnellement. Mais je saurai faire les enquêtes sur mes collègues aussi, vu qu'apparemment dans le SASP, on enquête les uns sur les autres. Non, je vous le dis, personne n'enquête sur personne. Ah non, personne n'enquête sur personne. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Oui, oui, on enquête pas. Hein. On a une famille. Tous ensemble, on a retrouvé la vermine. C'est promis. Et une main. Bon, allez, vous allez chez les Park Rangers. Ok, il y a des gâtons, les pauvres. Okay. Et plaisir. Mais du coup, attendez, mais je crois qu'on n'a pas fini, hein, les gars. Un code 99 sur un cercle. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Mal en point. C'est quoi le motif exactement qu'on aille chez les Park Rangers? Bah parce qu'il faut envoyer des gens de temps en temps et vous en faites partie, c'est tout. Ah, c'est-à-dire... Vous voulez pas? Vous voulez pas? Non, c'est... Bah vous me dites, si vous voulez pas, y'a pas de problème. C'est pas une punition. Eh les gars, je vais intervenir deux secondes. Si on vous envoie à la base aujourd'hui, c'est que dans le Nord, on vient de rouvrir cette branche. Et on s'est dit que vous serez... Ah, je l'ai, la branche. Ah oui, la branche. Oui, la branche. La branche. Qui était dans la voiture hier, qui a été envoyé sur le ponton dans l'eau, là? Il y avait Bijou. Moi, capitaine. Il y avait 01. Moi, on était tous là. On était tous les 5, là. Oui, oui. Moi, j'étais dans le coffre, mais j'ai sauté. Après, il y a un seul volant, capitaine. Et pourquoi, hier, quand je vous ai demandé en radio si tout allait bien? Oui, oui, tout va bien. Ah, c'était pas au même moment, capitaine. Ah, c'était pas du tout... C'était pas au même moment, désolé. C'est vrai, désolé. Allez, barrez-vous, je me frappez pas, capitaine. Oui, capitaine. Bonne soirée. Descartes, capitaine. Commandant, pardon. Commandant. Félicitations, messieurs. Félicitations, Riz. Félicitations, en tout cas, ouais, Riz, pour le sergent. J'essaie de voir les collègues, ok? Ça va, Martin nous attend. Et Morales qui vous attend. Ouais, c'est vrai, ouais. On va les traiter des vaches, les collègues. Ça fait 30 minutes. Capitaine, on n'est pas là, oui, qu'il y en a un d'entre nous qui vise mal le cerf et que ça finisse dans la tête de notre chef. Patrice, je suis ventelé aujourd'hui. Viens voir. Je suis comme votre capitaine. Je sais pas tirer au fusil de chasse, moi. Non, mais Patrice, tu es le plus haut gradé là-bas. Tu es sergent. Il se passe quelque chose, c'est toi qui prends. Non, à toi de les tenir. Non, capitaine, je peux pas. Patrice, je t'ai nommé sergent. Patrice, je t'ai nommé sergent. À toi de. Ah putain, j'ai cru que j'avais crash encore. Ah, mais capitaine, il y a un blanc, j'ai cru que j'avais crash. Comment ça, tu peux pas? Mais je peux pas tenir une équipe de Zanzibar, c'est impossible. Si, t'es sergent. Mais. Non, mais t'es pas obligé de sanctionner. Tu prends les informations, tu me les remontes après. Qu'est-ce que j'ai autorisation d'ouvrir le feu s'il m'écoute pas? Non. Mais tu crois que c'est ma seule solution? Ça va être non, ma seule solution. Tu prends les informations, ceux qui font des conneries, tu les remontes. Et derrière, ils sont virés. Ok. Ça est-ce marche. Que tu veux être doublement plus haut gradé qu'eux? Non, je m'en fous d'être plus haut gradé que les autres. Bah, moi, tu je passes pas... belette 2, voilà. Oh allez. Que je m'occupe d'eux. Parfait. Bon, Riz. Déjà, est pas fini, l'histoire de Nora. Déjà, juste moi, je viens de voir qu'il y a Fury dans le bureau. J'aimerais qu'il sorte parce que j'ai pas oublié ce qu'il a fait à Karim, premièrement. C'est le chief. Oui, c'est mon chief, mais j'ai viré, c'est au revoir. J'ai pas. Vous retirez pas votre phrase dans les 5 secondes, vous êtes viré. 5, 4, 3, 2. Comment je peux retirer? C'est la vérité. Retire. 0, vivant. Oui. Allez. Oubliez pas vos équipements, Riz. Oui, je vous les laisse, mais que vous soyez chief ou président, ça enlève rien sur la vérité, hein. Ouais, si le jamais. Coup de pompe dans le Netas, oui, je l'ai pas oublié aussi. Oui, hein. Oui. Quoi? Mais tu fais quoi là? Et je fais quoi? C'est la vérité? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Déjà, je me souviens plus de cette histoire, premièrement, d'accord. Il y a qu'une personne au-dessus de lui là actuellement. Oui. Dans tous les États-Unis, il y a deux personnes au-dessus de lui qui. Toutes les États-Unis. Mettez-moi du coup, Riz était mis à pied. Quoi? Va lui parler vite avant qu'il parte, dépêche-toi. Non. Mais tu fais quoi? Tu... Riz? Quoi? T'es en train de niquer toute ta carrière là, hein. Ben écoutez, il me demande... Dépêche-toi, cours. Non, il me demande... Genre je vais pas retirer une phrase alors que c'est la vérité s'il a trop d'ego pour l'admettre. Et bah va t'excuser. Non. Excuse-toi vite. Non, 13. On 13, non. Toi, là. C'est toi qui m'apprends la discipline. Des gens sont morts. Des gens sont morts. Karim est mort. Karim est mort. Là, lui, Fury, il est jamais venu me voir pour me demander pardon de la mort de Karim. Eh bah écoute, un jour. Jamais un mot. Va lui parler, essaie de lui expliquer. Allez, va. Mais lui expliquer quoi? Il a voulu 5 secondes. Moi, je suis pas sa chienne, moi. Non, mais Riz, attends. Je suis en train de gâcher ta carrière. Je suis désolé, 42. Non, mais 13, c'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami et il est mort. Il est mort parce que Fury, il a voulu l'échanger. Il a échangé et au final, il a pas réussi à lui sauver la vie. Je vais pas, retirer. Chief. Non, ça a rien, lui dis pas de remonter. Eh, hey, tu vas parler avec commandant. Lui. Non. Merci, vous allez parler. Eh, hey, 113.
quoi là, ça y est, c'est fini? Non, au revoir, 113. Je te jure, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On pourra pas te reprendre. Hein. C'est pas dans mes intentions de finir, mais je peux pas. Attendez, je vous laisse nous attendre au bureau, on arrive. Très bien. Je le ferai pas, 42. On parle d'amour. Karim est mort. Il m'a jamais dit oui, pardon. Explique-lui le fond de ta pensée, d'accord? Il faut m'en penser, il sait même pas. Attends, genre, je t'explique comment ça va se passer. Non, écoute-moi. 113, vraiment, je te promets, et ce n'est vraiment pas une blague. Même nous, les commandants, on ne pourra rien faire pour toi. Oui, je sais, je comprends, mais je parle. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer. Tu vas dire désolé pour ce que j'ai dit, non. Mais. Si, même s'il va dire, il n'y a pas de mais, tu dis, si, il va y avoir un mais. Je veux qu'on parle de ce truc, parce que vous n'êtes jamais revenu me voir. Tu l'expliques. Explique-lui le fond de ta pensée. Tu es sergent, il va être capable de t'écouter, d'accord? Eh, 42, je l'emmerde. Je pars à Miami, je suis keuf là-bas, j'en ai rien à foutre. Tu crois que je vais lui sucer la bite pour être SASP ALS? Toutes les villes du monde, elles me veulent. Je vais à la Liberty, je vais à la Vice City, je vais aller à Chicago, et je vais aller n'importe où. Là, tu n'es plus flic, T'as dit quoi? Là, tu n'es plus flic partout, il est chief. Chief de quoi? Il n'y a que deux personnes. Il est chief of the police de toute l'Amérique. C'est qui le plus chef de chief? Et quoi? Attends, mais tu crois il va me virer parce que je lui ai dit qu'il a tué quelqu'un? Oui, mais il fait ce qu'il veut. Non, mais ça marche pas comme ça, il y a des droits, je te jure, si je dois aller en procès avec lui, j'irai en procès avec lui, je vais aller voir le DOJ, je vais aller voir le juge suprême, on va bien voir. Tu le sais que je suis bête, hein? Tu le sais que je suis bête, 42. Oui, je sais que t'es bête. Bah oui. Là, tu fais vraiment une énorme connerie. Mais je t'assure qu'il peut pas me virer comme ça. Toute la soirée. Allez, lui, chief, s'il vous plaît. De quoi? Faut que vous discutiez tous les deux. Discutez pourquoi? Discutez pourquoi? Il se rappelle même pas, tellement c'est insignifiant pour lui en fait, ça. Oui, insignifiant? Vous avez oublié ce que vous avez fait, je crois. Le pirate pour un agent de police. Ah, donc ça n'a aucun rapport là, on parle d'une affaire, vous me parlez d'une autre. Ah oui, on parle de la même affaire, hein. C'était lié, c'était la suite. Oui, hein. À cause de vous, Karim, oui. Il est mort. Ça, c'est la vérité, voilà, c'est tout. Et effectivement, et vous avez assassiné quelqu'un aussi, non? Oui, et alors. Fusil à pompe. Et quel putain de rapport avec la mort de Karim? 30 minutes avant? 30 minutes avant? 40 minutes avant, non? Ouais, c'est. Ouais, une heure ou deux avant, ouais. Et moi, j'ai purgé ma peine pour. Putain, mais Zubby, frère! Oh! D'accord? Vous m'entendez? Oui. Là, oui. Oui, je vous disais, moi, j'ai purgé ma peine pour ça, contrairement à vous. Vous avez purgé aucune peine, hein? Si, je suis allé en hôpital psychiatrique. Vous êtes agent de police. En cas, vous pouvez être agent de police. Non, je suis allé en hôpital psychiatrique, je me suis fait soigner, moi, par rapport à ça, monsieur le chef. Effectivement, peut-être. Oui, effectivement. En attendant, oui. La condamnation et votre place, à l'heure actuelle, vous ne l'avez pas, en fait. Oui, mais il n'empêche que je me suis fait condamner et que j'ai purgé ma peine par rapport à ça. On l'a même pas fait. Vous avez tué quelqu'un? Oui. Et purger votre peine pour ça. Ah oui. Vous avez une insigne sur vous. Ah oui. Un casier judiciaire, une insigne sur vous. Oui, je suis soigné depuis. Vous avez un casier judiciaire et vous avez une insigne sur vous. Oui. Parce que j'ai été soigné. J'étais pas en prison pénale. Non, ça ne marche pas comme ça. Si, j'étais en hôpital psychiatrique et le médecin m'a dit que j'étais apte. Monsieur, la preuve étant, je suis devant vous. Vous êtes devant moi, effectivement. Oui, vous avez de la chance d'être encore là. D'accord? Oui. Comme n'importe qui a de la chance. Mais n'oubliez pas une chose, d'accord? Si un jour, ça s'apprend dans le poste. Que vous avez assassiné quelqu'un. Tout le monde le sait. Pompe avec vos collègues. Tout le monde le sait. Ah oui? Oui. Ou pas tout le monde, non. Non, je pense pas, non. Bon, la plupart des gens, ils le savent en tout cas. Ce sera votre fin. Oui, vous le savez. C'est sûr. La plupart des gens le savent. Monsieur le chief. Bah voilà. Ah, super. 13 aussi au courant, 13. Ah, mais voilà. Le passé, c'est le passé, d'accord? Si ça s'ébrouille, 13, t'es viré, sache-le. On est obligé de faire avec dans tous les cas. Je retirerai pas ce que j'ai dit. Des secrets, bordel! En tous les cas, vous êtes en uniforme et je suis en uniforme. Il est mort à cause de vous. Indirectement, il est mort à cause de vous alors. Vous n'auriez jamais tiré dans la personne, on n'aurait jamais arrivé là. Et vous le savez très bien. Si vous aviez pas échangé un policier contre des criminels parce que vous vous êtes chié dessus. Si vous n'aviez pas tiré ce putain de coup de pompe. Vous vous êtes chié dessus. Jamais on n'en serait arrivé là-bas. Monsieur le chief, vous êtes chié dessus. Et du coup, vous avez donné un agent de police à des criminels qui l'ont abattu de sang-froid. Oui. Oui. En attendant. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Et vous aviez tiré sur le net juste avant. Si jamais vous aviez pas tiré, vous auriez pas été en état d'arrestation. Et toutes les choses qui sont arrivées par la suite ne seraient jamais arrivées. À cause de moi, une vermine est morte. Vous, à cause de vous, un agent de police incroyable est mort. Monsieur le chief. Un ripou. C'est toi le criminel. T'as tué quelqu'un. Il est mort par ta faute. Le capitaine, le commandant, jamais il aurait fait ça. Pas vrai, 07, t'aurais donné un policier pour échanger contre un criminel? Hein, je vais donner un gouverneur. Est-ce que t'aurais livré un policier à un gang
07. T'aurais fait ça? Mais les circonstances. Non, mais là tu prends dans le sac. Tu as regardé les circonstances aussi ou pas? Même pas un pardon, même pas rien. Il est même pas venu. Je me suis excusé. Il y a même. Non. Il y a même. Si, la première fois que je vous ai revu juste après. Vous avez dit non, j'oublierai jamais, etc. Même pas un enterrement en bonne et due forme, rien. Je comptais sur vous, moi, à l'époque. Il est mort. Il est mort comme une merde. Savez... Comme une merde, il est mort, 07. Ils l'ont tué comme une merde, Karim. Et putain! Oh! Mais j'en ai marre! J'en ai marre! Oh! Mais c'est pas le moment! Faisait sa cervelle aux pompes. Vous savez, Riz, il y avait de l'espoir si aujourd'hui en vous êtes toujours là, c'est en partie grâce à la personne qui se trouve devant vous. Hein, le Chief Fury a témoigné. D'accord? Oui, si vous le dites. Donc ne l'oubliez pas. Si aujourd'hui tu peux toujours faire ton travail, c'est grâce à cette personne. Vous m'entendez là, on est d'accord, oui. Oui, on entend. Ouais. Ouais. Je fais que m'évanouir. Je fais des malaises vagales, ça me casse les couilles. Mais putain, non mais frère, mais c'est invivable. Oh ! En plus, il se passe rien là. Là, y'a personne dans le coup et tout, frère. J'ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Si vous me détestez, oh, putain. Détestez-moi. Ben, je vous déteste. Très bien. Et ben, vous le gardez pour vous, en service. Compris. Terrible. Je sais pas s'il parle. Ah oui, je crois, oui. Oui, je... Voilà. C'est bien, je vous déteste. Ça, on a compris, Riz. Oui. J'ai l'impression d'être au travail. Oui, ben, vous êtes au travail. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Par rapport à la brochette d'idiot, là. Ouais. Allô en fait, je te le dis, Riz, je sais pas ce qu'ils ont contre toi là, mais ils sont venus dans le bureau, ils avaient peur de toi. Moi je en fait, ils ont pas compris pourquoi tu es sergent. Et je vais vous dire, capitaine, en fait, le problème c'est que eux ils font des bêtises, moi je les couvre et je les gronde à eux directement, vous comprenez? Oui, je sais. Et sauf que moi, vu que moi je suis sergent, eux ils ne peuvent pas me gronder. Donc du coup, eux leur moyen de mettre la pression entre guillemets, bah, c'est de passer par vous. Eh bah, c'est ce que toi tu devrais faire aussi. Ah, mais bon. je suis leur supérieur hiérarchique, je peux me permettre de... Ah bah tu peux leur mettre des sanctions. Mais tu fais ça en bonne et due forme. Capitaine, je vais être intransigeant avec eux, je vous assure, je vais vous saouler, je vais vous en faire des rapports là maintenant. Je m'en fous, c'est ce que j'attends de toi aussi, Riz. D'accord. Parce que le problème, c'est que derrière, eux, quand ils sont avec toi, ils se croient tout permis aussi, du coup. Ouais, bah ils peuvent aller... Parce qu'ils disent, bah Riz ouais. Il est sergent, mais il va rien dire. Bah ouais, bah ils vont aller se faire enculer. Parfait. Ouais, parfait. J'attends. Super. Soit impartial avec tout le monde. D'accord. Le 9-7, il était là, syndrome de l'imposteur, il pense qu'il doit pas être sergent. Moi, j'étais là, je le consolais, je lui disais, mais non, tu mérites, t'es un bon et tout. Fils de pute. C'est pas possible, ça. Les insultes, ça va. Non, pas les insultes. J'aime pas ça. L'autre con, là. Eh, 13, faut le... 13, il est encore rookie, 13. Il est encore rookie. Eh, faut le monter, lui, c'est un bon. Hein. C'est un bon élément. Il fait une cérémonie avec tous les rookies. Il fait ses petits rapports et tout, là. Ouais, mais il a pas fini ses petites formations de rookie et tout. On prend le temps de bien former les gens, Riz. Parce que. Derrière, si on les met trop haut, assez vite, alors c'est comme Baby dans le Nord, si demain il est lieutenant, il va sentir pousser des ailes. Bah, c'est pareil dans le Sud, si les gens montent trop vite, derrière ils sentent pousser des ailes et après... Franchement, je suis tombé... avec un ego surdimensionné. Non mais là, je suis trop tombé de haut là, capitaine, là, je suis trop tombé de haut là. Pourquoi? Mais c'est cette petite brochette de pute là. Bah, fallait s'y attendre un jour, hein. Les gens vont dans votre sens et quand vous êtes pas là, eh ben, ah bah ouais. Pas, le chat n'est pas là. Capitaine, oui, ils auront essayé de mettre une pression psychologique d'ailleurs. Ah, je dis quoi? Il me traite de ripou. Il me dit que je couvre Riz, que je suis menacé par Riz, que Riz menace de me tuer, etc. Clear radio. C'est vrai ou pas? Alors, bah non, c'est complètement faux. Comme j'ai déjà dit à 22, 22 m'a pris déjà dans son bureau pour parler de ça. Oui. Je le dis devant Riz, hein, je m'en fiche. Je l'ai déjà dit, Riz n'est pas le modèle à suivre parce qu'il a des façons de faire qui peuvent être agressives. Assez virulent pour certaines personnes. Voilà, assez agressif. Certaines peuvent le prendre comme des agressions, mais j'ai jamais vu, je suis honnête, je n'ai jamais vu d'écart. J'ai jamais vu Riz tuer quelqu'un, j'ai jamais vu
Riz faire je sais pas quoi, au contraire. Vraiment, j'ai jamais dit le contraire, comme je te dis. Mais moi, je le dis, au contraire, lui... Ouais, non, mais oui, moi, je le dis, au contraire, que c'est quelqu'un qui canalise beaucoup. Et qui est... Certes, il y a une façon de faire très forte. Peut-être un peu trop, du coup. Non, il y a une façon de faire assez forte, qui peuvent déplaire. Mais en vrai, en fait, moi, c'est ce qui se passe avec la Nora qui me chagrine un peu. Et les commandants, regardez-moi dans les yeux. Moi je vous le dis, je vous le dis, c'est vrai, j'ai mes méthodes. Elles sont peut-être pas très conventionnelles. Mais jamais j'irai à l'encontre du sens de la police, d'accord? Oui, mais explique à tes collègues alors, parce que du coup... Non mais c'est bon, mes collègues, je les emmerde, j'ai pas de collègues, moi, non, mais c'est bon, j'ai bien compris. Mais pas de collègues dans le même sac non plus. J'ai pas de collègues. Il y a beaucoup d'officiers 1, 2 ou 3 dans le... qui restent dans le SASP, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Ouais, non, mais je parle de cette brochette de salope, là. Oui, la brochette, si tu veux, mais les autres, non, non, je vais le dire, je vais assumer, vous savez quoi, je vais assumer. Une fois, j'ai failli faire une bêtise. D'accord. J'ai failli m'énerver et me battre en venir aux mains avec quelqu'un. Je me rappelle, mais je sais qu'il m'a remonté les bretelles et il m'a pris à part et m'a crié dessus pendant 20 minutes. De ce cas, c'est le sergent. Vous êtes avec qui en bas? Bah, c'est bien. C'est son travail, le sergent, et c'est ce qu'on attend. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, au contraire, qui est très pédagogue en vrai. Mais justement, Riz, n'hésite pas à leur casser les couilles, fais des convocations bureau. Eh, capitaine. S'il faut qu'il fasse la circulation pendant une heure, tu t'en bats les couilles. Capitaine, je vais. Ton cœur et écoute. Je vais leur faire la misère, je te jure, ils vont chialer. Ils vont regretter. Mais t'as vu, capitaine, de l'abus de pouvoir, après, sa grand-mère. Fais des trucs. Eh, capitaine, de l'abus. Non, abus de pouvoir, sa mère, capitaine. Je vais abuser. À part. Eh, juste 9-7, faut que vous le remettiez SLO pour que je puisse abuser sur lui un petit peu. Non, là, tu vois, Riz, tu vas trop loin. Ah ouais? Fais les choses dans les règles de l'art. On te met sergent chef, non? Non, je le mérite pas. Non, je voulais voir ce qu'il allait dire. Mais 07, s'il te plaît, tu me connais toujours pas? Bah si. Capitaine. Moi, j'ai reçu une notif, le réalité. Capitaine. Ouais. Oui. T'as parié encore? Ouais. T'as parié? Oh, okay. Capitaine, pitié. Il était à 10 contre 11 depuis. Capitaine. Une demi-heure. Oui. Pitié. Qu'est-ce qu'il fait à genoux, lui? Pitié, mon capitaine, pitié. Non, on va pas, clairement pas redescendre. Non. Un agent qui fait non, bien non. Je sais ce qu'il veut. Capitaine. Ah. Attends, je vais lui parler. Viens voir, Zorzette. Il fait quoi, là? Non, il l'aura pas. Zorzette, viens voir, s'il te plaît. Je dis que je vais lui rendre. Capitaine! Tu fais quoi? À mon pompe. Ah. Alors, ton pompe, il t'a dit. Ça te parle, radio? Je te dis quoi, Riz, quand tu t'y attendras pas. D'accord? Capitaine. Je veux que tu fasses du pouvoir avec ta bouche. Mais je le fais, pompe. Je le fais, capitaine. Je vous. Eh ben, je ne suis pas assez satisfait. Ok, mais écoutez-moi. Le problème, capitaine, c'est que je le fais le pouvoir avec ma bouche. Mais quand je vais être encerclé par 4 personnes, j'aurai pas de pouvoir avec ma bouche. Demain, je suis encerclé par 15 personnes. Je m'en sors sans sortir d'arme. Capitaine. Le Chief Fury également. Le commandant 42. J'ai tout à apprendre de vous. J'ai tout à apprendre de vous, capitaine. Mais je n'ai pas un quart de votre charisme, capitaine. J'ai besoin de mon fusil à pompe. Ben non. Je vais me faire kidnapper, je vais me faire tuer, capitaine, et vous aurez ma mort sur votre conscience. Eh ben, je l'aurai, mais... Vous l'aurez, hein. Vous l'aurez, capitaine. Ouais, l'aurai. Capitaine, vous l'aurez. Non, je sais que je l'aurai pas. Si, vous l'aurez. En fait, vous envoyez... Apprends à te défendre. Là, vous savez à qui vous envoyez un message. Vous envoyez pas un message à moi, capitaine. Hein. Là, vous envoyez un message aux criminels. Là, les criminels, ils ont volé mon fusil à pompe. Et depuis qu'ils l'ont volé, Riz n'a plus de fusil à pompe. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire comme raccourci dans leur tête? Ils vont se dire. Attendez, je m'en fous. Mets un petit coup de peinture dessus. Ils vont se dire, en fait, quand un policier nous pose problème, on a juste à lui voler son truc préféré pour qu'il arrête de nous poser problème. Bientôt, ils vont voler quoi? Ils vont voler la highway de Patrice? Hein? Oui, ils vont voler votre slip? Parce que vous avez des grosses couilles? Je veux dire une chose, Riz. Je vous regarde dans les yeux, d'accord? Oui, mon capitaine. Jamais vous ne rentrerez dans mon cerveau, Riz, d'accord? Capitaine, je sais pas d'entrer dans votre cerveau, je vous le jure, capitaine, mais c'est vraiment. Allez, elle est patrouillée. Vous savez que les criminels me narguent, hein. Ils me disent, il est où ton pompe? Alors, t'as plus ton pompe? Eh ben, mets-les en cellule. Mets la bowling book. Je peux pas les mettre en cellule parce qu'ils me disent, alors, t'as plus ton pompe. Fais-leur la morale. Mais je leur fais la morale, mais ils en ont rien à foutre, ils rigolent, ils ont juste Riz, il y a plus de pompe. Oui, mais peut-être que Riz un jour, il aura son pompe et là. Capitaine, je vous suce la bite. Non, arrête. Allez, d'accord, capitaine. On patrouille. Allez, 13. 13 au pied. Ok. Allô? Je vais lui dire ça, vas-y. Putain. Vas-y, à moi quand j'étais rookie. Et vas-y. Oui, 42, il me fait penser à toi aussi. Et il finira comme toi, tu verras, avec ma formation. Non, il finira. T'as pas vu, comme je t'ai moi, dit quoi? Non. Je finirai juste sans moi, capitaine. Jamais, capitaine, jamais. Jamais. Oui, mais 42, jamais. 42, tu sais, à l'époque, le trou de balle là, qui a tué Karim, là, il me disait pareil. Il me disait, ouais, 42, il finira jamais, capitaine. Je lui disais, mais si, parce que c'est moi qui le forme. Tu verras, 42, on en reparlera.
On en reparlera, vas-y. Jamais, jamais. Allez. Allez, dépêche-toi. Moins 1. Non mais c'est vraiment trop des putes, il faut que je me venge. Moi ils essaient de mettre une pression ces bâtards hein. Pourquoi? Bah ils font que d'essayer de me baiser. On va se venger 13, on va se venger hein. C'est 0-1 sur... c'est 0-1 le problème, c'est 0-1 qui engraine tout en fait. Là ils sont par Roger, tranquille tu vois. Ils font leur vie, là ils sont contents. De toute façon là on est débarrassé jusqu'à la fin de l'année, il est dans le nord. Et s'il revient, tu le redégages dans le nord jusqu'à la fin de l'année. Le capitaine tout à l'heure il a dit il dégage qu'à la fin de l'année. Putain. Et il y a un truc d'ailleurs par rapport à ton pompe. Quoi? Sur Twitter. Oui. 50 qui vient de m'appeler. Kala apparemment il a posé avec ton pompe. Ben ouais. Attends. Parce que moi il m'a envoyé une photo, Kala carrément il m'a dit ouais j'ai un pompe. C'est une petite boucave en fait. Contre, eh, si Nora apporte plein, je suis dans la merde. Hein. Il faut que je lui demande pardon. C'est le moment d'aller te rattraper tout de suite, mec. Ah, mais comment je fais? Tu retires le bracelet tout de suite. Attends, je sais ce que je vais faire. Tu sais quoi, je vais le bracelet. Le bracelet, le bracelet il a pas été noté, frérot. Elle a, elle a une soeur jumelle. Oui, allô, Justine. Oui. Je veux pas t'embêter, mais juste, est-ce que tu sais si ta soeur elle est là ou pas? Elle m'a pas répondu donc je pense pas. D'accord. Justine, t'es toute seule là? Là je suis à l'enterrement. Mais là, l'enterrement je... de qui? Des Rifa ou je sais pas quoi là. Ok, écoute Justine, il faut absolument que tu transmettes un message à ta soeur, d'accord? Ok. Tu lui dis que vraiment si jamais genre elle va voir le procureur, ben je la tue. Le carré compris. Mais non mais dis pas ça. T'as dit quoi? Mais non, ah, mais non. Voilà, d'accord, tu lui fais passer le message, d'accord? Mais non, mais arrête, please. Non, tu veux tuer ma soeur. Dis... Quoi? Non. Je savais pas quoi dire. Tu veux que je dise quoi? Non, mais... Dis, écoute, si elle va voir le procureur... Déjà, je vais même pas parler du procureur, fallait juste dire, écoute, faut que je m'entretiens avec elle. Ouais. Pour qu'on voit nos différents et c'est fini. Ok, genre, bon, attends. Genre, on enterre l'âge de guerre. Okay. Vois-le comme ça. Okay, arrête de parler de tuer. Arrête de vouloir tuer tout le monde. Mais non, mais je veux pas tuer tout le monde. Je veux. Si. Non. Eh, tu crois que je suis un psychopathe ou quoi? T'es à la limite. Non, je suis pas un psychopathe. Je suis pas un psychopathe. Ok, c'est bon. Ne lâche pas sur moi, je t'ai rien fait. Tu vas me menacer de me tuer, moi. Non, très. Mais t'es sérieux ou quoi, 13? C'est bon alors. C'est un test. Jamais je te ferai du mal, c'était mon petit rookie. Non vas-y, tu sais quoi, j'attends que ce soit là, Nora. C'est quoi cette histoire de Karim, je sais pas quoi là, que t'as tué? Non, j'ai pas tué Karim, justement. Ah ouais? Non. En gros, tu vois... T'as tué un mec, il a dit. Oui, que... j'ai tué un mec. En gros, il y avait un mec qui s'appelait Entrel, d'accord? C'était le chef du gang des Netas. Ouais. Et il se trouve que c'est Entrel, lui, on l'a arrêté. Et en fait, le truc c'est qu'il y a eu une espèce de malentendu général, tu vois. Genre Fury, il m'a dit tiens, prends-le dans ta voiture et moi il savait que c'était mon pire ennemi ouais. Abusé. Et moi tu je pensais vuré, tu l'as tué. Moi je pensais que c'était un message en mode je ferme les yeux, vas-y prends pars avec lui et voilà, tu vois. Du coup, moi je l'ai ramené au phare. J'ai sorti de la voiture. Ça, à chaque fois pourquoi c'est pour ça que tu dis je vais t'emmener au phare. Oui. Je l'ai ramené au phare, j'ai sorti de la voiture et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, il y avait donc Fury qui me surveillait. Tu vois. Et ensuite il y a eu un moment où je sais plus, il y a eu des gangs, ils avaient pris en otage des gens, tu sais genre le gouverneur ou un truc comme ça. Et en échange ils devaient nous filer nous et moi et Karim. Et le Fury là il a accepté, c'est à dire il a échangé le gouverneur contre nous deux. Ouais, tu te rends compte de la dinguerie? On n'échange pas des otages par des otages. Ouais, bah il a échangé, il l'a fait et du coup bah eux ils sont arrivés là-bas et ils ont tué Karim. Putain. À cause de Fury. Mais pourquoi ils ont voulu tuer Karim en fait? Ben parce qu'on faisait trop bien notre taf. Ok. Tu vois, c'est comme s'ils voulaient nous tuer toi et moi. Je suis pas Karim moi. Oui non, t'es pas Karim, mais genre t'as vu, on fait bien notre taf, du coup y'a des gens qui nous en veulent. Ok. Wouah, c'est chaud. Ouais. Ça je te le fais pas dire, mon vieux. Ok, et du coup y'a pas beaucoup de gens qui le savent. Bon, y'a quelques gens qui le savent en vrai. Hein. Ok, bah je ferme ma gueule. Non, mais c'est pas un secret. Hein. Oui,
Enfin, c'est pas un truc à crier sur le tous les temps non plus, tu vois, mais c'est pas un secret, genre. Ah, voilà. Putain, mais c'est une dinguerie. Ouais. Ah, ouais, ouais. Là, quand même, j'y crois pas. C'est des bâtards, quand même, hein. Ces enculés, hein. Ben ouais. Parce qu'ils sont beaucoup contre nous, hein. Moi, ils essaient de me mettre dans la merde à cause de toi. Ils veulent que je te poucave. Alors qu'en vrai, il a rien à poucave. Ben non, on fait rien, on est tranquille. Et puis, c'est beau de parler, mais parler dans le vide. Qu'est-ce que tu veux faire sans preuve contre quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir sur le bas-côté, s'il vous plaît. Yes. Vas-y, tu sais quoi, je te laisse gérer l'arrestation là, je veux voir comment je t'en sors. Le conducteur descend, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Tout le monde descend du véhicule, s'il vous plaît. Vous mettez tous contre le mur. On va poser un simple contrôle, s'il vous plaît. Yes. Je vous ai fait la demande de mandat. Allez, parfait. Merci. On se met contre le mur, le même mur. Voilà, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Monsieur, bonjour. Permis de conduire, s'il vous plaît, le conducteur. Permis de conduire. Attendez, vous me laissez ouvrir mon portefeuille? Allez-y. Carte... Ah, j'ai pas la carte grise par contre. Elle est où la carte grise, monsieur? Shailen Pierce. En fait, c'est un ami à moi qui a pris l'avion. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que bah, je l'ai pas récupéré depuis. Très bien, vous avez jamais fait aucune démarche auprès de automobile? Non, j'ai jamais fait de démarche. Non, mais vous attendez quoi? Je vous ai pas parlé, monsieur. Je suis en train de parler avec le conducteur, s'il vous plaît. Merci bien. Bah, sincèrement, franchement, je vais vous dire la vérité, j'y ai pas pensé. Mais comme. Parce qu'en fait, depuis que je l'ai, je me suis toujours pas fait arrêter. Donc, j'ai pas y pensé, je vous avoue. Après, ouais, je vais pouvoir aller là-bas. Sur AMG, le véhicule, il a quel nom? Merde, j'ai oublié. Shailen Pierce. Ouais, Shailen Pierce, c'est ça. Pierce. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Encore une fois, je vous ai demandé, monsieur? Non, pardon. Merci bien. Collègue, tu es surveillé, je vérifie la plaque? Vas-y. J'ai déjà vérifié, c'est bien Shailen Pierce. Ok, très bien. Tac. Ah, oui, du coup, permis de conduire. Hein. Permis de conduire, ouais. Le truc, c'est qu'on peut pas vous laisser partir, monsieur, sans carte grise. Vous savez que c'est obligatoire. Je sais bien, monsieur, je sais bien. Monsieur Sully Johnson, hein. Oui. Mm-hmm. Et bon, c'est Shailen Pierce. Malheureusement, c'est votre collègue qui est décédé. En son occupe. Ça va, elle a pris l'avion un coup après. En son occupe. Non, mais en fait, la voiture, elle était à son fils. Enfin, en fait, c'est son fils qui a récupéré ses biens et son fils a pris l'avion. Bon. Mais écoutez, ça va aller en fourrière. Hein. Ah non, monsieur, laissez-moi une petite faveur. La prochaine fois que vous me contrôlez, c'est la première fois que je me fais contrôler, monsieur. Ah, mais nous, ça, on n'en sait rien, nous. Bon, écoutez, on va faire un truc simple. Vous savez quoi, monsieur? Je vais vérifier votre nom, monsieur Sully Johnson. Alors, on va faire un petit truc. On va trouver un petit accord. Si vous avez un casier ou une seule arrestation, bail la voiture. Bah, franchement, je vous dis la vérité, j'ai plusieurs arrestations à. Bonne soirée, à mon actu. Repartez à pied. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La loi, monsieur, je suis désolé. Allez voir le concessionnaire pour faire une carte grise et récupérer là. Attends, faut que je l'encode. Je suis bâtard, hein. Je suis un bâtard. Ouais, non, c'est bien. Non, je suis un bâtard. Merde. Tu fais une photo là? Non, je vais. D'abord, on va les poser à la Mesa. Et en attendant, je vais encoder le véhicule. C'est quoi ça comme véhicule? Bon, alors là, j'en sais rien. Moi, je suis trop nul en véhicule. Hein. Ouais. Je suis sûr qu'il y avait des armes dedans. Je sais pas. Va à la Mesa. J'y vais. Bah, j'y vais. Pourquoi je passe par là? Bah, je fais un détour. Non mais la Mesa, c'est le PDP là à gauche, là, on est d'accord? 14. Non, ça c'est à Nishinro. Ah merde, c'est où la Mesa? La Mesa, 14, c'est où il y a la PA, où on a déposé la dernière fois le véhicule Kamacho. Ah oui, mais c'est là que je vais. T'es du père ou quoi? Ah ouais, c'est moi le con. Ah oui. Attends, tu fais, on m'appelle. Okay, vas-y, pas de soucis. Merde, oh putain le détour. Non, c'est bon, je peux rattraper.
Je vous jure que la corde de traction, c'est vraiment la meilleure invention de... Je sais pas, de GTA, frère. Je trouve qu'on l'exploite pas assez, par contre. En vrai, de vrai, on l'exploite pas assez, frère. On pourrait faire des trucs de fou avec. Et on fait rien. Ah merci pour cette soirée, bah de rien mon gars, de rien mon frère, de rien. Après là c'est plus calme là, ça fait 2-3 jours, c'est plus calme, c'est normal. 88, 19 sur les derniers 10, 60 au niveau de Windows. Non parce que, je préfère, en vrai je préfère vous le dire. Et genre c'est normal qu'il y ait des moments où ça soit plus calme en keuf. On peut pas être tout le temps en mode code noir, agression de baiser quoi. Non parce que je vois il y avait Everest qui chialait dans le chat là, donc c'est pour ça que je préfère... par le dire si jamais il y en a qui sont en mode comme lui. Je casse la vitre, on regarde. Hein? J'ai envie de regarder par curiosité. Ok, je regarde. Aïe 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 aïe. Oh radio. Il y avait 4 pétoirs, okay. Les pauvres. 22. Ah si, vous savez où est Bijou? Park Rangers. Backup 2. Et j'ai crash. Tu m'entends, Ju? Attends une seconde. 4 pétoirs. En plus, ils ont des pétoirs, c'est-à-dire qu'ils doivent être des petits clowns, tu vois. Là, ils doivent vraiment être dégoûtés. Non, je leur prends même pas, les pauvres. Non, frère, vas-y. Non, il me faut de la peine. Non, toi, c'est un groupe de petites frappes ou quoi? Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. 4 pétoirs. 4 ouais. Pétoirs. Ouais, 4. Non, je suis trop un bâtard, faut que j'arrête. Ça fait quoi? Bah, des arrêtés en vrai, ça fait pas. C'est bon, ils récupéreront dans la voiture. Oui, mais ils peuvent pas. Ah, mais ils récupéreront le jour où ils récupéreront la voiture, quoi. Ah, ouais, toi. Oui, après, les gars, t'es. Ouais, moi dans mon livre, t'es. Frère, sa mère. T'es pétardé, frère. Je vais appeler le capitaine, je vais lui dire si j'ai le droit ou pas de faire ça. De faire quoi? Là, je lui ai demandé en fait. Là, dans cette situation là. Attends, tirs automatique sur la backup 2. Capitaine? Commandant, pardon. Commandant, je vous dérange pas? 27, on arrive. Écoutez, je me pose une question. Adam 113, on arrive. On vient de mettre un véhicule fourrière, sabot et tout. Sauf que ce véhicule là, la personne est décédée, ils ont pas de carte grise. Je l'ai quand même mis en fourrière. Mais j'aimerais savoir, dans cette situation là, faut qu'ils vont refaire la carte grise, on est d'accord? Alors non. Wouah, attendez, il y a des gros tirs automatiques, hein, ça arrête pas beaucoup. Des gros tirs automatiques sur moi. Non, mais c'est les Park Rangers là qui se battent contre un ours là. Ah non, c'est les Park Rangers. Okay. Annulez, venez pas sur la backup. Du coup, ouais, capitaine, commandant, c'est bien ça qu'il faut faire. Oui. En gros, oui, il y a un ours, il y a un ours. Je vous réexplique. Il y avait des individus que j'ai contrôlés avec 113. On les a interpellés. Carte grise. Super, ça, super les collègues, super. On a mis le véhicule en fourrière. Le haut-parleur. Voilà, le véhicule, ils avaient pas mis la personne, et la personne est décédée. Je savais pas qu'il y avait des skins d'ours. Ok, ouais, ça j'ai. Donc comme ça. C'était pas l'ours de Red Dead. Je peux quand même le mettre en fourrière ou pas? Parce que je l'ai quand même mis en fourrière. Bah oui, si la carte grise n'est pas à jour, oui. Ok, parfait. En fait, c'est à ton bon vouloir. Soit tu l'as mis en fourrière parce que le mec, bah, il est hautain ou quoi, tu vois, il veut pas admettre que c'est pas à lui. Ou soit, bah, quand le temps de faire la carte grise, tu peux lui dire. Bah, moi, écoutez, j'ai voulu faire un arrangement avec lui. Je lui ai dit, écoute, si t'as un casier. Je trouve que c'est j'ai reconnu l'ours de Red Dead, frère. Il avait un casier. Comme ça, ça lui apprendra pas à faire de bêtises, capitaine. Ok. Bah, c'est à ton bon vouloir. C'est à ton bon vouloir. Et commandant, quand je sais pas le nom du véhicule, quand je sais pas c'est quoi. C'était une lowrider, j'ai mis lowrider du coup parce que je sais pas ce que c'est. Oui, bah c'est bien, ouais, c'est bon. Au pire, tu demandes à tes collègues quand c'est comme ça. Ok, merci commandant. Bonne soirée. Ouais.
C'est bien, très, c'est bien là que tu suis le commandant un peu, ça va te faire du bien ça. J'arrive pas à accrocher. À accrocher ? Vas-y quoi ? J'arrive pas, le téléphone il est bugué. Vous faites quoi là ? On patrouille là, chef. Non, non, c'est, je parlais. Ah, ok. On va aller voir la CDG là, j'ai reçu un appel et il y avait une agression au couteau. Ah d'ailleurs on m'a posé des questions par rapport à ça là. À quoi? À la villa CDG là, quand il se fait braquer, quand il s'est fait tirer dessus tout. Ouais ouais. En gros, on est d'accord, on est arrivé là-bas, ils nous ont allumés. Oui oui, direct. Ouais ouais, ok, c'est bien ce que j'ai dit. Okay. Pourquoi y'en a qui disaient non? Non non, la proc qui posait des questions. Merde, c'est où? Eh, moi je veux plus aller dans le nord, hein. Nouvelle expérience, hein. Mais attends, mais c'est où? Je l'ai passé. Et pourquoi tu me dis je suis le commandant, bâtard? Non, mais c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Attends, mais je l'ai passé. Eh, mais elle est où leur ville là? Mais attends, mais je l'ai passé. Elle, non, elle était là. Elle était ici là. Tête de ma mère, elle était ici, je crois. Parce qu'il y avait le petit trou. Elle était là, là, à gauche. Il y a une idée qui s'est rendue sur les 1060. Oui, allô. Oui, allô, 113. Oui, qui est à l'appareil? C'est la personne que tu viens de contrôler là avec la Greenwood bleue. Ah oui, ouais, ouais. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Hein. Super. Je vous appelle parce que, bah en fait, vous m'avez dit de refaire la carte grise, sauf que le problème c'est comme j'ai pas la carte grise de base. Ouais. Il me faut la plaque. Mais sans le véhicule, je peux pas faire la carte grise. J'ai la plaque. On a la plaque, on a la plaque. Tu l'as, 13 la plaque? Attends, je vais lui donner tout de suite 2 secondes. Ok, attends, on va donner la plaque. Attendez, les gars, notez la plaque, les gars. Attends. De la Greenwood. Des OA 10-3. Faut que je retourne sur le truc, hein. 50, on va se dispatcher entre nous, je te tiens au courant par SMS. Ouais, 10-4, c'est ce que j'allais te dire. Mettez à jour le dispatch, ce sera cool. Alors, c'est EJZ. Allo EJZ. JZ. EJZ. Y. Y. 4. 4. 4. AU. AU. 7. 7. 7. C'est ça. Ok, nickel. Merci 113. De rien. Au revoir. Ah, y'a plus. Respect. Ouais, elle est plus. Putain, mais casse les couilles. Attends, mais ça va pas disparaître comme ça une maison. C'est genre, ils ont quoi? Ils ont mis des ballons au-dessus? Ils l'ont détruit. C'était plus stylé s'ils avaient mis des ballons. Comme dans. Eh, mais j'ai pas le temps pour un speed dating. Moi, j'arrête les bandits. Ah, bah arrête les biens. Tu dis à ta copine là. Tu lui dis que je suis un mec super cool, que je suis beau gosse. Ouais. Et que je veux là un date avec elle. Ok, là-haut, putain, mais quand le date? Quand elle veut elle. Ok, ben je vois ça avec elle. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Quoi? Qui, moi? Sors d'ici. Mais non, mais y'a rien. Allô? Non, pas toi, Jess. Ah, ok. Et d'ailleurs, t'as des autres copines à me présenter ou pas là? Ouais, Dolores, mais tu la connais? Vas-y, Dolores, elle est gonzée. Ok, Marie-Jane, mais elle est un peu vieille pour toi. J'aime bien. T'aimes bien? Ok. Tu sais qu'est-ce qu'on dit sur les femmes âgées? Comme Marie-Jane. Non, dis-moi. C'est dans les meilleures soupes qu'on fait les meilleures pots. Non, c'est l'inverse, c'est dans les meilleures pots qu'on fait la meilleure soupe. C'est comme tu veux. Dis comme tu veux. Ok. Quoi qu'il arrive, c'est qu'on mange bien. Oui. Ok, bon, je gère ça déjà avec Ambre, ok? Vas-y, hey. Oui. Dis-lui, bien, dis-lui, j'ai de l'oseille et tout, je suis fauché, dis, t'inquiète, mets-moi bien. Bon, ok, non, on va pas parler d'argent, on va voir si vraiment elle est sincère. Et tu dis que je suis bientôt le chef de la police. Bah, excuse-moi, on était à la cérémonie, on t'a pas vu évoluer déjà, t'es toujours rookie, non? Ta gueule. Raccroché, elle m'a énervé. Mais tu... T'as l'air vachement en galère pour un mec qui drague toutes les meufs qu'il veut quand il veut. Non, parce que, regarde, ouais. Je t'explique. Vas-y, ça, j'adopte une nouvelle technique. Ouais. J'adopte la technique du mec en chien. Ok. Ah d'accord. Oui, ok, d'accord. En gros, c'est se faire passer pour quelqu'un qui n'arrive pas à draguer, qui ne sait pas draguer. Ouais. Pour faire genre, je suis timide, etc. Et que BAM! Tu vois? Ouais. Hey. Et après, ok, j'ai capté la strat. En fait, j'ai m'adapté, tu vois, selon les situations. Femme qui aime les bandits. Ça va ou quoi? Femme qui aime les mecs cons. Ça va. Femme qui aime les mecs drôles.
c'est moi, tu vois. Faut savoir s'adapter. S'adapter, ouais. Ok, j'ai capté. J'ai capté. Mais t'as pas peur de. Genre, vu que depuis le début, genre, tu pars sur un mensonge avec elle, ben après, genre, la relation elle est bizarre. Eh. Hey, y'a pas de mensonge dans la vie, tu sais, la vie n'est pas. Tu sais, qu'est-ce qu'il a dit un grand homme? Non, qu'est-ce qu'il a dit un grand homme? Mentir, c'est pas bien. Mais arranger des situations par des petits mensonges, ça dérange pas. Quel grand homme a dit ça? Moi. Oh, Calypso. Allô? Par exemple. Voix grave, voix grave, voix grave. Vas-y, ça va? Non, elle, non, elle, c'est voix Goldman. Oui, ça. Alors, ça dit quoi? Bah écoutez, pas grand chose, je veux juste une confirmation. Je croyais que tu m'appelais pour prendre de mes nouvelles. Doucement. Ça va, t'as passé un bon Noël? Attends, Buffalo Bleu qui avait fait un edit fuite. Tu te rappelles ou pas, en radio? Tu vois pourquoi il faut qu'on écoute radio? Ouais. T'as dit quoi, ma pupus? En plus, si t'allais passer de bonnes fêtes de Noël. Ouais, grave, grave, et toi? Madame Centrale, on est en mais ouais, grave, super. Ah ouais? Merde. J'ai besoin juste d'une confirmation, après je te laisse tranquille. Ouais, dis-moi. Juanito Chizo, tu l'as envoyé à bébé pour toujours? Je sais même pas c'est qui Juanito Chizo. Je sais pas, on m'a dit de te demander une confirmation. Juanito Chizo. Apparemment, tu l'auras envoyé à la prison éternelle. Ouais, sur. Ouais, franchement, franchement, là tu me poses une colle là, je sais pas du tout de quoi tu parles. Putain, je suis désolé. Demande-lui pour que tu viennes pour qu'elle va boire un coup avec toi. Écoute, on pourra en parler autour d'un verre pour que tu me rappelles la mémoire. Ok, ça marche. Bah vas-y. Voilà, champion. Ok, bah quand tu veux, tu me dis. Ok. Vas-y. Quand toi tu veux, tu me dis. Voilà, tout de suite. Arrête, Calypso, arrête tes bêtises, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est toi qui. Là, on est en mode fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et là, vu que c'est moi qui te suis et toi qui me fuis, genre c'est toi, tu dois inverser la vapeur. Ok, dès quelle heure? À quelle heure tu finis ton service? Ouais, je sais pas. Quelle heure, ça te va? Quelle heure? Une heure? Putain, mais apprends à servir un téléphone. Dans une heure, dans une heure. Ok, dans une heure, vas-y, ça marche. Ça marche, vas-y, dans une heure. Allez, super, très bien. C'est bien. Tu vois, t'es bon. J'ai raccroché cache-pistache, t'as vu, pas d'au revoir, pas de truc. Tu vas être dans la merde. Pourquoi? Parce que c'est la femme du capitaine. Mais non, c'est pas. Enfin, ah oui, c'est la femme du capitaine, c'est vrai. Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est bonsoir. C'est le Luxury Auto qui vous contacte. Oui. J'ai une personne qui est venue me voir par rapport à une Greenwood que vous avez tractée et ramenée quelque part en attendant une carte grise. Oui. Oui. Alors, la carte grise, je vais leur faire. Le problème, c'est qu'il me faut la photo du véhicule, moi, pour la carte grise. Oh, mais vous me faites chier, vous me faites chier, là. Non, mais elle dans l'idée, de la je vais leur faire leur carte grise provisoire. Oui. Et ils me la ramèneront, d'accord. Mais du coup, eux, ils savent pas où est la voiture. Ils aimeraient bien savoir, hein. Bah ouais. Pratique pour eux. Bah ouais, bah d'abord la carte grise, ils nous la ramènent. D'abord la carte grise, et quand ils auront la carte grise, on leur ramènera la voiture. Ok, nickel. Bah dans ce cas, je leur dis qu'ils vous contactent une fois qu'ils ont la carte grise. Ça marche super, super. Voilà. Au revoir. Regarde, je passe au-dessus. Ah ou pas du tout, il est mort. Merde alors. Tu vois, t'es bon en fait. T'es bon, t'as vu? T'as vu la tactique du. Ah, je m'en souviens, boire un verre. Ouais. T'as vu? Ça, c'est une tactique très connue hein, aux États-Unis d'Amérique. C'est le mec avec la voix jeune. Ah, ah. Ça s'appelle le freaking Styles. Ah, mais je lui dis pas. Le freaking Styles. Ouais, c'est freaking Styles. Ah, vraiment que tu m'apprennes les techniques parce que moi je sais pas comment je fais. Hein. T'as trop de techniques en fait, t'es trop avancé. Bonsoir mademoiselle. Mademoiselle, s'il vous plaît, le téléphone au volant, on raccroche. Ah non. Tout de suite. Pense, champion, pense. Tu crois que c'est Nora? Elle a dit oh non. Si c'est elle, je lui demande pardon, je lui dis j'arrête. Voilà. Mademoiselle, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, madame. Contrôle, police. Simple contrôle, s'il vous plaît. Madame, police. Madame, s'il vous plaît, SASP. On vous a vu au téléphone, madame. N'aggravez pas votre situation, s'il vous plaît. On va pas. Madame, simple contrôle. Madame, là, petit, petit contrôle, madame, police. Madame, n'obligez pas à appeler des renforts, s'il vous plaît. Madame, police. Bonsoir à tous. Clé radio, clé radio. Bonne soirée. Madame. Je demande un renfort. Non, pas besoin. Madame. Madame, arrêtez-vous, madame. Madame 113, on est actuellement 10:56. Oh. Pas besoin de 10:35. Ouais, elle va s'arrêter celle-là. Ouais, c'est reçu. Elle est tombée 08, j'ai une sur les derniers 10:60. Bon, arrête-toi. Eh, madame, j'ai un petit contrôle, tranquille. Eh. S'il te plaît, arrête-toi. Madame, arrêtez-vous. Je veux plus vous voir. C'est qui? Pourquoi tu veux pas nous voir? T'es qui? Pour
C'est pas. Bah, je sais pas. C'est Nora. Nora, Nora ah, attends, faut que je te parle. Oh, bien. Faut que je te parle, Nora, faut que je te parle. Nora. Non, Nora. Bah, attends, Nora. Non, vraiment. Non, vraiment, pour non, de Nora, vrai. Vraiment, vraiment, non, vraiment, pour de vrai, pour de vrai. Vraiment, Nora. J'ai pas envie de te parler. Regarde, donc, regarde. Vas... On reste loin, on reste loin. Garde-toi loin, garde-toi loin, garde-toi loin. Regarde. On se parle de là. Regarde, Nora. Écoute, Nora, vraiment. Quoi? C'est 13 qui te parle. Écoute, Riz, vraiment. J'ai un truc à te dire. On a parlé avec la. J'ai rangé, c'est rangé, c'est rangé, c'est rangé. On a parlé avec les collègues, etc. Et moi, je lui ai parlé. Je lui ai dit que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Nora, je me. Maintenant. Mais non, mais on savait pas. Maintenant, c'est que c'est toi. Écoute, Riz, il voulait juste simplement te voir. Laisse-moi parler. Oh, c'est moi, je parle. Mais attends, mais ta gueule. Laisse-moi d'abord. Vas-y. Après, toi, tu entends. Vas-y. En gros, il voulait s'excuser et te faire comprendre bah, qu'il regrette aujourd'hui tout ça et que c'est que de l'histoire ancienne et qu'il veut enterrer cette hache. En allant voir ma sœur. Et ça, encore une fois, il s'en est rendu compte que c'est. Oui, après je me suis dit putain. Parce que c'est ces mauvais démons qui reviennent. Et tout simplement, voilà aujourd'hui, il aimerait s'excuser et te retirer ce putain de bras stecta. Je l'ai déjà retiré. Ok, mais Nora, s'il te plaît, laisse-moi te parler. Je peux. Parle de loin. Mais un peu plus proche, je peux me rapprocher doucement. Non. Ok. Écoute Nora. Ok, c'est vrai, j'ai merdé Nora. Tu sais Nora, t'avais raison. Tu te rappelles quand tu me disais que j'ai perdu tout mon entourage et que du coup ben j'étais devenu fou. Tu t'en rappelles ou pas? Et non, pour deux, tout se passe bien. T'avais raison Nora. Il y a quelques années, j'ai perdu mon ami. Il s'appelait Karim. Il est mort à cause de mon capitaine. Et depuis, je suis devenu fou. J'ai fait quelques meurtres Nora, mais j'ai payé pour ça. Et je suis allé en hôpital psychiatrique, Nora. Nora, j'étais en hôpital psychiatrique. Tu m'entends, Nora? Nora, je me suis sorti un peu trop tôt, je crois. Je me suis soigné, Nora. Je me suis soigné. Là, tu t'es soigné? Oui, mais justement, là. Au moment où tu te foutais à poil dans mon lit? Au moment où tu me. Il est en sevrage, il est en sevrage, il est en sevrage. Il va mieux. Je te jure, il va beaucoup mieux qu'avant. Écoute, franchement. Enterrons l'âge de guerre, Nora. Attends, écoute-moi, j'ai pas fini. Attends, d'abord, je vais finir, d'accord, Nora? Tu m'entends, Nora? Nora! C'est bon, je me suis rendu compte de mes erreurs, je suis désolé Nora. J'étais une sale merde avec toi Nora. Je pense. Laissez tranquille moi ma famille et Slim. Je pensais vouloir te protéger de Slim. Mais c'est de moi-même que j'aurais dû te protéger Nora. Je suis bien là, je suis bien là, je gère. Et maintenant, punchline, et coup, Zola dit j'accuse moi, je dis. T'as dit quoi? Maintenant, si je parle pas. Tu vas nous laisser tous tranquilles. Si tu parles pas quoi? Je reçois ta mère. Oui, dis. Oui, je te promets. Je te promets, Nora. Tu me laisses moi, ma famille, ma soeur, Slim tranquille. Oui, toi et toute ta famille, oui. Et Slim. Toi et toute ta famille, Nora, je te le promets. Et Slim. Vas-y. T'as ma parole, Nora. Dis oui. Oui, Nora. Ma famille et Slim. Oui, toi et toute ta famille, Nora, je te promets. Et Slim, dis-le. Oui Nora, t'as ma parole. Dis que tu t'approcheras plus de Slim. Mais non mais je peux pas te promettre ça, imagine il fait un délit de fuite ou quoi, voilà. Je peux pas le laisser, c'est un criminel. Tant que ça reste dans le cadre de tes fonctions et que t'arrêtes de péter un plomb, je m'en fous. Ok c'est bon, vendu. Et ne joue pas sur les mots hein. Non, je joue pas sur les mots, je suis sincère. Tu nous laisses tranquille. Oui je vous laisse tranquille. Mais... De toute façon écoute-moi bien. Quoi? Moi j'ai grandi dans un quartier, ok? Et dans ce quartier là, on est habitué à côtoyer la mort tous les jours. En l'espace de 6 mois, j'ai perdu 8 personnes. Y'a pas que toi qui perds des gens. Y'a des gens qui gardent la tête sur les épaules. Si demain, je t'en prends à quelqu'un que j'aime, y'a pas que moi qui pourra parler. Donc ouais, si je me mets à parler et que tu veux me canner, fais-le. Mais t'auras des répercussions derrière. Il y aura d'autres gens pour parler et il y aura d'autres preuves. Non mais Nora, je te tuerai pas même si tu parles, je te promets. Enfin, non, j'annule la promesse mais je te ferai pas de mal même si jamais tu parles. Nora, est-ce que ça te dérange d'appeler le capitaine? Macho, qui c'est qui a convoqué Ignacio Peña? C'est dans le Nord, c'est ma quartier dans le Nord. Si tu nous laisses tranquille, moi, ma famille et Slim, je précise, Slim. Oui. Si on n'entend plus parler de toi, si tu me laisses tranquille et que tu arrêtes de marceler comme ça, j'appellerai pas ton capitaine, mais je te jure que je ne poursuivrai rien. Je ne ferai rien. À toi de faire en sorte d'arranger les choses de ton côté, mais je ne ferai rien contre toi. D'accord. Nora, écoute, moi je peux te promettre quelque chose aussi.
C'est quoi? Tu me vois souvent avec lui, on est d'accord? Oui. C'est quoi, s'il recommence, s'il t'appelle le capitaine et tu dis que c'est pas une menace ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont penser ça forcément. Si tu laisses couler l'affaire, tu veux plus parler du jour au lendemain, ils vont penser que c'est une menace. Écoute, tu dis, t'appelles simplement le capitaine, tu lui dis que tu t'es expliqué, t'expliques vraiment la situation. Et s'il y a un souci, je te le jure sur ma plaque que c'est moi qui le balance. Genre, tu lui dis juste, ouais, bon, c'était un quiproquo, il pensait faire pour mon bien, mais au final, on s'était pas compris, et du coup, mais c'est bon, il a compris maintenant. Un petit truc comme ça. Riz. Oui, Nora. Je ferai pas ça. Pourquoi? Parce que je ne ferai pas ça. Et pourquoi? Parce que je ne te dois rien. Alors d'aujourd'hui, si quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un, c'est toi. Parce que t'as bafoué mon honneur. T'as été dans ma maison, tu t'es mis dans mon lit, t'as placardé ma maison de tes photos. T'as manqué de respect à toute ma famille, t'as fait du mal aux gens que j'aime. Encore hier, j'ai pris une balle. Elles sont encore là-bas, les photos? Non, bien sûr que non. D'accord. Je comprends. À toi de te débrouiller, d'être intelligent. T'es assez intelligent pour trouver des gens et leur mettre des bracelets aux pieds, non? Oui. Et bah, à toi d'être intelligent pour regagner la confiance de ton capitaine. Eh, on peut rester amis? Non. Je t'avais proposé il y a longtemps, pas de dire oui. On peut rester potes? Non, c'est plus possible. Connaissance. 413 pour radio, j'ai reçu un appel du... On a des connaissances? Ouais. Wouhou! Ok, merci Nora. T'es bien pris, 413. Et maintenant je vais repartir et 4. Tu vas tenir ta promesse. D'accord, au revoir Nora. Au revoir. Nora, au revoir. Au revoir. Nora. Arrête. Nora, au revoir. Au revoir Nora. Au revoir. Ça y est, elle est partie. 13. Eh bah putain, toi t'es dans la merde. Pour... Ah là là, t'es mort hein. Putain. Ah là là là, c'est un problème ça. Ah ouais, tu crois? Eh, hey, t'es dans la sauce mon pote. Elle va me manquer. Tango 08-44 sur les différents au niveau des clips du boulevard. Elle va pas te manquer toi? J'en ai rien à branler de sa gueule moi. C'est bah oui mais... Mais genre, ah oui, c'était bien quand on l'embêtait quand même. C'était des bons moments. Les gars, on parle en RP, oubliez pas, hein. n'oubliez jamais. Hein. L'affaire. Attends une semaine. Ouais. C'est rien. Les gars, n'oubliez jamais, ne faites pas ça IRL. Il y a plein de trucs. Oh, hey, ma frère, je sais pas, elle répond pas. Laisse couler. Bonjour, Nora, dans une semaine. Ça y est. Oui, voilà, je pense, on attend un petit peu. Attends, il m'a appelé celui-là. Va voir Stickmou surtout. Va voir Stickmou, ce bâtard. Non, je lui ai dit elle, toute sa famille, sinon. Oui, allo 113. Oui, allo, oui, que puis-je faire pour vous, monsieur. Je vous appelle parce que j'ai la carte grise de la Greenwood. Ah, d'accord, ben. Dis qu'il vient au poste de la Messa. Venez au poste de la Messa, vous voyez c'est où? Je vois c'est où, nickel, j'arrive tout de suite. Super. Merci, 13. Normal, mec. 4. Tu prends tes viewers pour des gens bizarres? Ouais, je préfère le dire parce que vu que tu vois moi je le fais en RP avec une joueuse en RP qui est consentante en RP et enfin IRP aussi tu vois. Genre il faut pas que vous pensiez que c'est drôle, c'est pas drôle de faire ça IRL. Que je supporte pas, c'est la trahison. Ok. Oui. Bah ouais, l'honneur, mais... l'honneur c'est important. Oui. Et tu vois moi il y a un truc que je supporte pas. Alors peut-être que t'es pas le flic le plus carré du monde. Ouais c'est vrai, peut-être. Ouais. Mais balancer c'est... C'est pas une question de loi de la rue hein, c'est une question de fierté d'homme. Non mais en plus on se balance entre collègues. C'est ça en fait le truc, c'est... Certes tu fais des choses hors procédure des fois. Oui c'est vrai. Non en plus je fais mes procédures maintenant, t'as remarqué? Attends. Et mon petit lutin. Ouais et tes rapports au qui tu les fais? Ouais. Ah bon? Ouais. Je les ai pas vus. Ah ouais tu les as pas vus? C'est normal, c'est dans un channel fermé qui est que pour les hauts gradés. Ah, il est fait? Bah ouais. Oh, lourd. J'ai vu qu'il marque bien, qu'il met bien. J'arrive. Merde. Putain, mais elle est quoi cette voiture? Bah, franchement, on dirait une Porsche. C'est une autre, frère. C'est la e-tron. Ouais, mais on dirait une Porsche. Non, c'est la e-tron. Oui, mais on dirait une Porsche. Mais c'est la e-tron. Oui mais on dirait une Porsche. Mais pas du tout. Mais si. Allez grimpe. Mais pourquoi t'as enlevé les cordes gros con? Mais c'est pas moi connard. Bah elles sont parties tout seules genre tu vas me dire. Bah ouais. Oh putain. Ok c'est bon.
Mais par contre, c'est vrai, non, vraiment, j'y arrive pas à croire quand même qu'ils arrivent à, ils arrivent à balance quand même. Je comprends pas l'intérêt. C'est des jaloux, ils veulent me faire couler. Ouais. Ouais, les mecs, vous présentez la carte ? Attends, vas-y, enlève bonsoir les cartes. Déjà, messieurs, oh, déjà, bonsoir. Déjà, bonsoir, premièrement. Bonsoir. Deuxièmement, on roule pas sur le côté là, de le côté du 4x4 ? Y'a le conducteur. Je suis là, monsieur. Le conducteur de tout à l'heure, Oui, mais il est pas là, le conducteur de tout à l'heure. C'est moi qui ai la carte grise. Et pourquoi il est pas là, le conducteur de tout à l'heure ? Carte d'identité, permis de conduire, carte grise. S'il te plaît. Je sors ça de mon portefeuille. Ah bah il est là. Non, c'est pas lui ? Si, c'est lui. C'est lui, mais c'est pas lui qui a la carte grise. Donc déjà... Monsieur la moto, c'est pas un parking, s'il vous plaît. Pardon. Carte d'identité. Merci. Merci, monsieur Anderson. Permis de conduire. Ah, vous êtes chauve. Vous êtes chauve. Et la carte grise. Du coup, il n'y a pas la voiture, vu qu'on n'avait pas la voiture, du coup. Et vous habitez où, vous ? Nous, on habite à Inglewood. Grip Street. Davis Avenue. Grip Street. C'est quoi, Davis Avenue ? C'est quoi ? C'est une sorte, vraiment, c'est à la limite de Inglewood. Ouais, non, mais je vois. C'est quoi l'église, non ? C'est quoi faire ? Ouais, c'est quoi faire ? Ouais, c'est le coiffeur exact. Mais quoi, vous êtes quoi ? Vous êtes un gang, vous ? Non, on est des petits encore dans la rue. Ok. Bon, bah on va faire ouais, bah restez des petits. Avant de vous rendre la voiture, on va tout vérifier là, la boîte à gants et tout. On va fouiller. On va fouiller la voiture. Bah ouais, on va. C'est la procédure, hein, petit. Bah oui, c'est dur, bah oui. En vrai de vrai, il n'y avait pas d'histoire d'illégalité, c'était vraiment avec la carte grise le souci. Là, elle est là, la carte grise, vous voyez qu'elle est en ouais, c'est vrai que la voiture. Attends, Ouki, attends, Ouki. Il est légal, il est pressé. Attends. Ah, mais c'est vrai que normalement, la procédure veut qu'on fouille tout avant de la rendre. Pourquoi ? Bon, la boîte à gants. Non mais regardez, il y a un problème avec la carte de grise, l'appartenance. Monsieur, vous êtes le conducteur ? La carte de grise, elle a votre nom ? Et donc ? Et donc, je parle avec le conducteur et celui qui a la carte de grise. Il n'y a pas besoin. J'ai pas le droit à parole. Il y a aucune infraction. Non, c'est pas vous avez pas le droit, monsieur, c'est qu'on est dans un contrôle. En fait, 13, moi je vais te dire, j'aurais eu hâte de partir sans faire la procédure si on avait... Oh, tu m'entends ou pas 13 ? La carte de grise, mais c'est lui qui conduisait après. Tu vois, moi, je me serais dépêché de partir si on avait eu un petit peu d'argent pour acheter un petit déjeuner, tu vois. Mais là, le truc, c'est qu'on a rien d'autre à faire. Moi j'ai vous voulez un billet, vous m'avez un billet. Attends, moi, t'as envie de manger quoi toi ? Bah je sais pas, mais je voulais me faire un petit resto, un bon petit resto quoi. Petit chinois ? Non, un bon petit resto là, bien gastronomique là. Tu vois où c'est ouais, genre, c'est au moins 2000$ par personne je pense pour... Ah ouais, ça coûte cher, ça le problème. Personne, non ! 2000, je t'ai mis ça dans la chapeau, t'en fais ce que tu veux avec. Il t'a mis combien ? Ah moi je suis pas ripou moi monsieur. T'as mis combien Attends, t'es me corrompre ou je rêve? Et t'as mis combien? Ah non vraiment pas hein. C'est un cadeau. Non mais c'est ouais, ouais, avec un plaisir je l'ai fait. 1000$ pour 1000$ 1000$ 1000$ bon je fais la procédure à 1000$. Bon allez, écartez-vous du véhicule là. Mais on a encore de l'argent après. Bon ouais les gars on a encore de l'argent non les gars. En vrai les gars. Qui a les gars, comment ça vider vos poches là? Vas-y bah moi je fais un virement bancaire au pire si jamais. Ah moi je te donne les 1000$. Vas-y. Ah, effectivement. Ah, c'est-à-dire, c'est quoi mon numéro de téléphone? 1500, on en parle plus. C'est ça? Mais c'est l'agent 1005. C'est ça. 1005, on en parle plus. Allez, un petit 1005, je pense qu'on aura assez de quoi, on aura de quoi manger, ouais. Vas-y, les gars, envoyez-lui un verrement au pire directement. J'ai pas de compte en banque, je prends tout en liquide là, aucune trace. Non, mais je 500$ en plus pour faire un. Ouais, 500$. C'est bon, les gars, je l'ai envoyé là au COPS là. Ah. T'as reçu? On y va, Riz. Allez, on y va. Bon, allez, ciao, monsieur. Merci, monsieur. Ciao, monsieur. Ciao. Qu'est-ce que tu viens de faire faire? Non, hé! Et je voulais voir si t'es un ripou. Je vais faire un rapport. Attends, je vais dire à mon lutin qu'il le met dans le rapport. Qu'est-ce que tu viens de me faire faire là? Donc t'es un ripou. Donc t'es un ripou en fait. C'est ça? Tu viens de me faire faire. T'es un ripou 13. T'es un ripou. Qu'est-ce que tu viens de me faire faire? Je viens de me rendre compte. Et en plus, il y a une trace bancaire puisque t'as fait un virement. Quelle heure il est? Il est minuit. Le 22-12-2023. Tu me balances 13, t'es mort. Voilà, c'est ma petite sécurité à l'avenir. T'es sérieux là ce que tu... Ouais, c'est ma petite sécurité à l'avenir, ça peut être dans un mois, je peux l'utiliser. Tu viens d'essayer de me baiser. Tu viens de me baiser. Non, c'est comme ça entre nous. Je protège mes arrières. D'accord. Regarde, écoute ce que je vais te dire. Quoi? T'as vu là ta menace? Mets-la tout de suite à exécution alors, vas-y, balance-moi tout de suite. Ah oui, pourquoi? Vas-y, bah balance-moi, mais tu vas voir, moi je te balancerai pas. Mais balance-moi, t'es une salope. T'as pas de parole. Il y a deux secondes, on faisait des discours sur je sais pas quoi. T'as vu, mais on ne fait plus jamais faire ce que tu viens de me faire faire là. Non, mais je voulais être sûr que voilà, t'étais pas un ripou, mais je me suis trompé, c'est tout. Tu m'as forcé, je peux pas te discrédibiliser devant tout le monde comme ça. Décrédibiliser. Oui, bah je peux pas te discriminer comme ça. Décrédibiliser.
Donc maintenant tu vas le voir et je... Attends, c'est quoi son numéro? Je lui renvoie tout de suite. Non, je rigole, c'est bon, je sais pas de poucave, arrête de... Non, non, je lui renvoie, c'est sous. Arrête de stresser. C'est non, la Buffalo Blue tout à l'heure, ça ou pas? Je sais pas si c'est elle. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Ouais, bonjour. Descends du véhicule, s'il vous plaît. Je vous renvoie votre virement. Non, non, tu lui renvoies pas son virement, tu lui renvoies pas son virement, oh! Je sais, j'ai déconné, monsieur l'agent. Hop, 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 on va contre le mur et on attend. On attend que qu'on démarre la procédure, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes seul dans le véhicule? Pas de problème. Non, y'a personne, juste seul. Non, c'est pas elle. Y'a la drogue dans les pneus? Avec ces gens-là, c'est jamais. Elle était plus bleue, non? Attends, c'est comme unité pour Sorrent, s'il vous plaît. Attends, je vois. Au poste pour l'appel des civils et unité sur l'étude 60 aéroports. C'est pour l'aéroport à la dame 27. Ah, y'a rien. 24 pour 16, t'es où? Ah. Bon, monsieur, permis de conduire, carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Pour 24, on a interpellé un individu, on doit le recenser et on arrive. Hop, permis et carte grise. Vous savez pourquoi on vous arrête? Ouais, je sais, j'ai roulé comme un trou de balle. Je suis vraiment désolé, j'ai confondu la circulation. Le panneau, là, il était cassé, là. J'ai pas suivi. Vraiment désolé. Ouais, mais vraiment, normalement j'aurais... je roule toujours tranquillement les gars. Ah, mais très, le truc c'est que j'aurais eu cœur à partir plus vite si on avait un petit peu de quoi s'acheter à manger quoi. Mais bon, avec notre salaire... Non, ça va aller, ça va aller. On touche pas grand chose, hein, 13. Non, non, on gagne très bien notre vie, je t'assure. Non, non. Ah non, tu vois, là on aurait pu partir au bar de chaud, s'acheter un petit peu, mais on a pas d'argent. C'est pas grave, il y a la cantine au poste. Monsieur, vous savez bon, la cantine elle pue sa mère. Juste vous prendre une petite contravention de 150$. Contravention? Ouais. Ouais, ou alors il peut nous donner 100$ et on s'en va. Non, 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 monsieur va rien donner, va payer la contravention en carte bleue, et c'est tout. Tenez, arrête. Ah bah voilà, bah merci. Bah voilà, y'a super. Pas de problème les gars, tranquille. Tiens. Ah mais monsieur, bah quoi qu'il arrive, vous payez la contravention. Tiens, c'est ton argent, entrée, c'est ton argent. Tiens. Ah, votre argent monsieur, je crois que vous avez fait tomber un billet. Ah ça, vous tenez. Ok les gars. Ah, tu m'as donné à moi là. Tiens, je te rends ton argent. Tiens mon collègue. Bon les gars, honnêtement, j'ai créé un stop les gars, vraiment. Hein. Merci, merci, merci. Voilà. Venez à côté de moi monsieur, petite facture. Ok, pas de problème. Et Tres, tu veux te donner un tips? Parce que t'as pas besoin de te mettre à côté de quelqu'un pour lui faire une facture, c'est comme quand tu veux donner quelque chose. Ou que tu veux le fouiller. Ou que, bah je sais pas. Moi je peux pas. Si, si tu peux. J'arrive pas. Si. Attends. Tu lui fais une facture. Ah, oui. Tu vois, et au moins... Voilà, je vous invite à payer la facture, monsieur. Voilà, c'est carré. Merci bien, monsieur, bonne soirée. Il n'y a pas de problème, passez une bonne soirée, les gars. Allez, au revoir. 50, je vous ai fait un... Très bien, 03, très bien. 05, 97... C'est bon, je vais renvoyer son virement, je parle avec lui, moi. Très bien. Non, 10-3. C'est pas un ripou pour l'instant. Ok, bah je vais arriver alors. Je serai jamais un ripou. Moi non plus, je serai jamais un ripou. Moi, je serai capitaine. T'es Ango 08? Tu sais, moi je vais. Pourquoi t'as rigolé? Non, mais parce que à l'époque, 42 il disait ça et tout le monde rigolait. T'es Ango 08? Et moi je crois en toi. Ah, mais tu vas voir. Ah, comment ça rigoler avec Rookie 13? Ah, Rookie perquise 1 200 000. Revenez au poste. Genre, vas-y, prends une voix charismatique et. Et gronde-moi. Juste voir un peu ce que ça. Bon, écoute, Riz, en ce moment tu décodes de ouf. D'accord, donc ce qui va se passer, ça va être simple. Ouais. Je te le dis une seule fois. Je pas de fois. Ce soir, je vais me faire la circulation tout de suite. Non, là, non. D'accord. Ah, ça me fait rire là, tu vois. Non, ça marche pas. Non. Ouais. On va déjà se split avec 24, étant donné qu'il est en Lincoln à la mairie. Mais je suis pas charismatique. Ou, non, t'es pas très charismatique, c'est dommage. Je suis plus un mec cool. Genre, je suis un peu un 22, tu vois. Oui, t'es un mec cool, ouais. Ouais, mais. Non, mais c'est pour ça que 22, il est hard stuck lieutenant, tu vois. Je te jure que, en vrai. Là, pour moi, la je le verrais bien en capitaine 22. Ouais. 22, non, DOA, non, non. T'es fou. C'est bon, ça, non, c'est 22, genre, il est vraiment bien si en lieutenant. Viens, gentil, viens, on parle de Glenn. Viens, on parle de Glenn. Bah, Glenn, c'est pareil, Glenn, il devrait pas être capitaine. Hein. Capitaine, vous êtes en patrouille avec qui? Pour moi, tu sais, l'autorité. Je suis avec 42. C'est pas forcément crier, être charismatique ou quoi. Hein. Oui, bien sûr. Tu sais, le charisme, ça s'apprend. Bah, regarde, 07, il crie pas. Hein. Malade. Quand le capitaine il veut commencer juste à lever la voix là, juste il change le ton de la voix là, tu sais ah que oui ça va barder. Mais il crie pas. Mais juste avec un changement de ton. Moi le capitaine il me fait peur des fois.
La tête de ma mère. Premier degré, j'ai l'impression que c'est mon dernier cri dessus. Moi j'ai peur un peu. Ah mais ouais, ah oui. Le jour qu'il a crié, j'ai eu peur. Mais c'est pour ça, tu vois, je t'ai demandé d'être charismatique et t'as crié. Ouais, mais parce que je suis pas charismatique. Genre là, je t'ai demandé d'être charismatique, tu m'as fait le biker. Pourquoi biker? Je sais pas, t'as le droit de me dire mocave. Mocave, gars cool, gars cool. Je crois que je suis un alcoolique, je suis raciste, je suis oh. Non mais bon, tu vois. Non, j'ai un plan de super cool, j'ai un bon flic. Il est de toi en une. En mode, on sait pas que c'est lui qui vend la drogue depuis tout à l'heure. C'est quoi, viens le contrôle, il m'énerve. Non, on contrôle pas, En fragment de délire. En fragment de délire, ok. Vas-y. Regarde, tu sais, tu vas où? Tu vas dans le parking. Mais la vie de ma mère, j'ai ce que j'allais faire, mon frère. Tu vois? Mon frère, tu m'as appelé comment là, mon frère, hein? Oui, parce qu'on était connectés comme des frères. Ah, j'ai envie de te cracher au visage. Avec quoi? La salive? Après ce que tu viens de... Oui, après ce que tu viens de me faire. La face de pute que tu viens de me faire. Mais non, je voulais te tester pour voir si t'étais vraiment un ripou ou pas. Ah. Mais t'es pas un ripou, je suis content. Ah, moi je lui ai renvoyé son... Je lui ai renvoyé ses thunes, moi. Ah, c'est très bien. Je suis pas comme toi. Adam 08, composé de 08 et 16, également la. Mais toi, par contre, les 1000$, tu les as tout le temps. Il a. 74 composé de 74, 12 actuellement, 16 pour prostituer. Putain, mais en vrai, on a une vue de fou là pour eux. 77 et 93, 10-41. Non, mais c'est incroyable. Putain. Masterclass. Quand on va les prendre en fragments de délire. Il faut que tu fasses des photos, d'accord? Si la bêtise, je sais, t'inquiète. Super. Je sais, je connais, merci. Adam 29 et Adam 113, s'il vous plaît. Oui, à l'écoute. Adam 113. 4. Est-ce que vous pouvez annoncer votre composition et votre 10-20, s'il vous plaît? Adam 113, du coup, composé de 113 et 13. Actuellement, zone aéroport, on est sur les 10-60. Adam 29, composé de 21 et 29. Actuellement, au cimetière, j'attends 21 qui... Qui se branle. Il fait une petite sieste. Je peux vous demander pourquoi? Il y a un truc urgent? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste pour faire un check-up de toutes les unités, tout simplement. Mais merci en tout cas à tous. Ok, 10-4, ça marche. Regarde la meuf en bas là. Mais c'est trop de faire des raccourcis comme ça en fait. Ouais, genre, tu vois une meuf qui court, tu te dis ouais quoi, elle va vendre de la drogue. Non, t'es vraiment un bon flic, c'est très bien, très, c'est très bien. D'accord, c'est... Écoute, non, c'est très bien. Vas-y, attends, ferme-la. T'es un bon keuf. Une meuf qui court à l'aéroport. Est-ce qu'elle va rester en avion? Ah, sans bagage, sans rien, sans sac à dos. Bah, peut-être qu'elle fait un vol national et que du coup, genre là, peut-être qu'elle va à San Francisco. San Francisco, elle revient ce soir. Mais il y a combien d'heures de route et de vol? Il y a 8 heures? Bah, non, non, même pas. Il y a quoi? Il y a 30 minutes, je pense, pour entre San Francisco et Los Santos. Hein, et puis, hein. Non, arrête de prendre genre pour des cours San Francisco et Los Santos, c'est pas à côté. Hein. Mais bien sûr que si, c'est à côté. Et là, elle fait quoi? Regarde la voiture! En bas de toi, tu vois? Bah, quoi? Elle vient de vendre, elle lui a passé de la schnouf, de la cam. Bien sûr. La beuh, la drogue. Tu l'as pas pris en photo? Tu l'as pas pris en photo? Oui, bah je vais prendre là. Là, elle va te voir. Perturbe en fait. Ouais, mais j'ai pas le choix. Et mademoiselle, s'il vous plaît. Allons. Oui, je la vois. Ok, je m'allonge. Vas-y. Tac, et je prends mon appareil. Je peux? Ah oui, tu peux. Bien sûr, tu peux. Ah mais putain. Ah, les bâtards, ils me voient. Non, ils m'ont pas vu ça. Je suis allongé là, hein. Ouais, t'es allongé. Hein, prends les gens pour des cons. Fume un joint. Je crois que c'est comme ça que tu vas arrêter les bêtises, hein. À cette ambiance. Ouais. Moi, j'aurais été ton père, je t'aurais mis des baffes, hein. Ouais, mais t'es pas son père. Je suis pas ton père. 08, t'as de la chance, même tout court, que j'ai pas de daron, parce que je te jure, même lui, je vais arriver des bofs. T'as pas de daron? Bah non. En gros, mon daron et ma daronne, ils m'ont abandonné, les bâtards. Oui, comme en tout fait, le monde. J'ai un daron et j'ai une daronne, mais ils m'ont donné à mon oncle. Oui, comme tout le monde ici, de toute façon. Non. Ils m'ont donné à mon oncle, et en gros, c'est ma soeur qui était avec eux. Ici, y'a jamais personne qui a des darons. Eh, vas-y, ferme ta gueule. Tu parles? Pas toi, je parle dans... parce que l'appareil photo, il m'a fait une notification, il m'a fait batterie bientôt offerte. Ah, ok, d'accord. D'accord. C'est pas contre toi, hein. Ça a bugué?
serait pas sergent Riz 113. Oui, je me suis même pas rendu compte. Qui est resté sergent. Si vous êtes en 10, pas de soucis, pas de soucis. Ça fait quoi de se dire quand même que Patrice est au même grade que toi? Bah franchement, ça me trouve le cul. Au début, j'étais content pour lui, mais là, maintenant qu'il a fait ça, là, ça me trouve le cul. T'as le seum, hein. Ouais. Des complices, peut-être. Ça va. Oh, ça fait passer comme ça le hashish. Oh. Oh, les bâtards. Ou alors, ils ont appelé un taxi parce qu'ils avaient pas de voiture. Après, techniquement, on l'a vu en flag. Il contrôle là, hein. Tu sais, même si on l'a vu, si on n'a pas, c'est pas grave, on l'a vu en flag, hein. Mais c'est trop bizarre. Parce que la dernière fois, ce qu'on m'a dit, hein. Attends. Chelou, frère. Re, les mecs. C'est trop chiant. En plus, moi, genre, mon jeu, il continue normal. Tu m'entends? De quoi, j'entends quoi? Non, 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 parce que, en fait, des fois, je m'évanouis un peu. Vas-y, go, 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 on intercepte contrôle, vas-y. Vas-y. Descends vite du parking. De toute façon, on l'a vu en flag, on l'a vu vendre. Hein. Ok. Je sais pas la photo en fait, ça le problème. Je vais appeler capitaine, je vais demander. Tango 50, merde, merde. Prends le dernier 10-37. Vite, vite, vite. Ah oui, mais je suis allé du mauvais côté. Droite ou gauche? Gauche. Exit gauche. Exit. Gauche. Commandant, excusez-moi de danger. Gauche encore. Dites-moi, commandant, j'ai une question. Je me pose une question, c'est peut-être très bête. Vite. Alors, on a intercepté des individus au niveau de l'aéroport qui vendent de la schnouf avec Riz. La drogue. Est-ce que ces individus-là, on les a vus faire? Mais on n'a pas pris la photo, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Entre autres, entre autres. Ok, c'est un plus une option. Excusez-nous! Oui. Ah, si, c'est pour vous, c'est pour vous! Non, arrêtez-vous, c'est la police. Ouais, désolé, commandant, on m'a appelé. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît, messieurs, dames. Oui, vous êtes des agents assermentés. Alors maintenant, ce qu'il faut, par contre, c'est sur bien prendre la s'il déposition vous plaît. De la personne qui vend. Ok, faut faire une déposition. Bah oui. Ok, mais non, tu vas vers la personne qui vend. Il l'a bien vendu à quelqu'un, non? Sortez du véhicule, s'il vous plaît, messieurs, dames. Attendez, oui. Je prends la déposition du coup. Ok, capitaine, ok, je contrôle. Ok. Bonsoir, mettez-vous contre là, bien sur le côté, là, s'il vous plaît. Je les contrôle, je vais prendre la déposition de la personne à qui ils ont vendu. Ça marche. De quoi? Ah mais on se met contre le buisson s'il vous plaît, monsieur dame. Ouais, pas de soucis, les chemises. Viens là, mon cœur, viens là. Merci. Merci. Déjà, vous deux là, qui est le chauffeur du taxi? Ouais, c'est moi. Vous avez votre carte de taxi? Ouais, bien sûr, ouais. S'il vous plaît. J'aimerais bien l'avoir. Vous pouvez vous mettre face à moi? Oula. Une carte de taxi, ça? Bah, je sais pas, la vérité, j'ai pas de carte. Et pourquoi vous montrer ça? Bah, je sais pas, mais c'est une carte quand même, j'ai dit peut-être ça va passer, ouais. Non, non, c'est pas là, non, je veux votre carte de... Vous avez le permis de conduire? Ah bah, ça, c'est ça, je l'ai, ma couille, dans ma poche. S'il vous plaît. Magneto Wilstein, et vous êtes quoi, vous? Monsieur? Comment ça, moi, je suis quoi? Oui, vous êtes client? Cliente? Oui, oui. Cliente ou client? Cliente. Vous êtes cliente? Oui. Ok, d'accord, mais ok, parce que vous étiez à l'avant, du coup, ça m'a mis le doute. Donc, du coup, vous êtes tous les trois ensemble? Non, négatif. Enfin, pardon, non, monsieur. Non? En fait, elle sait plus ma pote que la cliente. Ouais, c'est ça, moi, j'étais de passage, il devait m'amener, il a eu une course, on est allé les chercher, j'ai pas eu le temps de demander si ça dérangeait que vous nous avez arrêté, monsieur, l'agent. Oui. Se transforme en 10-56. Ok, d'accord. Bon, madame, on vous a vu avoir. Ce qu'on pensait être un échange avec une des personnes qui avait en bas. Mon cœur, t'as fait quoi? Mon cœur, mais alors mon cœur? Mon cœur. Demander un numéro pour le taxi. Comment? Demander un numéro pour un taxi. D'accord, bon, mais mon collègue vient, il est parti. On vient de arriver. Mon collègue il est parti vérifier, d'accord. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, justement rien. Vous venez d'arriver d'où là? Oh, on était un peu en vacances chez la famille. Embrasse-moi mon cœur, embrasse-moi. Oh, bordel, c'est des drogués, t'as vu ça le dernier? Merde alors. Tu m'as trop manqué. C'est pas le robot, s'il vous plaît, là, vous me dégoûtez. Je suis désolé, je viens de retrouver ma femme, monsieur. On vient de se retrouver. Oui, ben, attendez un petit peu, attendez un petit peu. Mais non, désolé, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps, je suis un peu plus. On était mais... Le taxi est arrivé tellement vite qu'on a pas eu le temps. Ça me dégoûte, là, j'ai pas envie de vous embrasser, moi. Mais quoi, c'est... Désolé, mais vous savez, des fois, des atomes. Ah oui, mais bon, moi, j'ai pas envie de vous voir, vous lécher le visage, là, comme ça. Mon cœur revient. Dites-moi, vous avez jamais fait ça? Si, si. Ah.
Vas-y, saute là, ma couille. Alors on n'a pas pu prendre des positions, le capitaine m'a dit c'est pas grave du coup. Mais on... t'as fouillé ou pas? Non, pas encore. Ok, bah on procède à une fouille, le capitaine il a dit, et s'ils ont quelque chose, bah... Oui. Ok, vous avez un frais déclaré sur vous là, messieurs dames? Non, j'ai juste un couteau. Moi aussi, pourquoi? Bon, je m'occupe de la dame. Si non, pas vous, monsieur, juste la dame. Doucement, vous okay. m'avez un adieu, si vous voulez. Oui, c'est une petite palpation, madame, je oui, vais... Oui, oui. Ok, vous avez une grosse caisse de billets là sur vous, là, c'est pourquoi? Vous avez bu, monsieur? C'est la monnaie que je ramène. Ah non, j'ai pas bu, ouais. On va faire un étui au test. Oh non, la monnaie de quoi? Tu me fais souffler dans ton truc, j'ai plus de souffle. Quelle, la monnaie de quoi, pardon? La famille. Allez-y, monsieur, soufflez. Ils passé pour non. venir. Soufflez. Non, je ne soufflais pas, j'en ai si, marre. Soufflez. J'ai pas eu le temps, par temps de remettre soufflez, sur mon monsieur, compte. Ça marche. Mettez-vous de dos, s'il vous plaît. Ah, moi aussi, monsieur. Ah oui, vous aussi. Vous êtes son copain. Oui, mais je viens d'arriver, moi, à l'aéroport. Je venais la chercher. Mais je viens d'arriver aussi. Qu'est-ce que tu me fais? Oui, mon cœur, oui. Oui, capitaine. T'es un peu paumé là, c'est... T'es occupé Riz ou quoi? Ouais, je suis en train de, je suis en train d'arrêter l'individu là qui a de la drogue sur lui. Pourquoi? Tournez-vous. Ok, après j'aimerais bien que t'aies un officier au poste là, s'il te plaît, vite fait. J'ai un officier au poste? Pourquoi? Il a quoi? En gros, certains cas là qui a mis une photo de lui, enfin, une photo de quelqu'un avec un pompe, si ouais. tu veux, sur Twitter. Ouais. Donc ils ont arrêté cas là parce que c'était à lui le compte. Ouais. Il faudrait lui mettre une pression, savoir où il est le pompe. Hé, capitaine, vous savez ce qu'on ouais. dit? On a rien vu. Ouais. On soigne le mal par le mal, on soigne le feu par le feu. Et hey, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire que vous voulez que je m'occupe de l'affaire du fusil à pompe. Si tu me retrouves ce pompe, je te donne le tien. Mais j'ai besoin d'un fusil à pompe pour récupérer un fusil à pompe, capitaine. Le feu par le feu. Le mal par le mal, capitaine. Vous avez quelque chose, monsieur Sandro? Mets-lui une pression et j'aviserai. Ça marche mon capitaine, je m'en occupe. Au revoir, monsieur. Riz, on n'a pas pris en flag lui, hein, c'est que la dame. Ah ouais, mais j'en ai rien à foutre, non? Il a quelque chose lui? Bah ouais. Il a quoi? Ben il a des stupes. C'est vrai que j'ai de la drogue, oui. Ah oui? Ah, vous avez des stupes. Bah, et moi je pense que. Et moi je vais dire ce que je pense. Je voulais qu'on fasse une. Moi je vais dire ce que je pense, Rookie. Moi je pense que lui, c'est la nourrice de elle. Lui, il lui donne les stupes, elle va vendre. Lui, il donne les stupes, elle va vendre. Lui, il donne les stupes, elle va vendre. Et nous? On va lui poser des petites questions à votre petit copain, madame. Montez, monsieur. Mon cœur! Pourquoi t'as fait ça? Y'a pas de mon cœur, allez rentrer, monsieur. Y'a pas de mon cœur là. Il fallait pas ramener tout ça? Mais je voulais qu'on fasse la fête ce soir. Il y avait d'autres moyens pour faire la fête, putain. C'est lui qui a de la drogue. Madame 113, 21. C'est bon, vous pouvez cocher votre course, monsieur le taxi. Hey, il était bourré le taxi ouais. ou pas? Merci. Non, c'est un maquillage, mon carton, c'est des dégrisements, du coup, c'est pour ça. Je voulais faire un éthio test négatif. Ok. Bon, alors, monsieur, on vend des stupes? Monsieur, j'ai acheté. T'as acheté à qui? Acheté à qui? À Inglewood, ramène le monde. Je vais faire la procédure, lui. Je vais faire la procédure. Vas-y, c'est bon. Comme ça, le temps que tu vois le truc avec l'officier, moi je vais faire procédure. C'est grave vite fait. Votre nom et prénom, monsieur, s'il vous plaît. Keisuke Ryuzaki. Mais on s'est déjà vu, Keisuke, on s'est déjà vu où? Oui, on s'est vu hier, monsieur l'agent. Pourquoi t'avais fait quoi déjà? J'avais j'ai une arme sur moi. Ah Ça serait comment, monsieur Keisuke, s'il vous plaît? K-E-I-S-U-K-E. Merde. Et Ryuzaki, R-Y-U-Z-A-K-I. C'est bon, monsieur, merci beaucoup. Vous habitez à la Koina chez les Malo? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Vous êtes un Malo? Non, pas du tout, j'habite juste là-bas. Vous savez où il est, Kala? Vous savez, Kala, c'est un peu comme une légende. Hein. On le voit des fois et des fois on le voit pas. En ce moment, on le voit pas trop. Alors, très bien. Pardon. Allez, je vous laisse descendre, monsieur Keisuke, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Tac, je vous enlève les pinces et je vous laisse vous mettre contre le mur. Bien sûr. S'il vous plaît. Vas-y, dis quoi, j'ai. On va reprocéder à une fouille, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Tac. Tu écoutes rien, Tom, le copier vient de dire qu'il était au poste. Alors, quoi? Le couteau, du coup. Attends, je vais voir. Monsieur. Je te laisse gérer. Tac. Ça. Salut 113. Salut. C'est 24 moi, c'est sur le dernier 38. Ah c'est toi? Bonsoir. Oui. Il est où? En gros il est dans la salle d'interrogatoire tu vois. Ouais. Et en gros il est sur Twitter. Ouais. Tu regardes sur Twitter, il a une photo, il a mis une photo sur son compte à lui. Ouais. Avec un masque à moitié, enfin on le voit à moitié. Ouais je l'ai vu la photo. Où il a un fusil à pompe. Du coup,
Du coup, j'ai demandé au commandant si on peut faire un mandat d'arrêt sur lui. Il me dit oui. Après, ouais. le procureur juge. Ouais. Ça a été fait. Je l'ai arrêté. Ouais. Et là, l'avocate me dit oui, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Il avait, c'est pas lui sur la photo. Vas-y, je m'en occupe. Derrière, peut-être, êtes qui ? Vous êtes avocate, vous, madame ? Oui, monsieur l'agent. D'accord. Ouais, faut que tu notes. Bonjour. Ouais. T'as été arrêté là, fais-moi un petit récap là. Ben, je sortais de l'enterrement et ils sont venus, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit pour exactement les faits, c'était... Oh mais j'en peux plus, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre. Oh. Putain. Merde, putain. Tu m'as. Connexion serveur Bumble. Oui, excusez-moi, tu m'as dit quoi, pardon ? J'ai dit, tu t'es arrêté à où ? Je me suis arrêté au début. Ils t'ont arrêté après le cimetière. Voilà, et ils m'ont arrêté pour exhibition d'armes. Ils ont rajouté port d'armes lourdes, etc. Alors que j'avais rien sur moi. Et c'est tout en vrai. Ils m'ont arrêté juste pour la photo sur Twitter. Ah oui, c'est. Y a rien, c'est une photo que j'ai prise sur Internet. Y a rien. Ah ouais ? Ouais. C'est parce que tu m'as dit par message. Oui, je l'ai dit à mon avocate que je t'ai envoyé un message, c'était pour te taquiner. Je sais que t'as perdu ton pompe. Pour te casser un peu les couilles. Chez moi, je sais que t'es amoureux des pompes, je t'envoie le mien. Oui, je t'envoie le mien. Ah ouais, mais ça c'est des aveux ça. Mais aveux de quoi ? Mais aveux de... pour le pompe quoi. Ouais, j'ai un pompe, Riz, ouais. Non, alors je t'explique. Je suis parti sur Pinterest, j'ai trouvé la photo stylée, et je l'ai mis. C'est tout. Oui. Plus, regarde. Le mec. Ce pendejo. Il a quasiment la même chaîne que moi, sa mère. Donc je me suis dit, au moins dans la ville, je vais pouvoir leur faire peur, tu vois. Il a même tatouage aussi. Ah, oh, il a pas de tatouage, je sais pas. Bonsoir. Hein. Il a pas la cicatrice. Oui, bonsoir. Que j'ai, hein. C'est quoi la cicatrice ? Si, ça a commencé. On discute. Ah, d'accord, parce que je n'étais pas encore dans la salle, hein, c'est pour ça. Oui, bon, enfin, on discute quoi. Ok, parfait, nickel. Est-ce que vous pouvez simplement me récapituler les faits, s'il vous plaît ? Moi ou les agents ? Non, bah, je vais récapituler moi en gros. Ah, attention, voilà. Madame, attention. Oulala, bah alors, on a bu un peu pompette là. Non, c'est bon, j'ai rien bu. Bon, je vous écoute, 113. Ce monsieur, il a posté sur Twitter une photo de lui avec un fusil à pompe. Mm-hmm. Plus, il m'a envoyé un message et il m'a dit frère de pompe en m'envoyant la photo. Je lui ai dit tu joues à quoi ? Et il m'a dit chez. Et je lui ai dit t'es où là ? Il m'a dit chez moi. Tu sais que t'es amoureux des pompes, donc je t'envoie le mien. D'accord, très bien. Et ben, du coup, ben, vous pouvez commencer. Allez-y, je vous en prie. Bah oui, ben du coup, maintenant, j'aimerais bien savoir il est où ce pompe. Et parce que t'as ta photo Pinterest de merde, je peux. Mais tu sais quoi, je vais faire une recherche Google inversée. Tu connais la recherche inversée ou pas, Kala ? Vas-y, fais-la. On va faire une recherche inversée, on va voir si jamais je tombe sur une photo vu que tu l'as trouvé sur Pinterest. Ouais, sûrement, tu vas la trouver. Hein. Ben vas-y, je fais. Pas l'abonnement, c'est compliqué. Attends, hein. Je fais une recherche inversée sur Google Images, bouge pas. Elle y est, hein. Vas-y, je vérifie sur Google Images. Vas-y, je te laisse le temps. Kala 96O, c'est ça ? Ouais. El Rey de la Colina. C'est ça. Moi. Ok. Ah, mais c'est vous ? Ok, d'accord. Non, c'est mon compte, en gros. C'est mon compte à moi, Twitter. Et sur la photo, c'est vous ? J'en ai marre. C'est trop chiant, franchement. Et voilà, désolé, les frères. Hein. Désolé, je sais que c'est chiant, je sais pas pourquoi j'ai ça. D'accord. J'ai trouvé sur Twitter et je l'ai mis, hein, sur Pinterest et je l'ai mis. Hein. Désolé les amigos. Et le message du coup que vous avez envoyé à l'agent 113 hein. Ben, comme je vous ai dit, on sait qu'il a perdu son pompe, qu'il a retourné tout Inglewood. On sait qu'il est amoureux des pompes. Je me suis dit pourquoi pas lui envoyer une photo comme ça. Rien de méchant, vous savez, on m'a jamais arrêté avec une arme lourde, rien du tout. En fait, si on m'aurait convoqué, on m'aurait dit oui, c'est quoi cette histoire ? Monsieur, je la trouve nulle part sur Google cette image. Hein. Ah, elle y est, hein, moi je l'ai mis. Hein. Ah, ben je la trouve pas moi. Ah, bien que vous me montriez dommage, hein. Dans quel site vous l'avez trouvé. Ah, je suis Pinterest. Il
Mais c'est qu'une photo, hein. Bah c'est qu'une photo, c'est quand même une photo d'une personne armée, donc bah, exhibition c'est... d'armes, donc quelque chose d'assez grave, jeune homme. Madame la procureure, ça ? Oui. Ok, madame la procureure, sur un... Non, je vais chercher, parce que ça se trouve, il a vraiment mis... fusil à pompe, garde, et vous trouvez plein de fusils à pompe avec des gardes. Oui, mais vous comprenez bien qu'actuellement, avec tous les problèmes qu'il y a en ville, une photo comme ça postée sur les réseaux, on ne peut pas laisser passer. Hein. Mais pourquoi ? Il y en a plein qui font des menaces, qui font des trucs sur Twitter, c'est la première fois, écoutez, hein, j'ai demandé aux agents, c'est la première fois qu'ils font une arrestation comme ça. Savez... C'est pas la première fois, à partir du moment où on a des certitudes. Non, vous Non, j'ai demandé aussi à mon avocate qui est là et qui m'a dit que c'est la première fois qu'on t'a observé. Et alors, j'ai fini la procédure. Je suis dans l'interrogatoire. En tout cas pour elle, je t'attends dans la voiture. Non, ouais, du coup, ouais, non, vraiment, je confirme. Là, je cherchais sur deux sites différents et la photo est exclue. Ah, bah moi, je te dis que je l'ai pris d'internet. Hein. Bah oui, mais bon, sortez-moi le site sur lequel vous l'avez trouvé. J'ai dit Pinterest. Ah, mais envoyez-moi le lien. Pinterest, après, là, j'ai pas mon téléphone sur moi. Bah, Pinterest, j'en sais rien, moi, Pinterest. Bah, Pinterest, moi, je te dis qu'elle avait de Pinterest. Bah, moi, je te dis que je la trouve pas sur Pinterest ni sur l'entièreté d'internet. Ah, bah, je sais pas, peut-être elle a été supprimée, hein, vu que je l'ai payée. Je sais pas. Tu l'as payée? Bah oui, c'est payant Pinterest. Tu la payes, t'as les droits d'image. Ok, bon. Mis à part le fait que ce soit sur Pinterest, est-ce que vous expliquez pourquoi l'individu a les mêmes tatouages en haut du front que vous, du coup Où vous voyez les mêmes tatouages en haut du front, et sur le truc, il a pas la même cicatrice que moi, il a pas l'œil fermé. Moi, j'ai une cicatrice qui me fait fermer mon œil tout le temps. Regardez la photo, hein. Je vais regarder. Bien, bah, les agents vont vérifier ça, je pense. De toute façon, c'est ce qu'ils m'ont rétorqué. D'accord. Le haut du front, tout simplement, sur votre œil du coup droit, excusez-moi, juste au-dessus de l'arcade, c'est le même tatouage, il est similaire, on va dire. Absolument. Ensuite, pour ce qui est de la cicatrice, et en fait, il en a une, mais c'est juste qu'il a l'œil ouvert, quoi. Donc, ça voudrait dire quoi ? C'est une coïncidence ? Ouais, sûrement une coïncidence. Les coïncidences sont quand même assez grosses, si tu peux me permettre. S'il a la cicatrice. Là, vous m'accusez d'un fait qui... Il a la cicatrice, je suis pas fou, là. Nous vous accusons de rien, actuellement, nous en discutons, justement. Bonne nuit. Sorry, si nous il y a l'œil qui est ouvert, mais il y a la cicatrice, non ? Votre avocate, justement, c'est pour en parler. Est-ce que vous possédez ce fusil à pompe qui est donc une arme de guerre ? Je n'ai donc, pas de fusil à pompe. C'est un crime, donc regardez, ça va en procès. Ça sert à rien d'aller plus loin. Moi, je n'ai pas de fusil à pompe. Vous pouvez aller chez moi si vous voulez, vous pouvez retourner mon quartier. Vous ne voyez même pas la moitié du front. D'accord, très bien. Vous n'avez pas de fusil à pompe. Qui est l'individu sur la photo ? Pourquoi il a exactement les mêmes tatouages que vous ? Je ne sais pas. Il n'a pas les mêmes tatouages que moi. Il n'arrête pas de vous dire qu'il a trouvé la photo sur Internet. Vous ne pouvez pas aller directement dire qu'il a les mêmes tatouages que moi alors qu'on ne voit même pas un tiers de son visage. Vous n'en voyez même pas un tiers de son visage, mais il y a quand même des tatouages qui sont flagrants, jeune homme. Je suis en train de faire une reconnaissance là. En fait, les tatoueurs, ils font les mêmes tatouages. J'augmente la qualité de l'image et j'agrandis la photo. Vas-y. Attends, mais je peux pas. Est-ce que vous avez des questions à lui poser, monsieur les agents ? Je peux pas la sauvegarder et la mettre sur mon PC. Pourquoi elle pourrait répondre ? Toi, c'est les apposer, mais. Mais alors, pourquoi du coup, si c'est pas ton pont, on peut l'avoir mis sur. Pour filmer aux yeux des gangsters, attends. Tu vois, moi, ils pensent que je suis armé. Et le message envoyé, du coup, c'était mais exactement. Je vous ai dit, madame, tout à l'heure, pourquoi ? Pour quelle raison ? Oui, mais le message exact, excusez-moi. Message, c'était chez moi, je sais que t'es amoureux des pompes, donc du coup, je t'envoie le mien. Moi, je la vois la cicatrice. C'est que des messages. Y'a rien. Est-ce que vous avez trouvé en ma possession ou chez moi un fusil à pompe ? Vous pouvez pas, à ce moment-là, dire que c'est le mien. Ok, très j'ai bien. J'ai juste posé une photo sur Twitter. Vous rendez compte de la bourde que vous êtes en train de faire, là, par contre. Ça marche. Vous savez quoi ? Nous allons mettre en pause tout ça, d'accord ? Mm-hmm. Puisqu'actuellement, je vais appeler mademoiselle la juge White et on va voir ensemble ce qu'on va faire. Ok, d'accord ? Pas de problème. Je vous laisse mettre en pause. Vous faites de votre côté les recherches que vous avez à faire. Et j'arrive. En fait, Kala, je pense que t'as voulu jouer au malin, là. Mais ouais, c'est bête. Parce que... Eh les collègues, moi je vois une cicatrice, hein. Je sais pas si je suis fou, mais vraiment je la vois cette cicatrice. Si, hein. La cicatrice rouge, je la vois aussi. Ouais, je la vois, hein. J'ai zoomé. Moi ce que je vois, bizarrement, le site de la K47 c'est pareil. Moi, vous voulez que je vous dise un truc ? Ouais, je vous écoute. Vous voulez ce que je vois, moi ? Je vois un homme stylé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Un homme stylé, une photo que j'ai appréciée sur internet. Et vous savez, hein, de toute façon, moi j'ai pas de pompe. Donc faites autant de recherches que vous voulez, hein. Je m'en bats les couilles, vous allez rien trouver parce que j'ai pas de pompe. Simplement. J'ai crash ? Non, ok. Donc, allez-y, perdez votre temps. Je vous laisse perdre votre temps. Eh mais sur sa chaîne, il y a marqué Kala. Et comment il s'appelle votre gang, vous ? Moi ? Ouais. C'est les Malo.
Et sur le haut de la chaîne, il y a marqué quoi? C'est une chaîne qui est en vente à la bijouterie, chef. Hein. Et il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué M. M. M96. Qui correspond à quoi? Oh, je sais pas, certainement. Bah, elle ressemble vraiment à ma chaîne. Vous l'avez sur vous, là? Non, elle est dans mon casier. Et en dessous, il y a marqué quoi, là, non vous... Ouais, elle est dans son casier. Je peux vous montrer maintenant des messages de mon téléphone. Il y en a plein qui veulent me rendre mes chaînes. Attendez, mais je vois... Mais les collègues, attendez, mais je vois même... Je vois même ce casquette, sa décoloration et sa petite fondue. Hé, hey, Kala, C'est marqué Kala sur la chaîne, en plus. Oui. Et moi... Pourquoi il a fait ça, ce Golemon? En gros, c'est marqué Kala. En fait, là, vous faites rire parce que vous rigolez. Vous croyez que vous allez attraper... Non, en fait. En fait, je pense que t'as pas de fusil à pompe. J'ose espérer, mais je pense que là, tu t'es mis dans une merde tout seul parce que t'as voulu exhiber des armes. Des armes lourdes sur Twitter, quoi. Ça va aller nulle part, cette histoire. Au pire, je prendrai 2 000 $ d'amende et tant pis. Ça, la photo, elle me coûté un peu plus cher que prévu. Le problème, c'est que là, l'histoire du fusil à pompe, ça a pris beaucoup d'ampleur et qu'on est un petit peu sur qui-vive par rapport à ça, quoi. Bah, tant pis, soyez sur le qui-vive autant que vous voulez, chef. Ah ouais, bah on l'est. Messieurs les agents, oui. Mlle Poel, est-ce qu'on peut sortir, s'il vous plaît, pour discuter? Ah, bien sûr, on peut. Très bien. Ah, putain de merde. Madame la juge. Négatif, donc j'ai parlé au téléphone avec elle. Oui. En tout cas, elle ne viendra pas, du moins pas pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donc. En fait, moi, je n'aurais pas arrêté comme ça, mais bon, maintenant qu'il est là, quoi. D'accord. Vous allez faire une perquisition chez monsieur. J'ai oublié son nom, excusez-moi. S'il n'y a pas de pompe, on va enlever les charges comme quoi il possédait un pompe. S'il y est, on les laissera. Et donc, du coup, ça partira en procès, étant donné que posséder une arme de guerre est un crime, donc procès directement. Pour ce qui est de l'exhibition d'armes. Selon comment va se dérouler la suite de l'interrogatoire, on va sûrement la garder, étant donné que ça reste quand même de l'exhibition d'armes de poster des photos comme ça, même si ce n'est pas lui, ou que ça peut être lui, ou que ça peut être son frère, enfin voilà. C'est exhiber des armes sur les réseaux sociaux, bonsoir. D'accord ? Le plus important, c'est la possession, de toute façon, que vous pouvez éliminer de l'autre côté. Exactement. Je comprends pourquoi votre mère vous a appelé Sunshine. Oui, d'accord. Donc du coup, ça vous va, messieurs les agents? Je vais vous donner la perquisition et vous allez y aller? Oui, ça marche. Des personnes, peut-être? Non. Comment? J'attends juste que... Faut que j'appelle l'agent. Vas-y, il va chouiner après. Ah, moi, il chouine pas, arrête. C'est quoi, Lanes? Ah, c'est bon, 30 mois. Vous l'avez? Ah, tu prends 10 minutes. Oui. Mais je crois merde, que j'ai bon Zento. Merde. Oui, non, si, appelez l'agent immobilier. Voilà, parfait. Merde. Je suis agent immo, au cas où. Mais... Ah, bon, bah voilà, bah, oui. Une paire de coups. C'est bon, Zento. Voilà. Pourrait prévenir, donc je vais prévenir le jeune homme. C'est comment son nom, s'il vous plaît? Oziel Cardenas. S'il vous plaît. Hein. Pardon, madame. Oui. Pardon. Je vais appeler une... Vous êtes juge? Non, procureur. Procureur, d'accord. Donc, jeune homme. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'actuellement, il va y avoir une perquisition dans votre domicile. D'accord. On va voir directement avec l'agence immobilière pour donc obtenir votre domicile. Quand nous aurons obtenu votre domicile, nous irons donc faire une perquisition là-bas. Il se trouve qu'il n'y a pas de fusil à pompe. Les charges retenues contre vous seront enlevées. S'il s'avère qu'il y a un fusil à pompe, elles seront gardées, donc ça ira directement au procès. Il n'y aura pas de suite. Bien sûr. Vous serez bracelet électronique. Donc en attendant, on va vous remettre en cellule. Il ne faut pas que je sois présent pendant la perquisition. Vous souhaitez être présent? Ah oui. Eh bien, vous serez en charge de 113 ainsi que 74. Ok. Ils prendront en charge. Restez là, vous allez où? Ah oui, t'aurais juste contenté de m'envoyer le message à moi, mais t'as voulu faire mal à ce tuteur. J'ai pas de pompe prise. Ah bah ouais. Encore, ça aurait été... Non, pas de soucis, mais ça aurait été qu'entre toi et moi, Kala. Moi, je serais venu, je t'aurais fait la misère à ma manière, mais t'as voulu exhiber sur Twitter. Je savais pas qu'exhiber sur Twitter, ça allait faire tout sur le même ménage. Ah bah oui, exhiber un fusil à pompe sur Twitter, c'est grave. Hein. Ah mais j'ai exhibé des AK-47 et je suis fan d'armes à feu. Ouais mais je suis vraiment fan d'armes à feu. Ouais, mais en fait le problème c'est que c'est tombé le moment où j'ai perdu un fusil à pompe quoi. Où c'était un fusil à pompe ah, de policier. Ah mais tu l'as retrouvé pareil. J'ai retrouvé mais la photo est un peu datée. Et du coup on a toujours pas trouvé le coupable quoi. Ah ok. Ouais. Tu okay, vois ouais, c'est, je comprends. Mais bon. Ouais. Malheureusement, j'ai pas de pompe. Bah, heureusement. Non, bah, malheureusement pour moi, parce que j'aurais bien voulu en avoir un en vrai.
C'est stylé d'avoir un fusil à pompe, non? C'est stylé, mais bon, tu es en prison, quoi. Ouais, si je me fais arrêter avec. Mais si bon, j'en ai pas, putain. Bon, super, on va préparer la perquise. T'as dit quoi? Merci beaucoup, je vous laisse me l'envoyer par SMS. Merci. Ah. Oui, et moi non plus. Mais là, du parfait. Coup... Oui, on va y aller ensemble, allons-y, hein. Vous avez préparé les... On y va maintenant? Ouais, il a 1, 2, 3, 4 propriétés. Les propriétés? Ouais. Ça marche. Deux maisons, un entrepôt, une garage. Oui, frites maison. On tente toi, Kala? Quoi comme sauce quoi, avec tes wings? Je vais te me noter. Et on va aller faire la perquise. Ok. Allez, il me suit. Allez. Allez, monsieur Cardenas, on avance là. Aïe! Je me suis niqué l'œil. Le bad boy. Non, je suis un gentil gars, moi. Ah, je crois que c'était fan de pistolet. Bah alors, on peut être fan de pistolet et pas être un bad boy. Non, les armes à feu, monsieur, c'est pour les gens dangereux. Ça marche, point virgule, on t'attend. On t'attend de pied faire, point virgule. Tout le monde. On est au Texas, monsieur? Voilà. Il est sur Twitter, c'est un groupe d'assaut, je crois. Même que Riz, ouais. Même que nous. On a le mandat qui est tombé, du coup? Oui, ouais, nous l'a redonné, madame. Okay. Madame la 32 pour SAST Sud, on rentre actuellement dans votre juridiction suite à un 10-56 d'une Buffalo bleue occupée 3 fois par exemple 10-35. Du coup, je vous apporte que j'ai qu'à la rentrer. Pardon. Merci. Quand je fais que bailler, Zubi. Viens avec nous, 27. Et 13, va derrière. Il dans le blindé. Dans le blindé? Ouais. Pour une perquise? Bah oui, parce que si on trouve des trucs. Ouais, t'as raison, Vas-y, Kala, tu vas dans le blindé, madame la juge, vous montez avec nous. Oui, ça marche. Je ouvre l'arrière. Montez devant, madame la juge, vous êtes en place. Ah, ok, t'as ta voiture. Riz. Vous allez sur la perquise. Oui. Qui me parle? C'est moi, à côté de toi. Ça te dit, on passe radio 2, comme ça, moi, on sera clair sur les codes, etc. Pour la perquisition, on passe radio 2, s'il vous plaît. C'est de la perquise radio 2, s'il vous plaît. 13 arrivé sur fréquence. Quand on m'a dit sur mais j'ai toujours lu mon chat, hein. 113, tu sais c'est où ou... Non, mais je suis avec la juge LC normalement. Enfin, la proc. Vous savez c'est où, madame la proc? Que c'est où quoi? Ben, c'est domicile. Le lieu de la perquisition. Normalement, c'est 74 qui a tous les lieux, là. Ok. 74 27. Oui, c'est dans IMO 911 IMO. Attendez, voilà. Bon, j'y ai pas accès, donc je vous laisse regarder. Attends, pour voir. J'espère qu'il a rien. Kala? Oui, pour moi. Dis-moi, tu peux mettre la position exacte ou. Non, c'est bon, regarde. Non, c'est nous, on se débrouille, hein, lui, mais pas de position. Ok, bon. Y a rien dans 900 Jimo. Tu peux le mettre sur. Je... 73-44 pour le premier. Nicolas Avenue. Ok. T'es chez qui, Rio? Attends, je vais monter toute la voiture pour le 113. Il y en a un, il y en a trois. Quatre. C'est bon? Oh, merde, non, je l'ai pas. Il y a 73 Nicolas là. Vous allez où exactement? Après, il y a 73-46, 73-48. Perquisitionnez monsieur Cardenas. Mais je te suis. Mais c'est où exactement? Là, on va à 73-44. Tu m'as rien mis du tout, hein. Ah. Attends, je vais te l'envoyer. Moi, je suis orange, hein. T'as réussi ton kit de voiture? Pourquoi je peux pas envoyer? J'en ai déjà une, je crois, ça fonctionne pas. Il faut qu'il monte après. Je t'ai envoyé 22. Ouais, c'est bon, j'ai. Je te remercie. 22 lead. Chef 4, j'ai pas reçu 100 000 subs, mais t'es un baiser ou quoi, Chef 4? Bah, il nous faudrait la position, non? Ah ouais, mais on va les suivre. Bon. Bon. Ça se passe sinon votre soirée, messieurs? Ben ouais, et toi, madame la proc? Non, je suis très énervée. Hein. Pourquoi?
Il y a certains agents dans le nord. Attendez, qui attendez. De respect, vous mettez pas dans le convoi là, s'il vous plaît, la voiture là. On est les avocats. Oui, mettez-vous à l'arrière du convoi. Bah, il faut nous dire, les agents nous disent. Tu m'as dit quoi, madame la proc? Excusez-moi, oui, je vous ai dit non. Mais non, pas à moi, chef 4, nord, à tout le monde. De respect, il faut que je règle ça. Mais qui? L'agent 142, mais bon. Le problème, c'est que j'aimerais bien régler ça calmement, mais il s'énerve, je ne comprends pas. Tu veux que je m'en occupe? Non. Il est quel grade, lui? Il est officier 3. Mais officier 3, hey, t'as un mot à me dire, hein. Un mot à me dire, Sunshine. Non, mais justement, j'ai pas envie qu'on en arrive à là. Moi, j'aimerais pouvoir m'expliquer comme une adulte avec cet individu. Il est assistanté, techniquement, il devrait comprendre. Oui, bah oui. Ça vous fait quel âge, la Sunshine? 28 ans, et vous? Oh, 29. Enfin, presque 30, bientôt, là. Ah, vous êtes vieux, hein. Oh, bah, toi aussi, quand même. Ça commence à faire, hein. Oui, ça va, hein. Je m'en sors sergent, quand même, hein. Oui, Rookie. Merci beaucoup pour la formation. Vous m'avez appris beaucoup de choses, là. C'est vraiment cool de partout avec vous. Vous êtes le meilleur sergent du monde. De rien, mon petit 13. De rien. D'ailleurs, aussi, merci beaucoup d'avoir aidé ma mère à porter les courses. De rien, 13, de rien. Arrête, s'il te plaît, arrête. Je suis mal à l'aise, là. Tu sais très bien que je fais ça de bon cœur. Oui, je sais que vous faites ça de mal à l'aise, mais c'est pour ça aussi que vous êtes pas commandant d'une association. C'est pour ça que vous êtes pas d'une association. Et d'un. Non, rien. Il a dit que c'était pas lui, qu'il avait trouvé l'image sur Pinterest. Du coup, là, sous autorisation de la proc, on va perquisitionner chez lui. Des enfants malades. Des petits enfants malades. Et vous êtes mariés, vous? Ah, madame la proc. Non, pas du tout. Non. Pourquoi pas du tout? Genre, vous l'avez dit vraiment d'une manière pas du tout, quoi. Ah, bah oui, pas du tout. Non, ça m'intéresse pas le mariage. Hein. C'est quoi qui vous intéresse? Mon sergent n'est pas marié. Hein, bah, écoutez, voilà, bref. Bon, le travail m'intéresse en priorité. Bah oui, moi aussi. On est pareil, mais bon. Non, nous ne sommes pas pareils. Et je vous assure qu'on est pareil. Moi aussi, le travail, c'est ma priorité. Mais. Il faut qu'on puisse fonder une famille un jour ou l'autre, quoi. Je dis ça pour vous aussi. Oui, ça tombe bien, je veux pas fonder de famille. Pourquoi? Ah bah parce que. On veut pas d'enfants. Mais vous êtes un monstre ou quoi? La descendance, l'héritage. Mais je suis stérile, voilà. Non, je suis sûr que non. Bon, écoutez, oui. Ça va, mon lieutenant? Je vais être gilet quand même, c'est oui, jamais, mettez, hein, quelque chose. Je vous protège, vous inquiétez pas. C'est où du coup là qu'il faut aller, les collègues? Faut voir avec l'agent Simo, je n'ai pas l'info, c'est 74 qui gère. Il est où? Attends, il est où le blindé là? Oui, c'est le blindé, s'il vous plaît. Ah, il est où le blindé? C'est en bas, c'est là. C'est sa propriété, c'est en bas, c'est là où on est. Ah. J'avais compris. Bon. Mais non, mais des enfants, normalement, tout le monde veut des enfants. C'est quoi qui vous fait peur? C'est quoi qui vous effraie à... Nick Zabi, frère. Ah. Oui. Attends. Vous m'entendez? J'en ai marre. Oui. Vous m'entendez? Ah, c'est... Oui. Vous m'entendez? Allô? Oui, c'est... Non, c'est... Allô, c'est moi, c'est uniquement moi. Non. Oh. Ah non. Moi aussi, j'avais des problèmes. Arrête, toi aussi. Kala? Oui, tout le monde, je crois. Mais bordel. Bizarre. Bon, on en parlera après. Oui. Eh, attends, viens voir. Il reste pas avec nous. Eh, si tu veux choisir entre le orange, le rouge et le bleu, tu choisirais quoi? Ou le noir? Il reste dans le vin. Orange. Il se pose sur quoi? On t'est chez Orange, Free ou. Ah, Orange. Et putain, et moi aussi. Et toi aussi, tu fais que avoir des mini crash? Non. Ah, ok, d'accord. Super. Non, ça m'arrive juste là, à l'instant. Ok. T'es sûr? Bah oui, je vous ouvre. Je crois que t'as pas les clés, non? Non, mais y'a pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut, vous inquiétez même pas. Écartez-vous là, les collègues. Attends, Riz. Quoi? T'as ton pompe? Non, j'ai un bélier. Ah merde. Juste faites une petite colonne, ok? Il faut clear l'intérieur, une fois que c'est clear, du coup, y'a le procureur qui vient et vous touchez à rien. Allez, hop, 1, 2, et 1, 3, on rentre, les collègues! Ça reste, prof, vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Je panique. Je rappelle les collègues, mais tout ce qui nous intéresse, c'est le fusil à pompe, d'accord? Oui. Capitaine pour Riz.
Oui, mon capi... oui, mon commandant. J'irai avoir un appel comme quoi, apparemment, Kala, à l'enterrement d'Erifa, il a menacé tous les CSP hein, qui étaient sur la fusillade boucherie. Ok, encore. Ah, rien. Bon, RS dans la première propriété. Tout simplement. C'est bon. Ah, d'accord. RS ici. Ah, il a neige, okay. La neige. Si c'est bon à l'intérieur, vous avez rien touché hein? Non, non, on a rien touché. Ok, ok. Bah, re-rentrer du coup avec le proc. Et il faut les témoins neutres aussi. D'accord. Qui voient que du coup y'a rien. Les témoins neutres. Vas-y, vas-y. Mais vas-y toi. Parce que moi je suis son avocate. Vas-y. Super, merci. Ça, ça se passe votre boulot, madame? Oui, ça va, ça va. Et vous, pas trop compliqué, CSP? Super. Bon, écoutez, merci, mon entre les menaces de mort et sur vous, les gens qui veulent nous tuer et qui s'en prennent à nous. À part ça, oui. Oui. Et je me doute, c'est pas tous les jours simples. Mais ça fait longtemps que vous faites ça? Non, mais j'étais CSP avant. Ah ouais? Ah ouais? Et pourquoi vous êtes plus CSP? Oui, oui. Ah, longue histoire, mais là j'ai demandé pour revenir, donc j'attends de savoir si je peux. C'est quoi les grandes lignes? Bonsoir. Comment ça? Bah, SP, mon capitaine, mon commandant. Je suis allé à la mairie bosser avec ma cousine. Ah, et du coup, vous avez quitté le SSP? Oui. Bah, ok, vas-y. J'ai demandé à 22 si je pouvais repasser une PA prochaine. Madame Raven, s'il vous plaît, rentrez dans le véhicule. J'ai lui vrai ça. Par balle, c'est une zone dangereuse, c'est pour votre sécurité que je dis ça. Okay, attends, d'accord. Attends, 42 chaud si téléphone. Vous avez un gilet pare-balles à la rigueur. Avec ce que vous voulez. Mais avec qui tu patrouilles 42 là? Pour qui tu te prends? Vous êtes qui, madame? C'est toujours Raven. Qu'il y a Raven? Oh là là là. Non mais get la frappe. Mais c'est la femme de 42. Mais non mais get. Non mais franchement, non mais Raven, Raven, Raven. D'être le chef, ça paye. Ça va et toi, Rosa? Non mais t'as vu ça ou pas? T'as vu ça ou pas? Je ne regarde pas la femme de mon commandant. Non mais capitaine, franchement, hé capitaine, vous êtes un peu dans le mille hein. Si je peux me permettre... Bah vous savez Riz, moi je m'intéresse plus à ce qu'il y a dans le cerveau, vous voyez. Si je peux me permettre commandant, vous avez de la chance hein. Vous savez moi je me base à ce qu'il y a dans le crâne, vous voyez. Ah oui. Ah mais là, non, parce qu'il y en a dans le crâne hein, franchement, il y en a dans le cranium. Ah, ouais. Ah bah le crâne il est bien chargé là, il y a un cerveau, il est bien en place hein. Là il est bien... Ah ouais, ça... Arrête 13. Non mais ouais, non mais il y en a dans la caboche là. Il y en a dans la caboche. Ah les neurones ils sont bien en place. Ah ouais ouais ouais, eh c'est pas une mongole celle-là hein capitaine, moi je vous le dis hein. Eh capitaine. Eh capitaine. C'est plutôt mongolfière. Ouais. Mongolfière. Oui si tu veux ouais. Ah là là. Ouais, franchement capitaine, capitaine, le jour où vous partez. Ah bah pareil moi. Ah ouais. Ah oui. Merci beaucoup. Vous pouvez pas lui imposer ça capitaine, il faut que vous la quittiez, vous devez la quitter, elle est trop bien pour vous capitaine. Gros bisous, Riz. Moi aussi. Mais je commence pas. Elle vient de dire je t'aime à l'autre mec. C'est à qui t'as dit ça? Rosa et une copine. Une copine? Oui. Elle vient manger à la maison ce soir? Non, je pense que là elle va partir avec des gangsters. Ah ouais d'accord. Comment ça? Bah non mais moi j'aime bien rencontrer des gens tu vois. Oui ça doit être ça oui. T'as du mal à m'accorder de l'attention, tu peux pas en donner à mes copines hein. Tu sais que... Hein? Hein? Tu sais que dans la vie, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi je pense plutôt que... Que dans la vie il y a des rochers, d'accord? Il y a des cailloux. Par contre, toi tu es mon plus beau coquillage que j'ai trouvé. En train de dire quoi? C'est trop mignon, c'est trop mignon mon capitaine, c'est trop mignon. Merci Riz. Oh, c'est bon, allez hop. Oh. Hey capitaine, vous vous rappelez quand on était allé chez le coiffeur dans le nord et que c'est moi qui vous ai trouvé cette coupe? Vous en rappelez ou pas? Oui c'est vrai, je m'en souviens ouais. Vous en rappelez? Bah oui, bah je me souviens de tout hein. Et depuis vous l'avez gardée? Non c'est une autre coupe que tu m'avais donnée. Ah bon? C'est pas celle-là? Je l'avais remis, ça c'est... Non ça c'est celle de base. Moi je me rappelle, je vous avais surtout aidé pour le dégrader. Le petit dégradé, vous l'aviez pas? De coupe, les gens se foutent de ma gueule. Regarde, c'est 22. Pas bien ça, non? Oui. Non. Non, mais c'était le dégradé avant. Oui, avant, il n'avait pas de dégradé. Capitaine, regardez comment je perds tout mon charisme. Avant, il n'y a pas de dégradé. Toi, tu te souviens, c'est incroyable ça. Je suis beau gosse. Regardez comment je suis horrible. Ouais. Non, j'ai bien cette coupe, moi. Non, je suis horrible. Elle me va pas du tout. Ça, là, j'aime pas. Je l'ai mis pour les chapeaux. Il connaît les codes? Ok. Non, il se rappelle pas du coup. Vous attendez quoi là avant de rentrer dans la maison? Ils font le truc avec tes monotes là. Capitaine, on a des. Mes respects.
On a des coffres apparemment qu'on ne peut pas ouvrir et Oziel ne se souvient pas des coffres, on les force, non? Dès que vous êtes là, un coup de pompe dedans. Là-dedans, là? Coup de pompe, vous voulez que je m'y charge, mon capitaine? Oui, allez, allez, Riz. Ah bah, t'as un pompe? Bah j'ai pas de pompe, 22. T'as un pompe, c'est toi? C'est pas grave, je vais tirer dessus, moi, tu es... Vas-y. Tu m'aides. Et... Il y a des codes qu'il faut qu'il rentre. Et je vais vous faire... Loin de là de vous dire quoi que ce soit. Hein. Ouais, non, vous en faites pas. Je les codes. Attendez, je change. Ça va, sinon je... Sinon on ouvre nous-mêmes, canard. Oui, oui, non, mais je veux que vous ouvrez vous. Parce que je... Ah, c'est bon, okay. C'est bon, c'est bon. Bah, c'est bon. C'est bon, attendez. Le premier, vous pouvez ouvrir. Attendez, on fait le deuxième. Par contre, le deuxième, faudra forcer les mecs. Ah ouais? Ouais, faudra forcer le deuxième. Et après, tout le reste, ils sont ouverts. Le papier aussi, faut ouvrir. Merde. Attendez, je regarde. C'est bon, je vais m'en occuper. Hein. Super. C'est bon. Au moins, vous avez plus besoin. Ok, super, écarte-toi. Vas-y. Non, pas de pompe. Pas de pompe. Pas de pompe. Non. Dans le premier, par contre, il y a juste y a des fumigènes. Ouais, mais... de toute façon, on est là pour le pompe. Hein. Ouais. Okay. Y'avait avec là ouais, ok, ouais, super. Allez, on enchaîne, les collègues, on enchaîne. On fait que passer, hein. Et après, ok. Du coup, il est où l'autre logement 74 73, 46. Bizarre quand y'a pas de neige. Je préfère avec la neige. Un lance-roquette, non, c'est un lance-feu d'artifice. 12. Si on prend les véhicules, on peut y faire à pied. 12. 12. Allez, les collègues, là, on remonte dans les bagnoles là et on passe à la perquis suivante, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il y a à moi et ce qu'il y a pas à moi. Je sais qu'il y a de la belle dedans. Ouais, 12. Ceux qui veulent le jeton sur téléphone, ils ont reçu une notif. Vous allez sur Safari, vous allez vous taper Twitch version PC, vous vous connectez, il y aura écrit s'abonner avec le jeton. Masterclass clip de Flashback FR. Il y en a plein qui posaient la question en plus. Vous avez retenu le FC téléphone? C'est juste au-dessus. Ouais, bah, je vous accompagne à pied? Non, on prend les véhicules, non. Ouais, bah, ça, c'est à toi de me dire. Si t'as la poste, c'est à toi de me dire. Du coup, il faut toujours maintenir. Non, non, à 74. Il faut toujours maintenir, du coup, un espèce de périmètre de sécurité. Donc, si t'estimes. Bah, moi, j'ai promis qu'à Miami, je ne serai pas capitaine, tu vois. Et bah, moi, si un jour je vais à Miami, ce sera moi le capitaine. Ouais. Parce que bah, vous allez voir. Je pense, en vrai, de vrai, voilà, là, si je devais te dire un prime de grade pour toi, eh ben, je te le dirais pas. Voilà. Parce que ma vie ne s'arrête pas à ça. Et moi, capitaine, mais vous êtes un très bon agent. Oh, oh. Vous dites Riz. Ouais. Honnêtement, ouais. Je pense que vous ferez un très bon lieutenant, maximum. Moi, ah ouais, non, moi, je pense que dedans, ça va être vraiment le grade où je vais le plus me faire chier. Tu penses quoi? C'est sergent-chef? En fait, je pense sergent-chef, ce sera mon prime. Bah là, je pense déjà tu vas rester un bout de temps sergent, tu vois. Ah oui, je m'en doute. Mais Et si jamais, bah... croyez pas que à la cérémonie, j'attendais pas de passer sergent-chef, hein, si jamais. Ah non, non, bah non, je viens de passer sergent. Faut... Ça, oui, c'est mais pour c'est pour ça. Non, je pense non, que... prends tes marques en tant que sergent et fais-toi plaisir. Ouais. Allez, on y va. Et on verra. On y va. Ouais. C'est juste 9-7, faut baisser. Faut baisser. Qui te fera monter. Faut baisser 9-7, hein. Allo, tu penses? Police. Ouais, ouais. Bah dès qu'il fera une connerie, ça va baisser. Oui, quoi? Oui, vous voulez quoi, vous? Oui, parce que vous faites quoi ici? Perquisition. Mais de quoi je fumais? Allez, on circule les racailles là. Allez, dégage. C'est bon, je sais. Dégage. C'est chez moi. C'est chez toi, dégage. Allez, bonne soirée, monsieur. Faites attention. Allez, Raven, viens avec moi. Non. Mais pourquoi non? Avec moi. Et Raven, viens avec nous, c'est bon. Raven. Désolé, je suis mon cœur. Oui. Putain, voiture, oui, allô, ça tient Coq au téléphone. Coq? Oui. Ouais. Oui. Ça, oui, c'est Coq. Est-ce que vous serez disponible avec Coq pour qu'on puisse discuter? Avec un K. Madame. T'es KOCH. Quand vous êtes disponible, vous me prévenez, d'accord? Allez, pousse-toi, toi. Qu'on puisse discuter, merci. Écartez-vous, là, écartez-vous de mon chemin. Pourquoi ils ont mis des dodanes à... Mais oui, là, je sais pas pourquoi il y a des dodanes. Oh, putain, ça... Oh là là. S'il te plaît. Attention. Mais vous roulez sur quelqu'un, là. C'est j'ai... pas un dodan. Quoi? J'ai roulé sur quelqu'un? Non. Mais oui. Arrêtez. Mais sérieux? Non, mais c'était un individu, attention, là, sérieux. Oh, là, là. Putain, merde. Bah, je sais pas, j'avais pas vu. Trop. Oh, God. Vraiment, ça fait bip bip. Madame, God et... Oh. Mais qu'est-ce que je vois? Y a-t-il un problème, très cher? C'est des plaintes de coq, ça? Ah, peu, non.
Ça. Moi, je m'y connais, hein. Je m'y connais en potager. Ça c'est des navets. Ça, c'est des navets. Ouais, mais ça se voit, les plantes sont mortes. Ouais, bah oui, avec la température en même temps. Ah non, vous bon, allez, on enchaîne, c'est ici le prochain. Attendez, Et vous avez vu au-dessus, il y a des petits problèmes quand on monte à l'étage. Oh okay. Allô au moins, non, il y a juste des problèmes, n'y allez pas. Mais non, mais c'est trop bizarre, frère. C'est trop bizarre. Genre, je voyais le chat qui bougeait, je vous voyais écrire. Mais genre, sur OBS, ça marquait 0 KBS. Moi, lieutenant. Non, non. Attends, j'ai pas tombé dans le vide. Non, c'est bon. Pourquoi tu tombes dans le vide? Ok, non, c'est bon, y'a rien. C'est quoi ça? C'est un club. C'est le label, c'est le label. C'est un label, ça. Ouais. Okay. Ils ont fait un vrai bail quand même, hein. C'est stylé. Hein. Ouais, vrai bail. Ouais. Et c'est stylé de ouf. Faut baisse qui bug, non, parce que même mon retour de live il bug. Alors je le vois pas, c'est trop bizarre. Pourquoi c'est stylé ici? Bien investi, hein. Ils ont investi des sous de ouf. Oh. Merde. C'est stylé ça. Bah, Pignon Zazin, bah, tu sais que c'est les gens qui l'ont fait eux-mêmes, hein. Y'a même un mini foot. Merde. Et putain, je vais me faire la même erreur. On clear juste et après on ressort, hein. Ne fouillez pas les coffres, tout ça. Mais de toute façon, t'as vu des coffres, toi là? Hein? Ah, vous avez vu des coffres? Non, pas grand chose, hein. Ok, du coup, une fois que tu clear, on ressort et on va chercher le témoin neutre et la. Ouais, affirmatif, Pignon Zazin. Comment? Ouais, je crois qu'il y a même pas de coffre ici, hein. C'est grand, donc on attend. C'est un studio ici, les gars. Ouais, y a même pas de coffre ici, hein. Ça a rien. Il a dit que c'était son label. On peut bouger. Bah oui, c'est un studio, je crois. Putain, on enchaîne. Bah, s'il y a pas de coffre, oui. Oui, très très bonne idée, ça. Et du coup, le dernier, c'est 73-48. Allez, on est reparti. On y va. Il est ici, il est ici. Il est bien payé 30 000. Ouais, ouais. Je me casse la musique, moi. Et c'est où? En fait, tu vois le jour où tu seras mort, ce child? Comment? Le jour où tu seras mort, qu'est-ce qui va rester de toi dans cette terre? Si, c'est pas grand-chose, hein. Ma richesse. Bah oui, mais ta richesse, qui c'est qui va en profiter? Ça m'étonne. Oh, richesse enfouie dans des tréfonds, oui. Oui, mais qui va en profiter de ta richesse? Moi, je vous tiens un truc. Pas personne. Faites des gosses, bordel. Faites des gosses. Ah non, je veux pas enfanter. Ça marche pas? C'est là? Ah, 73-48, c'est plus bas, non? Je sais pas, il me dit que c'est là. C'est celui-là, 73-48. La gage, c'est un paquet. Y'a un dossier d'opération pour la perquise ou pas? Après, c'est chelou. Oui. En fait, c'est Nicolas Avenue. C'est ici, Cala. Cala, il dit. Ouais, il dit c'est ici. Je sais pas si c'est ça. Le surveiller Cardenas, c'est ce que c'est là. Allez, je tape. T'as même pas dit c'est là. C'est 3-2-1, les gars, on rentre. Oh. Y'a rien à voir de plus. Y'a un truc. Oh, les collègues. Ouais. Regarde ici. Mais c'est le même coffre partout, ok. On s'en fout, on cherche des fusils à pompe là, on n'a pas le temps de faire des enquêtes scientifiques là sur c'est quoi de toute façon. Techniquement, ça c'est la chaussure immobilière. Ok. Bah, allez-y, faites vos trucs, hein. Ok, bon, allez voir. J'ai rien d'autre à moi. Ouais. Si, aussi, vous vérifiez du coup. Il y en a un quatrième normalement, il y a deux entrepôts, non, oui. Vous m'avez dit Non, il y en avait que trois. Avec trois? Il y avait que trois habitations. Enfin. Et... Prise. Oui, 22. Par rapport à Franklin, oui. Ce que je voulais te dire tout à l'heure. Oui. On est d'accord maintenant, il fait un truc, tu fais une procédure. Ouais? Ouais, on est d'accord. Ok. Ok. Ok, bon, y'a pas. Très bien. On ramène monsieur au poste. Il sera quand même à demander pour exhibition d'armes. Nous retirons du coup. On y go. Ok. Du coup, vous pouvez retourner. T'as mangé quoi ce soir d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. J'ai mangé du riz. Au. Ouais. Au safran.
safran. Attends, je vais démolir ça. Avec des crevettes, ouais. Ah, oh, ça devait être bon. Franchement, c'était bon. Non, safran, moi j'aime pas trop. Ça stérilise la bouche là. Ça stérilise la bouche, mais pour qui tu te prends des... Eh, depuis que tu veux pas de gosse, toi, tu veux tout que tu sois stérile. Stérile. Madame. Mais non, mais c'est un goût bizarre. La vie, elle dans est la pas bouche, en noir et blanc. Madame, la vie, elle est en couleur. Oh là là. Il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui veulent vivre. Elle veut pas d'enfants, elle veut pas de safran, elle veut rien. Arrêtez de gâcher le plaisir de tout le monde. Si lui, il aime bien les safrans avec les crevettes, il aime bien les safrans. Je ne doute pas de sa qualité si de vous, goût. Si vous voulez garder votre argent, si moi je veux tout jouer au casino et tout perdre et être SDF, c'est mon problème. Oui, bah, t'es... ouais. Et quoi, il y a ça, quelqu'un... Je vous conseille pas de faire ça, tout quelqu'un même. Vous a brisé le cœur, Sunshine madame. Dis-moi la vérité. Je pense que oui. Pas du tout, pas du tout. Je pense que tout. Cette demoiselle, au contraire, est dans la détresse. En gros, je t'explique pas pour mais moi. Mais pas du regardez, tout. Regardez, comment tu... Vas-y, dis-moi comment elle je suis. Elle a eu une histoire d'amour. Ouais. Durant sa jeunesse, mais très jeune. Ouais. Genre, à ses années de lycée, etc. Ouais. Elle était moche, elle devait être très moche. Non, c'est l'inverse, parce qu'en général, quand t'es moche au lycée, après non. Tu veux des mecs et non, tout. Non. Et elle était amoureuse d'un beau gosse. Et le beau gosse, bah, un jour, il lui a donné l'heure. Et bah, tu sais quoi, il est tombé amoureux d'elle, le beau gosse. Et le beau gosse, bah, il l'a quitté. Il l'a trompé. Votre histoire, vous devriez en écrire, hein. Et du coup, elle est super déçue. Et depuis, elle croit plus en l'amour et elle croit plus au bonheur. D'accord. Parce que pour elle, si même elle d'accord, n'a pas le bonheur, oui. Qui a le droit au bonheur? Ouais, je vois. C'est vrai, c'est une bonne question, ça, jeune homme. 13. Je pense que vous devriez laisser une chance à l'amour. 13, oui. Sunshine. 113, 13, vous êtes frère? Non, c'est mon petit rookie, mais vous devriez laisser une chance à l'amour. Oui, peut-être un jour, oui. Vous savez qu'est-ce qu'on dit, madame? L'amour rend pas aveugle. Il fait croire en nos dreams. Pardon? L'amour rend pas aveugle, il fait croire en your dreams, en tes rêves. Vous savez parfait. Qu'est-ce qu'on dit sur les rêves? Parfait, ouais, dites-moi. Les rêves ne sont pas là pour être rêvés, ils sont là pour être exécutés. Et madame, Charles de Gaulle. Vous savez, mais, c'est quoi la différence entre une juge blonde et un taxi? Mm-hmm. Je l'ai. Non, je sais pas, dites-moi. La calandre. Vous avez compris? Vous l'avez ou pas? Excellent, oui. Vous l'avez? Vous l'avez? Excellent. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Pas du tout. Ah, ouais, moi aussi je pensais qu'elle l'avait. Je dégue. C'était plus que ça au départ. Eh, je sais pas ce que j'ai, je suis trop fatigué. Juste le véhicule de Riz. Le véhicule de Riz, là je suis déjà au PDP, moi c'est bon, hein. La prochaine fois, restez avec le convoi, il y a toujours le suspect dedans. Ah ouais, c'est vrai les collègues, c'est vrai, pardon. Même je suis fort en citation. T'es fort en citation? Je devrais écrire un livre. Vas-y, fais-moi une citation, une nouvelle. Pour l'attente. Sur quoi? Motivation, du moins un thème. Ouais, vas-y, c'est quoi motivation? Très bien. Celui qui n'est pas prêt à affronter le lac ne sera jamais un Brice de Nice. Pas mal. Là, je vais au chat, c'est là. Je suis en mode, ouais. Ah ouais. Je suis en mode, il est chaud. Hein. Ça fait réfléchir. Hein. Ouais. Tu sais, moi, j'aime bien me dire, rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre je que tes parents soient morts. Début, hein. Je voulais la sortir au début. Rien à foutre que t'aies pas de jambes. Va à la salle et cours. Ça, tu vois, c'est ma préférée, celle-là. Ok. Et moi, j'en ai une. Vas-y. Mentir, c'est mal. Mais passer par des chemins, c'est bien. Oh. Tu sais quoi, j'en ai encore mieux. Vas-y. Ah. Tu l'as. J'ai pas entendu, je me suis évanoui. Non. Je te jure. Ok. Vas-y. Noël, c'est haram. Ouais. La prime de Noël, ça passe. Tu l'as ou pas? Oui, je l'ai. Je l'ai, d'accord. Non, on dit pas je l'ai, on dit je l'ai. Je l'ai. Voilà. Ça marche. T'as la marchandise, oui, je l'ai. Et moi, je vais aller dormir, mon petit chaton. Vas-y, à plus. Vas-y, bonne nuit. Depuis petit, on me fascine. Faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.